C'est la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, profitez de cette radio libre. Nous aussi, on va en profiter jusqu'à minuit. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Et bien, vous pouvez même réagir dès maintenant, nous laisser des messages dès maintenant. Ouais. Passer tous les messages que vous avez envie de passer sur Skyrock. C'est ouvert à tout le monde. La plus grande radio libre de France. Vous avez envie de dire un truc. Vous avez un service à demander. Vous voulez faire les cons en direct. Profitez-en. Toute l'équipe est là. Ben oui. Une équipe là, en pleine forme. Ouais. Bonjour, Samy. Salut, bonsoir toi. Moi, je suis au taquet, les gars. Au taquet. Match facile ce soir parce que vous jouez contre Francfort. C'est quand même des. Ah, il commence. Non, mais c'est quand même une équipe de merde. Eh, Jifoul, il prépare le terrain pour nous vanner dans une heure et demie quand on sera fait taper le cul. Ah non, mais c'est vrai, gros. Facile. Hein. Francfort, facile. Je dis rien, gros. Mais, bah oui. Allez, non, je dis rien. Bah oui. Bon, allez, vous échauffez. Franchement, j'y crois, les gars. Voilà. Donc, ce soir, on va se qualifier. Bah facile, Putain, les doigts dans le nez normalement, Samy. Les doigts dans le nez partout même. Ouais, partout les doigts. Dans le tout, on peut tout faire dans la radio libre, vous avez tous les droits, vous le savez. On parle de tout ce que vous voulez. On fait tout ce que vous voulez. Ah, elle va pas commencer. Médeline, encourage l'OM. Elle est avec l'OM. Elle fait chier. Elle vient de dire allez l'OM. C'est bien ce chien. Allez l'OM. Non, vous êtes ouf, elle vient de parler allemand, les gars. Guten Tag, Médeline. Exactement. Guten Larso, Médeline. Donc, Francfort-Marseille, c'est la championne. J'espère qu'on aura autant de buts qu'hier soir avec PSG. On va suivre ça en direct. Samy est là, les autres. Les autres footix sont là aussi avec nous. Bonsoir, bonsoir Guigui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Rebonsoir Karim. Salut les filles, salut tout le monde. Il y a de l'écho dans ton truc. Ouais, il y a de l'écho, t'es en boîte. T'écoutes... Ah mais je suis chez moi. Oui, oui, mais je sais, tu es à la maison. Ah ouais, déjà. T'es sûr que t'es pas en boîte? Je sais pas, j'ai pas enlevé des meubles, tu vois ce que je veux dire. Elle est pas vite. C'est que ton truc est trop fort. Mais déjà hier un peu, ça faisait ça. C'est peut-être le casque qui est trop fort. Attention, t'as Marie, la technicienne qui prend les choses. Non, mais c'est la technicienne, mais je l'avais entendu, tu sais, j'ai des oreilles en fait. Oui, c'est mieux. Ah ouais, t'as des oreilles, c'est un truc de ouf. J'ai des oreilles, et oui, c'est dingue. Elle a des oreilles, elle a même une bouche. Et un gros chat. Ah, mais tu m'emmerdes avec ça, putain, avec ta petite bite là. Bonsoir la Marie. Ouh là là. Bonsoir tout le monde. Qui c'est qui a une petite bite? Ah, c'est Guigui. Ah, bah c'est ça, ça parle ah mal. Ça, là. C'est clair que les putain, deux. Putain, moi j'ai rien demandé, moi, putain. L'équipe de chute. Non, mais je pense que Guigui, ça doit être bien pire que Romano. Oh là là, mais c'est quoi cette attaque? Merci, je pense Marie. Que c'est bien plus fin. Plus bah fin, écoute, ça. T'as pas encore vu tout le matos. Mais non, mais je vais jamais je te le voir. Dis. Les gars, j'annonce but de Francfort. Vas-y, arrête mais de spoiler non. déjà, Karim, c'est relou. But ça. De Francfort. Vas-y, gros. Ah oui, les gars. But de Francfort. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, dis donc, 1-0. Facile, on a dit. Il y a deux semaines, on a pris un but, rappelle-toi, gros, au bout de 30 secondes. C'est vrai. On a gagné 4-1, je sais pas quoi derrière. Et là, vous l'avez pris au bout de 3 minutes. Ouais, donc c'est pareil, on gagnera 3-1. Bon, but de Francfort, ça démarre fort ce soir, tiens. C'est bon, tant mieux. Pourtant, j'ai trouvé nul, moi, Francfort. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est non, mais pas terrible en plus. Hein. Ah, et leurs deux derniers matchs de championnat, ils ont fait des belles victoires quand même. Ouais. Ah, les gars, vous jouez contre des guignols, vous perdez. Nah, casse-toi. Ouais. Alors, c'est pas fini. Allez, l'OM. C'est bon, toi le guignol. Ça bien nous sûr. Fait donc c'est que le début. 1-0 pour Francfort. Même le nul, on serait quel enfoiré, il se marre. Arrête de spoiler les buts. Comment ça va, Romano? Je vois que tu souris avec le but de Francfort. C'est pas très gentil pour les Marseillais. Non, mais moi, j'ai allé Marseille quand même. Bah oui, Romano. Bah oui, on est pour les équipes. Bah oui, ouais. Vive la France. Ouais, tiens, le foot, c'est pas le truc qui me passionne le plus souvent. Ah ouais. Oui, ça on compte. Non mais moi ce soir je suis concentré sur mon clash qui aura lieu tout à l'heure. Ah c'est oui, clash de la drague à retrouver. Ah. Ah, surtout que tu pars de haut. Ouais, là j'ai la barre. Ouais, plus de 70% lundi. Ouais, c'est par de très très haut. J'ai pas fait 76 même, un truc comme ça, Marie, toi qui tiens les comptes. T'as fait, je vais te dire exactement. Elle tient le bar, moi, 76, j'ai de la mémoire, ouais. Et Cédric, prêt aussi pour le clash? Toujours opérationnel, ma gueule. Tu pars de moins haut, toi. Bah ouais, t'as vu. Tu pars de 24. Bah, c'est une belle progression que je vais faire ce soir, parce que je vais gagner le clash. Je te le souhaite, on l'espère tous, Cédric, pour avoir un beau clash tout à l'heure. Inch'Allah, man. Romano, Cédric, merci. Le clash de la drague à retrouver. Pour les doubles appels, tiens, parce qu'on fera les doubles appels aussi avant le clash. On va essayer de se les faire avant 10h du soir. Les doubles appels, vous nous laissez les numéros avec l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Numéros, vous les envoyez, vous nous dites qui c'est par rapport à vous, vous envoyez les numéros de gens que vous aimez bien. Et on connectera tout le monde tout à l'heure. Ouais. Pour le reste, appelez-nous si vous avez un truc à nous dire, si vous avez un petit problème à gérer, vous voulez lancer un petit sujet, il vous est arrivé un truc aujourd'hui, vous voulez faire les cons avec nous, enfin tout est possible. Ouais. C'est donc au 01 53 40 30 20 et je vous le disais, l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. On vous salue d'ailleurs, vous qui êtes déjà là. Bonjour à Daliane du 94, il nous dit bonsoir l'équipe et Médéline. Bonsoir. Bonsoir à toi, Daliane. C'est bien, vous oubliez jamais Médéline. Bonsoir à Tonton qui est là aussi du 82. Salut, les Marseillais vont se prendre de la saucisse de Francfort. Ah, ça va. Dans le cul. Détendez-vous. Toi. D'ailleurs, pour l'info, là, au moment où on se parle, la Marseille est dernier de son groupe. Hein. 4ème sur 4. Ouais, mais bon, tout le monde a même le choix. Non, mais je donne l'info comme ça, là, en ce moment, là. Et bon. Si on gagne, on est qualifié. Donc. Ouais, à l'OM. Ça veut rien dire, ça. C'est normal, en tout cas. Allez, l'OM. Non, c'est ça se joue au boulodrome. Ah non, c'est pas au boulodrome, Marie. C'est pas au boulodrome. Ah non. C'est à Francfort, c'est à l'extérieur. Exactement. Ouais, bon.
c'est pour les surprendre qu'on fait ça. On leur laisse marquer un but et après, on les nique. C'est une certaine note. J'espère que l'OM va battre Roquefort. C'est Mathieu. C'est Mathieu qui soutient l'OM, qui nous laisse un message. Il y a Juju qui nous demande si on change d'heure bientôt. Ouais, c'est ce week-end. Je crois, ouais. C'est le 30, là. On va changer d'heure. Il fera nuit à 5h de l'après-midi. Ça veut dire genre quand il sera 22h, il sera quelle heure en vrai? 21h. Ok. Non, je sais pas. Ah merde, à chaque fois. Je comprends jamais rien, moi. Non, je crois que là, on gagne une heure. Non, on dort une heure de plus. Bah, ouais, si c'est nuit plus tôt. On dort ou on fait la fête une heure de plus. En tout cas, on change d'heure. Ouais, il fera nuit plus tôt. De toute façon, les téléphones se changent tout seuls. Donc on recule d'une heure. On recule d'une heure. C'est ça. Parce qu'à 18h, la nuit, ce sera 17h. Donc on gagne une heure de sommeil. On gagne une heure de sommeil. Ouais, donc on avait raison. Exactement. Voilà, Juju, t'as bien fait de poser la question. On s'est bien mangé la tête. À chaque fois. Ouais, de ouf. Mais on a trouvé la réponse. Donc les doubles appels, le clash de la drague, vous toutes en direct tout au long de la soirée. Bonjour au fêtard mystère qui est là. Il y a Kevin du 19 qui est là aussi. Bonjour à toi, Kevin. On t'embrasse et on embrasse tout Brive-la-Gaillarde. Ah d'ailleurs, t'as une pensée pour Justine disparue ou enlevée à Brive-la-Gaillarde. Ah oui, cette histoire est horrible. Mais il y a un suspect d'arrêter là. Ah ça y est, ils ont arrêté. Ouais, j'ai pas vu moi ça. Moi je suis pas trop ces histoires de. Si je suis avec Rémi dans les infos le matin chez nous. Ah Justine, c'est une meuf de 20 ans en fait. Samedi soir, elle était en boîte, là, une boîte qui s'appelle La Charrette. Ouais. Et en fait, en sortant de boîte, la dernière fois où elle a été vue, elle discutait avec un mec. Et depuis, elle est disparue. Là, ils ont retrouvé son sac à main. Brûlé. Oh. Oh oui. Ah ouais. Le corps il est pas encore retrouvé, mais ils sont sur un suspect là. Bon alors après bon, il y a quand même la présomption d'innocence. Oui non bien sûr. Mais donc ils ont arrêté un mec, ils ont retrouvé du sang dans sa bagnole. Là tout ça c'est en analyse pour le moment. Ok. Bon, mais pour le moment ils ont pas retrouvé le corps. Et ben pensez à Brive. Le problème c'est qu'il y a plein d'étangs dans le coin où elle a disparu, donc en fait ils ont envoyé des plongeurs un peu partout pour sonder les étangs du coin. Bon, très bien. Bah écoute, pensez à vous, à Brive-la-Gaillarde. Ah ouais, aussi, puis à la famille. Yes. Bon, il y a Dave du 83, il y a Aurora qui est là avec nous aussi, qui fait bonjour la famille, coucou la petite Marie. Oui. Bonjour au Marocain du 59. Salut à toi, le Marocain. On te fait des bisous. Et puis donc, le premier pour démarrer cette soirée avec nous. Et Diffoul, tu voudrais pas parler des rêves? Des rêves. Quoi? Ouais, parce que l'autre jour, tu m'as raconté un rêve que t'avais fait. C'est lequel? Parce que vous savez que je rêve. Et celui avec les phoques dans la baignoire. Ah oui, alors celui avec les... Ah, il s'assoit de ma gueule avec mon dromadaire. C'est l'autre, il est avec des phoques dans la baignoire. J'étais avec des phoques dans la baignoire. Alors, j'étais avec toi, Karim. Il y avait Karim, Cariole du Morning et Médéline. Et on jouait avec Médéline. Vas-y, raconte, Karim. C'est des meufs. Ah, putain, tu sais que je m'en rappelle plus de ce rêve. Je me rappelle juste des phoques dans la baignoire, gros. Alors, tu m'avais dit qu'il y avait... Karim, Cariole et Médéline. Et donc, on est moi, donc. Et on jouait avec Médéline. Médéline était contente. Elle jouait avec nous. Et puis, tout à coup, il y a des chats qui arrivent. Trois chats qui se mettent autour de Médéline. Et bizarrement, d'habitude, elle les bouffe. Et ben bizarrement là, elle se pose et elle les regarde et les chats ils jouent avec leurs pattes, ils essayaient de l'agresser tout ça et Médéline elle était toute pas bien. Cariole et Karim et moi, on la rassure, on lui dit c'est rien, c'est des chats. Et là à ce moment-là, il y a un phoque qui arrive. tout ça se passait dans la salle de bain à côté de la baignoire et le phoque il essaye de ken Médéline et moi je lui dis mais non, elle va tomber enceinte Médéline. Non, faut pas qu'il la ken. T'imagines le taré. Et là Karim il dit vas-y, mets-la dans la baignoire. Okay. Non, il dit, mais non, moi à ce moment-là, apparemment, je t'aurais dit, non, laisse-la, comme ça fera des bébés phoques et oui, on les mettra dans la baignoire. On les mettra dans la baignoire, c'est ça. Ah ouais, putain, tu pars loin quand même. Voilà. Alors, t'es allé loin. Est-ce que tu peux nous faire, Romano, une interprétation de ce rêve? Non, mais je suis pas rêvologue. Hein. Il est pas révolté. Non, rêvologue. Alors, c'était bien un phoque ou est-ce que c'était un éléphant de mer? Là, j'aurais bien eu l'idée de quelqu'un qui aurait pu faire une intrusion dans le rêve. Non. Vous imaginez par contre, on peut rêver des trucs. Mais oui, mais j'ai rêvé à toi. On peut rêver des trucs de ouf. Ah ouais, ça c'est clair. Mais quelle est la signification de ce rêve? D'habitude, j'arrive à les interpréter. Celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal. Ouais, c'est compliqué. Pour répondre à la ténébreuse, non, j'étais pas drogué. Non, quand je fumais, je rêvais pas. Bien. Ouais, non, mais c'est vrai. Quand t'arrêtes de fumer, tu rêves. Et quand t'arrêtes de fumer, ouais, tu rêves. Ouais. Tu rêves, mais moi, tu sais, la plupart du temps, je m'en souviens pas. Hein. Tu te rappelles pas? Non, je vous dis, je n'étais pas drogué. Merci à Mika aussi qui nous dit la drogue était bonne. Non, pas du tout, j'étais pas drogué du tout. J'ai une signification peut-être pour ton rêve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, sur internet, je sais pas si c'est fiable ou pas. Ah oui, c'est ça, on les mettra dans la baignoire. C'est très fiable. Je me rappelle, Karim, tu vois, j'avais presque oublié la fin. Tu vois. Alors là, ils disent un rêve de phoque est généralement synonyme de plaisir, de jovialité et de bon moment. Ah bah voilà, c'est super. Et d'autre part, ils sont également synonymes de pouvoir et d'autorité.
Très bien. Et le fait que Medellin se fasse ken par un phoque, alors, je sais pas si je vais trouver l'explication pour ça du coup. Un chien qui va falloir chercher loin. Ken par un phoque pour savoir. Si vous avez vous aussi fait des rêves un petit peu bizarres qui vous ont déstabilisé, qui vous ont un petit peu désarçonné, vous pouvez nous raconter. Hein. Donc Romano, toi tu rêves pas, toi. Tu te souviens jamais de tes rêves. C'est ouf ça. Voilà, putain, comme ça, non. Non, mais tu sais, je dors peu. Bah, moi aussi. Bah, ouais, moi, je quand même rêver. Bah, moi, je m'en souviens pas. Ah, ça veut dire, en même temps, pour faire un rêve aussi merdique que le tien, je pense. Ah, il est pas mal, moi, je trouve. Il était sympa, il y avait. Ouais, c'est marrant. Il y avait Medellin, il y avait Cariole. Tu foutais ta meuf dans la salle de bain de foule, par contre. Ouais, non, mais t'inquiète. Après un bain. T'inquiète plus. Et on était tous les trois dans la salle de bain. Voilà, on les mettra dans la baignoire, les phoques. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Marie. Quelquefois, tu rêves de trucs que t'as regardé, tu sais, juste avant de t'endormir. Ah, ça m'arrive, ça aussi. J'ai pas regardé de documentaire sur les phoques. Ouais, non, mais c'est ça, c'est chelou. Je te le dis. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas rêvé, ou alors je m'en souviens pas, mais c'est la drogue, Marie. Cédric, tu... c'est... Non, en ce moment, je me souviens pas de mes rêves. Tu rêves pas non plus, Cédric? Non, en ce moment, non. Pourtant, tu te drogues pas, toi? Non, non, je me drogue pas, non. Et Samy? Moi, ouais, ça m'arrive souvent, gros. Tu rêves à quoi? Puis des fois, je fais des rêves, des cauchemars horribles, gros. Ah, j'ai rêvé au PSG. Tu rêves que t'es supporter, ouais, du PSG. Ça t'as déjà rêvé, genre? Non, mais tu sais, supporter du PSG, genre, tu te parisien. Non, j'ai déjà rêvé que j'étais joueur de l'OM et que je jouais au Parc des Princes, ouais. Et je marquais des buts, je me niquais. T'as rêvé que t'étais joueur du PSG? Ah, jamais, gros. Non, j'ai déjà rêvé que ma meuf, elle se faisait ken, enfin, rêver, cauchemar, tu vois. Par un mec du PSG? Je sais pas qui, je me suis. Oh, par Neymar, tu me dis Neymar, gros. Genre, je rentrais, elle était là, mais tu sais, en toute décontraction. Genre, attends, je finis avec le mec, j'arrive, tu sais, genre, sans pression, tu vois. Tranquille. Ouais, que des trucs comme ça. Ah ouais, là, effectivement, c'est un peu bizarre. Je peux rien faire. Elle est cool, ta meuf. Et toi, t'es vénère dans ton rêve. Ouais, c'est que des cauchemars comme ça. Après, tu te réveilles, t'es énervé, tu vois, alors qu'elle a rien fait, ta meuf. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ça va. Ouais, c'est ça. Ça te met mal. On avait eu des témoignages le matin de gens qui se réveillaient énervés parmi, ça m'est déjà arrivé. Parmi votre entourage, parce qu'ils avaient rêvé à un truc. Genre, tu dors avec ta meuf, elle rêve que t'es en train de, que t'es en train de la faire cocu. Ouais, tu fais cocu. Et elle se réveille et elle te fait la gueule. Alors toi, t'y es pour rien, t'es en train de dormir. C'est cadeau gratuit. Ouais. T'es en train de dormir tranquille. Bon, il y a Mathieu, tiens, qui est avec nous en direct du 62. Salut Mathieu. Bienvenue. Salut l'équipe, ça va? Salut ouais, à toi, Mathieu. Et puis on prendra Tim dans un instant aussi avec nous. T'es là, Tim aussi? Ouais, Tim. Ouais, je suis là. Salut Tim. Salut Tim. Alors Tim, t'as 17 ans. Mais ça va bien. Oh, bien, bien. T'es à Nîmes, toi, c'est ça? Hein? Ouais, de Nîmes. De Nîmes. On a offert 1 500 € à côté de Nîmes, c'était lundi. Une ville qui s'appelle La Calmette, je crois. Tu connais La Calmette? Ah, je connais pas du tout. Ouais, c'est à côté. Okay. Ouais, je connais. Oh, à Nîmes, on soutient l'OM à Nîmes. Et moi, je suis pour Paris. Eh ben, chance. Ah, ça fait plaisir. Paris. Ouais, vous m'entendez plus pendant une heure, c'est bon. Mais sinon, oui, tout le monde supporte l'OM, moi. Ah, voilà, merci de. Il y a que toi qui soutiens Paris, toi. Non, mais t'es un bon, t'es courageux. Bon, tu bouges pas, Tim, tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles. Toi, c'est par rapport à ton caractère, ton attitude, enfin tu vas nous dire. C'est ça. Reste là. Et Mathieu, toi t'appelais pour l'histoire des rêves. Salut Mathieu, donc. Dans 29 ans. Ouais, et dans le 62, toi. C'est bien le nord, le sud, dans le Pas-de-Calais, c'est toi. Bien ça. Alors qu'est-ce que tu voulais nous dire? Est-ce que tu as une interprétation de mon rêve avec Medellin qui se fait pécane par un petit phoque et on mettra les petits bébés dans la baignoire? Non, j'ai aucune interprétation. Si tu veux interpréter mes rêves à moi, enfin deux de mes rêves. Ouais. Ça m'aiderait quand même. Alors attends, par contre, il faut bien parler dans le téléphone, sinon on va pas comprendre les rêves, Mathieu. Ah ouais, vous m'entendez mieux là? Pas de réseau. Ah bah là, il y a Karim, on t'entend de loin. Il y a plus de réseau du tout là. Allô, c'était Guigui. Ah non, c'est Guigui. Ouais. Comment ça se fait quand t'entends de loin, Guigui? Bah, je sais pas. Bah, t'as eu ton micro. T'as eu ton micro, mais faut acheter ta gueule surtout. Alors, oui, tu disais, Mathieu. Ouais, je disais, si tu peux interpréter un de mes rêves, ce serait cool. Alors, déjà, on va essayer d'interpréter ce que tu nous dis, Mathieu, là, d'ici quelques instants. Tu bouges pas, Mathieu, on va essayer de rétablir tout ça. Mathieu, qui a eu Cédric au téléphone, j'imagine. Aïe. Ah oui, c'est ça. En même temps, c'est celui qui répond pour le moment, donc en même temps. Alors Marie, qu'est-ce que tu fais? Je mange. Non, je suis en train de prendre un numéro de téléphone pour les rêves. Pour commander un l'apéro. Bah non, je suis sur les messages sur mon téléphone. Tu vois. C'est bien la Marie. Eh oui. Marie bon. Est suréquipée techniquement. Ah bah grave, je suis sur mon iPhone pour regarder vos telex. Un iPhone à deux. Je suis suréquipée. Alors t'as rêvé à quoi? Je salue tous ceux qui se sont pissés dessus d'ailleurs. Il y a le Marocain du 59 à qui c'est arrivé. Ouais. Il y a également Loïc du 73 qui nous envoie un message. Lui, un jour, j'ai rêvé que j'étais en train de pisser, je me suis réveillé tout mouillé. Donc c'est arrivé. Et le Marocain, il nous dit quoi? Moi, j'ai rêvé que je pissais, j'ai senti la chaleur entre mes jambes et je me suis vraiment fait dessus. Ah ouais, non, mais c'est à l'enfer. Ouais, c'est ouf ça. Ah, tu te réveilles, t'es dans ta pisse. Ouais, et ceux également qui se réveillent tout mouillés parce qu'ils ont rêvé un rêve érotique. Il m'est arrivé de faire des rêves érotiques quand j'étais ado. C'est le message de Momo là. Momo du 7-8. Salut à toi, Momo.
et Elodie qui fait moi je rêve que les gens ils meurent tout le temps. Ah bah c'est sympa. Ah, j'avoue, c'est, bah, c'est pas vraiment un rêve là, c'est plus un cauchemar du coup. Ça, c'est horrible, ça te fout dans un mood quand tu te réveilles, laisse tomber quoi. C'est des cauchemars ça, ouais. Moi j'aime pas les cauchemars, ça te met mal quand tu te réveilles. Ah ouais, non mais c'est clair. Ouais. Bon, on va te reprendre dans un instant Mathieu, tu bouges pas, tu restes avec nous et puis donc interprétation de rêve si vous voulez qu'on se lance là-dedans. C'est pas toi qui connaissais des interprétations de rêves, Romano, tu nous avais pas fait ça un soir. Ah ouais, mais c'était pendant le confinement, j'avais un bouquin chez moi. Ouais. Ah ouais, Cariole, elle a un bouquin, mais là je l'ai pas là malheureusement, là, parce que je suis avec. Et tu l'as pas appris par cœur, non? Non, parce que c'est pas non plus une passion dans la vie. Mais c'est intéressant. Non regarde. Mais c'est, non mais il se trouvait que j'avais le bouquin sous les yeux, parce que Cariole aime bien toutes ces conneries là. Conneries de gonzesses, ça, tu vois. Oh. Non, mais bon, moi, je pense qu'il y a peut-être eu. Bah, ouais, mais est-ce que c'est vrai, tous ces trucs, tu vois. Et Aurora, c'est déjà réveillée en train de se pisser dessus, elle aussi. Putain, il y en a un nombre de qui se sont pissés dessus, là. Dans mon rêve, je pissais debout, en plus. Ça, c'est le rêve de plein de filles, de pouvoir pisser debout, là. C'est vrai que nous, on a ce privilège. C'est ouais, c'est super. Vrai que c'est assez pratique. Marie, t'as déjà essayé avec ta chatte en la pinçant, je sais pas. Hein. Non, mais j'ai déjà pissé, c'est la question, gros. T'es un ouf, gros. Mais tu pinces pas, tu pisses debout, tu fais un jet bien. Non, mais genre, tu tires la chatte vers le haut pour que. Ouais, mais tu vois, c'est ça que je voulais. Ouais, genre, et tu pisses dans un urinoir, tu vois. Mais non, tu pisses par terre. Tu touches à rien, tu pisses par terre. Moi, j'avais la meuf d'un pote en Italie, elle avait acheté l'espèce de cône, là. Ouais, ma meuf est là, gros. Ça pour ça marche bien. Ah, pour pisser debout. Pour pisser debout, ouais. Ouais, ça marche super quoi. Genre, elle se le rentre dans la chatte. Non, non, mais pas, c'est un entonnoir. C'est un espèce d'entonnoir. Et ça lui permet de pisser debout comme un cum, tu vois. Il faut le rincer après, quoi. Vous avez déjà rêvé. Et après, elle le garde ou. Ouais, le garde. Ouais, tu mets dans. Elle le met dans son sac à main. C'est ça. C'est marrant, beaucoup de rêves. Ça sert d'antivol tellement ça pue la pisse. Non, et tu le rinces. C'est dégueulasse. C'est pas con. C'est en silicone. Beaucoup de rêves de pipi, c'est marrant. Et est-ce que vous avez déjà rêvé de faire l'amour avec quelqu'un que vous détestiez? C'est ce qui est arrivé à Rachid le surveillant, qui dit, il a 26 ans, rêve érotique étrange, j'ai rêvé il y a quelques mois que je baisais une meuf que je déteste. Bah, c'est chelou ça. Bah il doit y avoir une interprétation. Hein. Ça doit vouloir dire quelque chose. J'aurais su qu'on parlerait de rêve, j'aurais ramené le bouquin. Bah ouais, on n'avait pas prévu, tu vois. C'est ça la radio libre, tout se passe en direct comme ça. C'est ça. J'ai freestyle, man. Ouais, c'est freestyle. Bon, tiens Mathieu, alors t'es arrivé à quoi toi Mathieu? Ouais, alors vous m'entendez là? Vas-y, là c'est bon. Ah. Alors voilà, alors, en fait j'ai rêvé que j'avais une relation sadomasochisme avec ma cousine. Ah t'as rêvé que tu couchais avec ta cousine. Sadomaso. Ça commence à devenir sale. C'est énervé. Il y en a qui se sont dit ouais ça parle de pisse, ça va être sale. Non mais là on est vraiment dans le sale. Ah ouais là c'est clair. Mais genre SM, genre c'est elle te fouette, c'est elle qui te hagar ou c'est toi tu la hagar? Ouais non, c'est en fait c'est moi qui me fais hagar et le pire c'est que c'est pas uro sado, enfin vraiment. D'accord. Ça doit pas mettre mal à l'aise. Sale quoi. Ah ouais après quand tu. Il y a pas de scato un peu de caca. Pas de scato Cédric. C'est-à-dire que la fois où tu la vois juste après ton rêve, ça doit te faire un petit peu c'est chelou. Clair. Est-ce que tu l'aimes pas ta cousine Mathieu? Bah ouais, voilà, je peux pas la piffrer. Ah ouais, mais il doit y avoir de ça. Alors peut-être que ça signifie que t'as pensé à elle, tu sais un truc, tu la détestes, tu vois, t'as pensé à elle à un moment et t'as rêvé d'elle, gros. Ouais, tu l'aimes pas et dans tes. Et genre pour te venger, tu la baises. Non, c'est l'inverse. C'est elle qui le. C'est elle qui te. Ouais, c'est elle qui te baise, quoi. Bah ouais. Donc peut-être qu'elle te fait souffrir dans la vie ou elle te pourrit la vie ou c'est quoi? Bah non, même pas, mais en fait, quand on était jeunes, on était beaucoup ensemble, et puis après, on s'est perdu de vue, et on se parle plus du tout, on peut pas se voir ensemble, et puis voilà, les rêves sont apparus à ce moment-là. Bon, si vous savez, Romano, tu te rappelles pas de ton livre là-dessus. Tu rêves. Le livre, il fait 300 pages. Tu n'as pas à foutre d'apprendre un livre de rêve. Mais tu pourrais te rappeler de certains trucs. Mais on avait parlé, je sais plus. Tu baises avec ta cousine que t'aimes pas, et elle te fouette, et elle te met minable. Ouais, non, mais moi, je sais foutre rien. Je ne sais pas, je n'ai pas ce putain de bouquin ici, moi. Fais chier. Ouais, tu penses peut-être trop à elle dans la vie de tous les jours. Tu lui accordes trop d'importance et elle vient te pirater dans tes rêves. Message du pirate, justement, là, sur l'appli Skyrock. Peut-être le pirate. Ouais, bon, ça aussi, c'est un rêve chelou. Ça, je tombe sur une signification de ça, justement, vite fait, là. Alors, écoute bien, Mathieu. Bon, je sais pas si c'est fiable ou pas, hein, encore une fois. Écoute, Mathieu. Rêver de faire l'amour avec un cousin ou une cousine a étonnamment des significations très positives. Ah. Ce rêve peut indiquer un haut niveau de maturité émotionnelle qui permet d'aimer l'autre malgré ses défauts. Ah, donc tu vas peut-être aimer ta cousine, c'est peut-être une envie d'aimer ta cousine que tu détestes. Ouais. Tu te dis maintenant il est temps de passer à autre chose et donc je vais aimer ma cousine et l'autre elle va me marave dans mes rêves. Voilà, c'est ça. Bon, après est-ce que c'est fiable ou pas ça? Voilà, c'était un cauchemar. Bah je serais mal si je rêvais à ma cousine. Ouais, ça on peut comprendre, ouais. Ah moi elle sera pinable. C'est mec. Ah non, sérieux, c'est gentil mais tu rêverais à ta cousine, Romano, ça serait un cauchemar toi.
y en a une dans l'eau qui je sais même pas, tu sais, Manu, on se voit pas, je suis comme un sans famille. On se voit pas. Oh, non mais j'habite loin, on s'est jamais trop fréquenté, tu vois. Donc à part celle avec qui je jouais à la Barbie un peu, mais c'était la moins moche de toutes. Quand Manu, quand il voit ses cousines, il joue à la Barbie. Non mais bon, c'était quand j'étais gamin. Aujourd'hui je joue à la Barbie. Tu joues à la Barbie, Mathieu, avec ta cousine, toi? Non, je joue pas à la Barbie, je joue au docteur. Eh ben écoute, tu vois. Eh ben tu vois, t'as rejoué au docteur dans tes rêves. Comme quoi. Et tu bandais quand tu t'es réveillé. Très bonne question du Rapper's Delight là sur la piste Skyrock. Ouais. Mais... Ah ouais, tu bandais en plus. Non mais c'est peut-être une envie de te réconcilier avec ta cousine. Mais physiquement, tu la trouves bonne ou pas? Bon, non mais. Ah non, horrible. Allez, moche. Ah ouais, donc c'est à total. Non mais c'est juste une envie de te réconcilier, je pense. Ah mais c'est horrible de canner quelqu'un de moche. Merci Guigui, l'interprétateur de rêve. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Hein. L'interprétateur, ouais. L'interprète plutôt. Oui, c'est mieux. C'est mieux, effectivement. Ça n'a choqué personne dans l'équipe. Hein. Non, vous avez vu. Normal, attends. Mais alors, absolument personne, tu vois. Oh là, interprétateur. Oh là, quel bon mot. Bon Mathieu, voilà une petite signification. On fait des interprétations de rêve express là, ce soir. Tu guides pas Mathieu, on va te faire une bise. Et puis tiens-nous au courant, si t'as des nouvelles de la cousine, hein, tu nous fais signe. N'allez quand même pas jusqu'à, enfin va quand même pas jusqu'à réaliser ton rêve. Hein. Non, bah, attends. C'est Mix qui nous dit ça. N'allez quand même pas jusqu'à réaliser tous vos rêves. Ça peut être dangereux avec les cousines. Ah, c'est clair. Ah oui, puis elle va te marave en plus. Eh, but Mathieu. De l'OM les gars. Ah bah voilà. Aïe, on voit les nouvelles nouvelles. C'est le rêve éveillé, le rêve marseillais. Et voilà. Ah c'est beau, c'est partout. T'as soulagé les gars. Y a pas une petite VAR pour annuler tout ça là? Non, c'est un beau but, hein, reprise de volée de Guendouzi. Non, franchement, c'est bien. Un partout entre l'OM et. Je vous cache pas que je stressais un peu quand même. Allez, bravo l'OM. Parce qu'on a fait un but juste avant. Ah ouais, même notre deux, défense, même gros. Avec Balerdi là. Et même deux, incroyable. Tu vois. Bon, ça fait un partout. On vous tient au courant. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Mathieu, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, et puis on va s'occuper de Tim aussi. Tim en direct avec nous. Y a pas que les rêves dans la radio libre. Y a Tim. Donc de Nîmes, t'es là Tim? Ouais c'est ça. Bah, tu te souviens de tes rêves? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Eh ben c'est gentil de nous appeler. T'as 17 ans, t'es en vacances actuellement, tu bosses, tu fais quoi toi? Non moi je bosse, je suis en apprentissage. D'accord, t'apprends quoi? J'étais en carrelage avant, là je suis en boucherie. T'es en carrelage boucherie. Là je suis en boucherie là. D'accord, ça change. Sandoucherie. Non, boucherie. Par contre, t'as les oreilles bouchées. Si tu peux venir déboucher Cédric, Tim, ça serait pas mal. Cédric, il est un peu bouché ce soir. Tu te souviens de tes rêves, toi, Tim, ou tu fais partie des gens? Ouais, moi, ça m'est arrivé une fois, il y a pas longtemps. D'arriver à quoi? Je baisais une meuf, et quand je suis réveillé, j'avais le sentiment, tu vois, de l'avoir baisé. Mais est-ce que t'étais tout mouillé? Ouais. Ah, t'étais excité. Ah, elle a craché. Ah, t'étais tout mouillé. Une fois, je pensais, je rêvais de pisser. Aussi. Mais il y a eu un nombre de messages sur les gens qui se pissent dessus. D'ailleurs, Romano, c'est arrivé de te pisser dessus, toi, je crois. Ouais, mais alors moi, c'était particulier parce que j'avais l'impression de bander dans mon rêve. Et en fait, au moment de juter, je me suis pissé dessus. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est ouf, ça. Bon, alors, Tim. Marche bien ce soir, il y a une chambre d'écho, mais à différents moments de l'émission. Je me disais, c'est quoi ce truc? Et qui fonctionne particulièrement bien. C'est ta voix, Marie. Alors, Tim, en direct avec nous, toi, tu nous appelles parce qu'il y a un truc dans ton caractère que tu comprends, pas trop, c'est ça? C'est ça. Je m'embrouille avec tout le monde, en fait. Donc, toi, t'es le genre de mec qui t'embrouille avec. Quoi, t'es un nerveux, en fait? Et quand tu dis que t'embrouilles avec tout le monde, même avec des gens que t'aimes bien? J'ai quelques potes, quoi, tu vois. Mais beaucoup de gens dans les classes, ou quoi, je m'embrouille, ils savent même pas, ou voilà. Bah ouais, mais c'est sûr que si tu t'embrouilles et que t'es énervé tout le temps, t'embrouilles avec tout le monde, les gens ils ont peut-être un peu je rigole avec les gens, machin, je rigole. Et il y en a ça plaît pas, et du coup. Les gens, c'est quoi ta dernière embrouille en boucherie? Parce qu'en plus ça peut être dangereux là ton histoire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est moins dangereux avec du carrelage. Je me suis embrouillé coup de machette. Non, c'était à la gare là contre un boucher, il faisait le fou. J'ai dit, écoute, j'ai un homme plus que toi, je fais 1m80, 85 kilos, je vais te tomber dessus, je lui ai dit. Il faisait 50 kilos, le pauvre. Ouais, mais ça veut rien dire. Tu peux être petit et nerveux. Il a commencé à pousser, j'en ai pris deux, et son père est venu, parce qu'ils étaient ensemble, le petit. Ouais, non, mais il faut se calmer quand même. C'est parce qu'à un moment donné, il va t'arriver des bricoles. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par il faisait le fou? Il commence à te pousser, insulter ta mère. Moi, j'en ai pris une en deux. Mais il a pas insulté ta mère comme ça, il est pas venu te voir, il t'a pas poussé, et puis il t'a pas dit ta mère. Avec ses collègues. Gratuit, oui, mais il y a eu une embrouille avant. Non mais c'est parti de quoi? Genre comme ça, gratos, le mec il est... Ouais, c'est ça. Parle bien, attends, je vais pas m'embrouiller avec toi, mais est-ce que tu pourrais s'il te plaît mieux parler dans ton téléphone, si c'était éventuellement possible? Sois poli. Tu vois, René, il est gentil avec toi. C'est carré comme ça. Vas-y, dis, mais oui, elle est pas venue comme ça l'embrouille.
Mais c'est des petits trucs de merde au début, des petits insultes, des petits machins. Sauf qu'après, il a voulu faire le mec qui voulait ramener des gens. Moi, je lui ai dit, je te prends maintenant. Du coup, après, il a pas assumé. D'accord. Mais c'est une embrouille de merde quand même, type. Tu t'en rends compte? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est clair. Bah oui. Une embrouille de merde. Ça part de petits trucs, donc. Ah oui. Non, mais surtout, un jour, ça va mal se terminer, tu vois. Ouais. Le mec en face, c'est des trucs à la con. Il va mal tomber ou toi. J'ai une main, j'ai bien. Ça, c'est bien dit, Marie. On connaît bien la mère de famille. J'ai de ma vie des vilains. Il y a le Frenchie qui nous écoute à Londres là, ce soir. Salut London, vous pouvez nous écouter dans le monde entier avec l'appli Skyrock. Hein. L'appli Skyrock, vous l'amenez en vacances, vous l'amenez si vous êtes loin, si vous avez travaillé ailleurs. Donc salut à toi le Frenchie qui dit faut pas taper sur les plus petits que toi. Ah oui, tu nous as dit qu'il était tout petit en plus, qu'il avait un an de moins que toi. Donc lui, il avait 16, toi t'avais 17. Tu t'embrouilles aussi avec des gens de la famille, avec tes parents Non, les parents. Frères, sœurs. Qui me prennent un coup de ceinture, le daron. D'accord. Il sait comment gérer, le daron, c'est bien. Et Samy, prépare-toi, man. Ah, vas-y, commence pas avec Attention, qu'il se Vas-y, arrête de spoiler, toi. Et un but de France. Vas-y, on va te couper le micro, quand même. Tu vois, Tim, tu dois être content puisque tu ne soutiens pas Marseille. Vas-y, arrête, sans déconner. Pardon. Non, mais c'est bien, on a les buts avant tout le monde. Mais oui, Medellin, il y a encore eu un but. Oui, Medellin. Bon, ça nous fait 2 à 1 pour Francfort. Mais rien n'est fini, Samy. Non, c'est pas fini. Rien n'est fini, il y aura peut-être 3-1. C'est pas fini. 2-1, c'est Francfort qui a marqué un deuxième but. Putain, on perd trop de ballons, ça. Ah, il faut pas perdre les ballons, les Marseillais. Eh ouais. Bon, Tim, on va. Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, toi? Savoir comment moins s'embrouiller avec les gens, être plus cool. Oui, faut te dire que parfois, tu vois, t'embrouiller pour une connerie avec un mec qui est plus petit que toi, y a pas de fierté à avoir en fait. Ah, c'est clair, non. Ouais, c'est vrai. Tu peux. Au contraire. Moi, je pense qu'il y a toujours meilleur moyen que de s'embrouiller. Non, mais alors, c'est malheureux à dire, mais il faut peut-être qu'un jour tu te prennes une bonne branlée, ça va peut-être te calmer. C'est malheureux, mais il y en a, c'est comme ça qu'ils se calment. Hein, c'est qu'un jour, ils se font marbrer la gueule et puis après, ils arrêtent. Ouais, c'est vrai. Non, mais le mieux, ce serait quand même d'essayer d'arrêter avant qu'il t'arrive ça, quoi, tu vois. Avant de te faire marbrer, Tim. Ça serait quand même. C'est le but. Oui, c'est le but. Le but de l'OM. Non, pas de but pour l'instant. Ah non, de Francfort. But de Francfort. Ouais. Bon, si vous aussi vous êtes un peu sanguin, vous énervez pour des conneries et puis vous regrettez après, parce que souvent tu regrettes, tu t'énerves et tu regrettes. Oui. Vous pouvez nous dire si vous êtes vénère, vous avez des témoignages à nous faire, vous n'hésitez pas, allez-y. Faudrait que tu changes d'orientation parce que tu es dangereux en étant bouché, tu vois. Un message de Léa sur l'appli Skyrock, fidèle Léa qui est là tous les soirs. Salut à toi Léa. Ah bah il faut pas que tu pètes un câble dans le labo, ouais, parce que ouais. Dans la boucherie, parce que là ça partir en couille. Effectivement, il y a des armes à disposition, quoi. Il oui, y a Flo du Québec qui dit: moi je suis en embrouille avec mon frère depuis presque 10 ans. Moi je m'embrouille avec tout le monde, même avec la famille. Je supporte pas qu'on me fasse une réflexion. C'est le cas là sur l'appli, le cas du 31. Salut le 31, salut le cas. Donc si non, mais bon, il y a embrouille. Quand c'est une embrouille, tu sais que tu te prends la tête, mais t'en viens pas aux mains ou à te tabasser. Bon, ça arrive. Après, je pense qu'il faut se contrôler au niveau de la violence physique. Julien qui dit: faut contrôler ses nerfs, tu vois. Ça tombe bien. Manon, faut contrôler ses nerfs. Moi quand je suis énervé, je m'embrouille pas, je pleure. C'est Samaël. Bah, il vaut peut-être mieux pleurer que de t'embrouiller et puis de te faire marave là. C'est sûr. Juste derrière. Mais une période, je pleurais beaucoup. Tu pleurais, pourquoi tu étais triste? Non, je sais pas. C'est les nerfs. Non, mais comme tu sais, je pleurais énormément. Et fais gaffe, parce que. Je vais être un peu dépressif. Je pense. Il y a plusieurs messages qui nous disent qu'il faut se méfier. Il y a Nazo qui nous envoie un message du 33 du côté de Bordeaux et qui nous dit: moi, j'ai un pote, ça l'a calmé un jour, il a fini à l'hôpital et il s'est fait démonter par. Par un groupe de mecs. Et un autre message, il est où? C'est Rennes du 23. Moi, mon frère. Mais oui, faut pas s'énerver, Medellin. Moi, mon frère, c'est la prison qui l'a calmé direct. Ouais, mais tu vois, c'est vrai. Autant se calmer avant, quoi. Ouais. Et Brian. Si éviter la prison. Il y a plus sympa. Brian, 24 ans, qui dit: moi aussi, je m'énerve. Une critique de la famille et je m'énerve direct. Bon, calmez-vous, les man, là. Et les woman aussi, d'ailleurs. Hein. Filles et garçons, vous pouvez tous réagir. Vous nous dites pour Tim. Tu veux qu'on demande quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, Tim? Donc, s'il y a d'autres personnes qui s'énervent pour rien, comme toi. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça passera avec l'âge, c'est peut-être parce qu'il a 17 ans. Moi, je me suis calmé quand j'ai eu 30 ans que je suis rentré dans la police. Ah, t'es rentré chez les keufs à 30 ans, t'as dit donc. Salut John. John du 59. Bon, vos réactions. Il y en a qui sont nerveux à tout âge. Regarde, hein. Des fois, tu vois des embrouilles dans la rue. Des fois, c'est des darons. Ouais, hein. C'est vrai, ouais, des vieux, parfois. Ouais. Ah ouais. Je vais te foutre un coup de fourche. Ou un coup de canne.
Un coup de canne, t'imagines, des vieux qui se battent à coup de canne. Bah ouais. Bon, on en reparle avec Tim, vous avez des moyens pour vous calmer, vous avez des stories à nous raconter. Allez-y, on a les doubles appels qui arrivent en direct sur Skyrock, vous tous et vous toutes, pour tout ce que vous voulez, jusqu'à minuit. La plus grande radio libre de France, le son de Réma, là, tout de suite, avec Calm Down. Ah, j'adore, Calm Down. Ouais, moi aussi, j'aime bien Réma. Les doubles appels aussi à retrouver, merci pour les numéros que vous envoyez. On teste les numéros, et dès qu'on est prêt, on va le faire avant 10h. Ça vous dérange pas si je chante un peu sur le son? Le double appel, peut-être avec le micro fermé. Ah bah non, c'est moi, radio libre. Je pense que ce sera mieux. Libre. Et moi avec le, avec le casque bien fort sur la tête. Allez, découverte Skyrock, c'est Réma. Radio libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Calm down sur Skyrock, c'était le gros son de Réma sur Sky, radio libre en direct jusqu'à minuit, 01 53 43 20. Pour nous appeler, mais oui, merci Romano de nous avoir interprété hors antenne ce gros son. Lockdown. Gros son de Réma. Bon, on écoutera quoi? On écoutera du Gambi là tout à l'heure. Tiens, on va se faire Gambi. Bien, c'est PTT. Je peux TT. Ouais, bien PTT. Puis si vous avez envie d'écouter un truc, vous pouvez nous faire signe. Hein, c'est radio libre. Vous pouvez même choisir les sons, tiens, ce soir. Parce qu'on n'a pas fait la prog en entier. Donc il y a du Gambi qui arrive. Ça, c'est sûr. Pour le reste, bah, à vous de choisir. Vous nous demandez avec l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Vous pouvez nous parler de plein de choses. Vous avez essayé d'appeler Quentin? Ouais, il répond pas Quentin, je lui ai même laissé un message, donc essaye d'être joignable Quentin s'il te plaît. Bah oui Quentin, Quentin du 76, yes. T'as 24 ans, il dit bonjour l'équipe, je suis avec ma copine depuis 3 ans et je me rends compte qu'elle ne ressent plus rien quand on ken. Aïe. Ah, ça peut être relou ça. Ouais. Ou alors elle est pas très expressive, ah ouais, hein. Des meufs elles sont pas très expressives. Ouais, mais si elle était avant et qu'elle est plus, c'est elle écrit plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que si ça a changé par rapport à avant, c'est pas facile. Bon, on s'occupe de Tim qui s'énerve pour rien, vous avez des gros vénères dans votre entourage. Votre dernier coup de nerf, c'était quoi? Vous nous faites signe avec l'appli, le 41759, le skyrock.fm et vous appelez avec toute l'équipe qui vous répond. Car on est en direct, il est 21h36 sur Skyrock. On approche du double appel aussi, les doubles appels qui arrivent. On aura le clash de la drague à retrouver tout à l'heure. Et puis Lénith qui voulait réagir pour Tim, qui a peut-être une solution qu'on va retrouver dans un instant. Juste avant, on va refaire un tour du côté des rêves. On a eu énormément de messages, avec notamment Guillaume qui nous dit « Vous êtes trop fort au niveau de l'interprétation des rêves. » Merci à toi, Guillaume. Il y a Nordine qui nous dit « Moi, c'est ma mère, elle interprète tous les rêves. Elle pense qu'ils ont une signification profonde. Les rêves sont le reflet de l'âme, elle dit. » Wow, Nordine, ta mère, elle pense des trucs waouh. Ah ouais. Ou alors elle est complètement arrachée. Romano le sait, il vit avec Cariole qui elle aussi interprète les rêves. Ah, complètement baisé. Parle avec les chiens. Ah ouais, et puis là elle me gave avec Noël là. Ah, elle fait de la magie blanche aussi. Ouais, parce qu'on lui a fait remarquer que hier on était à 2 mois de Noël. Ah non, mais il a fallu descendre à la cave aujourd'hui. Je t'annonce qu'elle va sortir le sapin demain. Non, mais on a déjà été chercher les décorations. Chez l'ami des cerfs dans ton baraque. Non, c'est pas des non, c'est des genres de caribous, des genres de caribous habillés. Ah, c'est ça, des bestioles habillées en Père Noël. En habit de Noël. Des rennes, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas des cerfs, c'est des. Non, mais c'est des caribous, je crois. Ouais. Précisément. Moi, Carole m'a fait un décompte tous les matins là pour juste avant Noël. Ah, donc elle a commencé à J-100. Ouais, non, mais tous les matins on y a droit. Tous les matins, ouais. Non, mais là, parce que tu sais, je lui dis, ouais, cet après-midi, j'avais pas envie en fait. De quoi? J'avais autre chose à foutre, à vrai dire. De quoi? Descendre à la cave chercher des décorations de Noël. Ouais. Et là, elle m'a pris par les sentiments. Elle fait, ah, de toute façon, tu fais jamais rien pour moi. Ah, ouais, elle a bien raison. J'ai dit, allez, vas-y, on va descendre chercher. Allez, on va te faire plaisir. Ouais, je vais remonter deux cartons. Elle était contente. Elle a commencé à mettre des trucs dans la baraque. Ah, mais moi, ça me déprime. Et le sapin demain, il arrive. Non, mais le sapin sort de question. Il fait 25 degrés dehors, il y a un sapin chez Romano. Normal. Il y en a qui vont à la plage, il y a un sapin chez Romano. Ah, mais tu sais, ce qu'on disait hier, dans plein de magasins, ils commencent déjà à mettre les trucs de Noël. Non, mais d'ailleurs, pour les gens comme Cariole, c'est parti, ouais. S'il y a des parents qui nous écoutent, vous avez des enfants, ça commence à acheter les cadeaux, ça y est. Bah, il faut les acheter avant, ça coûte moins cher. Et puis les gros succès de l'année, je pense que cette année, les jouets top tendance. Bah, le camion qui prend feu, là, de la. Bah, là, il est plus en vente à la grande récré, là. Dommage. Ça, oui, parce que hier, c'était une info rigolote. En fait, c'est la grande récré. Ils ont rappelé un camion de pompier parce qu'il y a un risque d'incendie. Voilà. Et con pour un camion de pompier. Effectivement. C'est con, ça. Ça, c'est vrai que c'est vraiment con. C'est vrai. Sur le goût, là. C'est drôle, man. J'adore, moi aussi. Dans le concept. C'est le camion de pompier qui prend feu. Il y a un risque, d'incendie. Et ouais. Donc, il rappelle. Là, je pense qu'il y a la mode cette année, ouais. Dites-nous si vous avez des enfants. Ouais, ou des petits frères, des petites sœurs. Ouais, toujours. Enfin, moi, mon petit neveu. Ou des petits neveux, ou des filleuls. Pokémon à bloc et les Lego. Ouais, moi aussi, il a acheté un livre de Pokémon. Ah, Pokémon, comme ça rend fou. Ouais, ça rend fou. Non, mais ça fait. Tu sais qu'il connaît, moi, il a 6 ans. Ah, bah, pareil. Il va avoir 6 ans. Tous les personnages, tous les Pokémon. Ah, moi, ça y est, ma fille, elle s'en bat les couilles de tout ça. Elle veut que de l'oseille pour sortir. Ah, voilà, ça y est, elle a passé l'âge. Ah, ça y est, ouais. Elle va avoir 13 ans, ta fille.
Bah, elle va avoir 14 ans, frérot. Ah ouais, pour voilà. acheter des clopes et tout. Bah ouais, c'est ça. Et puis non, va avoir... Attends, elle a quel âge? Elle a 12 ans, Karim. Elle est née en 2009. Ouais, t'as connu pas l'âge de sa fille, c'est cool. Ah ouais, elle a 13 ans. Ah bah c'est bon, bah, pas aller pour Noël une boîte de capote. Ah ouais, 13 ans. Ouais, elle va avoir 14 ans. Ah non, elle a de l'oseille. Ah bah c'est normal. Je vais te niquer, qu'est-ce que t'as dit, toi? Écoute, il faut qu'elle se protège. Allez, parle bien, gros. Allez, boîte de capote. Et un stérilet, c'est Guy. C'est Guy. Allez hop. Guy, ta meuf, elle t'avait, ta meuf, ta mère, elle t'avait donné des capotes. Ah ma mère, alors c'était pas pour l'anniversaire, c'était pas pour Noël, c'était juste comme ça. Tu devais te gêner, non? C'était pour le plaisir, en fait. Est-ce que t'es devenu tout rouge comme quand on parle de cul dans l'émission? Ah bah alors là, laisse tomber, j'étais rouge écarlate. Ouais, parce que j'allais faire une prière après. Ouais, bah bien sûr. J'aurais pas faire une photo de Jésus, maman. Il risque confessé. Non mais je sais pas, ma mère elle vient me voir et tout, mais en plus j'étais en quoi? J'étais en 6ème ou 5ème. Ouais. Donc je connaissais pas encore trop l'univers du sexe, quoi. Et elle vient me voir et tout, elle me dit bon bah mon doudou. Plus aujourd'hui finalement. Ah si, un peu plus. Encore moi, un petit chouïa. Pas grand chose, mais un petit peu plus. En fait, mais c'est ce que tout le monde dit, mais les capotes, en fait, elles ont périmé. Non, mais je t'explique, elles ont périmé, elles n'ont jamais servi, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Et donc, elle était venue me voir et tout, m'a dit bon, mon doudou, si jamais ça t'arrive, tiens, t'as de quoi te protéger. Non, mais en 6ème. Non, mais c'était en 5ème, je crois. 5ème ou 4ème. Je sais plus. Et bref, et ma mère, elle me dit, donc elle me dit ça et tout. Moi, je lui dis, mais maman, jamais j'utiliserai ta capote, c'est sûr et certain. Parce qu'au moment où je vais la déballer, je vais penser à toi, ça va pas le faire. Oui, Et puis, elle t'a quand même grave surcoté niveau sexe, quoi. Elle a cru que t'allais. Je lui ai dit, maman, t'es allé un peu tôt là. Parce que moi, j'en avais donné à mon fils, c'était des capotes clairs. Mais usagées. Non, mais tu sais, j'ai filé une capote de mon mec. Tiens, fiston. Tu la rinceras, tu l'utiliseras avec ta meuf. On avait des capotes Skyrock, tu sais, dans un petit étui en carton. C'était joli d'ailleurs. Ouais, c'était joli. Et donc il avait ça dans sa poche. J'en avais filé. Non mais bon, vaut mieux sur. J'avais donné, ça coulait parce qu'il y avait. Ah oh, mais arrête, oh, mais c'est dégueulasse. Le carton était humide. Tu penses à des trucs, toi, immonde. Aussi. Vaut mieux sortir couvert. Bah oui, c'est ça. C'est mieux. Bon. C'est vrai qu'on entend moins parler, mais bon, il y a toujours des maladies. Hein. Bah oui, oui. On parlera des embrouilles là dans un instant. Je vois le message d'Aketo 113. Il a 39 ans. Il nous dit moi je suis en embrouille avec mon grand frère, car il a présenté un mec de 27 ans à ma meuf. Attends, j'ai pas compris. Je suis en embrouille avec mon grand frère car elle a présenté à un mec de 27 ans et elle avait 16 ans et j'ai pas accepté. Je ne comprends pas ton message, Aketo. C'est-à-dire. Mais on peut quand même revenir sur les embrouilles parce que je voyais plein de messages qui arrivaient. Faut faire du sport de combat, nous dit le routier du 63. Moi, je suis en embrouille. Ah ouais, fait de la boxe comme dit Foul. Ouais, boxe taille, ça calme, c'est pas mal. C'est ça, ouais. C'est vrai. Ouais, moi, j'écoute du son quand je suis énervé, comme ça, je me calme. Ça m'évite de me prendre la tête avec des cons et d'avoir des embrouilles. Marouane du 13 qui dit moi, je suis très nerveux, c'est la boxe qui m'a calmé. Tu vois, encore du sport. C'est bien connu. Ouais. Bon, on y revient. On va y revenir. On aura des témoignages qui arrivent en direct. Et puis, on était sur les rêves là il y a un instant et justement, il y a des réactions qui arrivent. On a qui? On a Camille en ligne avec nous dans le 75 à Paris. Camille, 28 ans. Salut à Coucou. Toi, Camille. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Camille. Et on a Jamel aussi. Salut Camille. Jamel qui... Il est où, Jamel? Je me rappelle, ça a coupé. Ah, ça a coupé, Jamel. On va le prendre dans un instant. Donc, lui aussi, c'était pour les rêves. Alors, Camille, c'est pour interpréter un des rêves dont on a parlé depuis tout à l'heure, ou parce qu'on a eu le rêve de la cousine Sadomaso, là, vous rappelez, tout à l'heure. Ouais, hein. Ou toi-même, tu rêves. Ou alors, c'est un rêve que tu fais régulièrement, toi, Camille? Alors, pas régulièrement, mais c'est un rêve que j'ai fait. Si vous arrivez à l'interpréter, bon courage. Alors, vas-y, on t'écoute, on Attention. Est prêt à tout. Hein. Ok. Depuis le rêve de la cousine Sadomaso de Mathieu, là, maintenant. Ouais, donc, on est prêt à tout. Là. On est prêt, ouais, là. C'est clair. On est prêt à tout. Moi, avec les phoques et Medellin, enfin, bon, on est prêt à tout. Et Jamel, il est de retour, c'est bon. Là. Ah, Jamel est de retour. Yes. T'es là, Jamel? Tu vas peut-être pouvoir nous aider. Jamel. Salut, Jamel. Ouais, salut, l'équipe. Salut à toi. Salut, Jamel. T'es à Lille, toi, Jamel, c'est ça? C'est ça, exactement, l'équipe. Eh bien, bienvenue. Toi aussi, c'est une histoire de rêve. Exactement, pareil. Bon, alors tu vas nous expliquer, mais d'abord, place à Camille. Si t'arrives à interpréter le rêve de Camille, tu peux nous dire, Jamel. Qui t'est arrivé à quoi, toi, Camille? Alors, dans mon rêve, j'étais dans une maison à la campagne. Oui. Et en fait, il y avait Stéphane Rothenberg qui était là. Mais non. Stéphane Rothenberg, c'est celui qui présente Pékin Express. Pékin Express, ouais. Exactement. Très bien. Exactement. Et en fait, on était un peu dans un jeu type Pékin Express. Et oui. L'épreuve, c'était de faire une course avec des petits dés de jambon dans la main. Une course avec des dés de jambon dans la main. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Ils étaient en galère d'épreuve hein, dans la Pékin Express. C'est pourquoi inventer. Je sais plus, il y a eu trop de saisons, ils ont plus d'idées, ils savent plus quoi faire. C'est plus. Et t'as gagné la course? Eh ben écoute, ouais, on a gagné. Et t'as gagné quoi? Un jambon entier? Un cochon? Je me suis réveillée à ce moment-là. Ah ouais. Ah merde. J'ai gagné du jambon et voilà, super. Alors, est-ce que t'avais regardé une bonne question oui. que nous pose Zéro là sur l'appli. Est-ce que t'avais regardé Pékin Express ou une émission de Stéphane Rothenberg avant? Mais il fait que Pékin Express quasiment le mec, non? Il fait quoi d'autre? Bah, il nous demandait est-ce que t'avais regardé Pékin Express parce que ça peut expliquer ça.
C'est vrai. Peut-être, c'est possible. Ah oui, forcément. Ou alors, je sais pas, t'as vu un article, il y avait la photo du mec. Attends, mieux encore. Est-ce que tu dis avoir regardé Pékin Express en bouffant du jambon devant la télé? Des dés de jambon. C'est des dés de jambon. Alors, je mange pas des dés de jambon comme ça, mais peut-être aussi, alors, je sais pas. Peut-être que tu jouais au dés en regardant Pékin Express et que tu mangeais du jambon en même temps. Ah putain. Ah, ou alors, est-ce que c'est pas Stéphane Rothenberg, tout bêtement, qui fait de la pub pour du jambon? Impossible. Non, mais c'est vrai, parfois on rêve à des trucs. Oui, chelou. Et alors, t'étais contente en se réveillant? J'étais un peu. J'avais des sentiments un peu partagés, je te cache pas. Ouais, ça va, il y a pire. Oui, ça va, ça va. Bon, ça, c'est un peu loufoque. C'est un peu con, mais tu vois, c'est pas méchant, quoi. Il y avait rien de sexuel avec Stéphane Rothenberg? De quoi? J'ai pas compris. Il y avait rien de sexuel avec Stéphane Rothenberg? Ah non. Ah, dommage. Et tu rêves des fois que tu fais l'amour, ouais, comme il demandait, Karim? Ça arrive. Ah ouais. Mais pas avec Stéphane Rothenberg. Ah ouais, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sortir avec un gars et de rêver que tu faisais l'amour, mais avec un autre gars? Oui, ça arrive. Ça doit être mal à l'aise. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Et tu vois les têtes, parce que... Ça doit mettre mal à l'aise quand tu te réveilles, si t'es à côté de ton gars. C'est très malaisant. Ah mais t'es là, toi? Putain, t'étais pas dans mon rêve. Ah non, mais c'est clair. Et puis vous voyez les têtes? Moi souvent je vois pas les têtes, je sais que c'est la personne, mais tu sais j'ai pas le visage. Si c'est une personne que tu... Ouais non, moi si c'est une personne que je connais, ouais. Je vois les... Enfin parce ouais, que bon, je réfléchis trop. Non, des fois tu rêves des gens sans tête, je connais pas, je vois pas. Ouais. Ouais. Romano, tu vois des gens sans tête toi? Moi je me souviens, mais tu sais... Voilà, comme Louis XXV. Non, c'est Louis XIV. Non, c'est Louis XVI, je crois. Louis XVI, ah bon, bah tu vois. Bon, c'était Louis. Ouais, c'est un Louis, quoi. Alors, Stéphane Rothenberg, j'ai une autre analyse. Parce qu'il a ouvert un restaurant Top Chef. Ben voilà, c'est ça. Donc, pour un peu, tu l'as vu avec un jambon à la main. Voilà. Avec le jambon. Ah, non, bah, a priori, c'est... T'en rêves. Ouais, non, mais je sais pas, t'as peut-être vu un reportage sur l'ouverture de son resto Top Chef. Et puis, t'as fait une association, t'as été bouffé du jambon il y a pas longtemps. Non, mais souvent, des fois, il y a des trucs qui se mélangent à la con. Exactement. Non, c'est, regarde, il y a Bordel qui nous envoie un message et qui nous dit: les rêves, c'est simple, on purge nos pensées de la journée. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est une purge. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ah ouais, t'as peut-être un truc comme ça, tu purges tes pensées de la journée. C'est tout de 66. Oui. J'ai rêvé que Romano rendait la thune de Difool. Ah, ça c'est un rêve prémonitoire. C'est un beau rêve, ça. Ah bah là, c'est vraiment du rêve, ouais. Non, c'est un rêve prémonitoire. C'est vraiment un rêve, mais vraiment. Qui devient réalité. Il y a pas eu de message là-dessus, mais des rêves prémonitoires, allez-y. Hein. Il y a pas eu de message. Enfin, j'ai pas tous vu, mais sur les messages que j'ai vus, j'avais pas vu. Si vous avez déjà fait des rêves prémonitoires, vous rêvez un truc, ça se produit. Par exemple, je sais pas, vous rêvez au numéro de l'euro million et. Ah putain, ça serait beau. Et vous gagnez l'euro million. Bah, l'autre fois, j'en parlais là, Cariol avait déjà vu des décès à l'avance. Oui, c'est vrai, on en parlait l'autre jour. Moi aussi, j'avais déjà fait ça, ouais, c'était glauque. Bon, Jamel, toi aussi, tu rêves. Jamel en direct du Lille. Ouais, exactement. Alors, tu fais quoi comme rêve, toi, Jam? Bah, moi, c'est pas totalement le même rêve que l'auditrice précédente. Hein. C'est un peu. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu un pote qui avait acheté une maison, puis donc il a fait une crémaillère. Ouais. Et on a fait la fête un peu tout ça, donc il y avait du mobilier tout neuf quasi, enfin tout était neuf chez lui. Et si tu veux, j'ai dormi, puis dans mon rêve, vraiment je pensais que je pissais pour de vrai en fait. Tu pissais dans sa maison, toute neuve. Et non, ouais, et puis en fait, d'un coup, j'ai senti une chaleur en moi et tout, je pensais que c'était la couette ou le plaid, enfin bref. Tu t'es pissé dessus. Et en fait, ouais, j'ai vraiment pissé sur tout son nouveau sofa et tout, puis le matin, on s'est réveillé. Ouais, ils sont surtout foutus de ma gueule et tout, ouais, c'était un truc. Comment j'aurais eu la... Tu as inauguré le nouveau sofa, le nouveau... Ah, comment j'aurais eu la haine? J'aurais été ton pote, je t'aurais insulté, merde. Ah, il a acheté ça chez Queer Center avec tout le truc et j'étais le premier à dormir dessus. Ah, c'était Peace Center, là. Et comment il a réagi le matin quand il a vu qu'il y avait une grosse auréole sur son sofa? Bah, pour le coup, il était dégoûté, mais bon, après voilà, il a oublié, hein, je pense. Oublié, hein. Ah bah tu m'aurais payé le canapé, hein. Attends, toi tu serais embrouillé. Ah ouais, moi je me serais embrouillé. Il a pas fait exprès, pauvre Jamel. Ah ben, bah, je m'en bats les couilles. Le mec il a qu'à mettre une couche. Si c'est pas s'il pisse en dormant, Jamel, mais t'as l'air bien sympathique. Bah, c'est horrible. Toi tu dis ça, mais tu nous avais quand même raconté que t'avais vomi sur le canapé d'une meuf. Ouais, mais vomi c'est pas comme pisser, Maria.
Ah, ouais. Franchement, le vomi, ça se nettoie bien. Et puis en plus, franchement, j'avais été tellement mal accueilli. La meuf, elle me réveille le matin en hurlant déjà que j'avais la gueule de bois. Hello, t'as dit, c'est quoi ça? Bah, c'est du vomi, connasse. C'est un connasse. Laisse-moi dormir. C'est normal. Ah non, mais elle m'avait forcé à tout nettoyer, mais j'avais dégueulé ma race, quoi. C'est normal, tu nettoies, gros. Ouais, mais bon, elle aurait pu. J'ai appelé quelqu'un, tu nettoies, gros. Non, mais j'aurais. Ouais, mais elle aurait pu me laisser dormir un peu. Hello, t'es lourd comme ça le matin. Tu sais, quand t'as. Ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est d'avoir la gueule de bois. Tu sais, t'as mal à la tête, t'es pas bien à l'hôtel, elle arrive en beuglant. Non, mais la gerbe, ça pue, gros, c'est abusé. Je dormais dedans. Il y a Lagdar et JS qui nous laissent un message. Salut JS, salut Lagdar. Nous, on a un pote, il s'est chié dessus la nuit en dormant. Ah, il devait rêver. Ah, putain. T'imagines, t'as Romano qui t'invite à la maison chez lui, tu dors sur son canapé, Cédric, il t'y chie dessus. Ouais, t'es malade, toi, quoi. Allez, te recouvre le. Non, mais là, je pense canapé. Que. Allez, embrouille direct. Non, alors déjà, la première. Non, c'est toi qui chies sur son canapé. Il t'a mis chez lui, son canapé. Non, alors déjà, la première étape, c'est vraiment un rêve parce que Cédric ne dormira jamais chez moi. Il a déjà dormi chez toi. C'est déjà arrivé, hein. Oui, c'est déjà arrivé après un repas parce que le mec, tu sais, c'est comme les vieux, tu sais, ils bouffent ou qu'ils dorment. Non, c'est comme les Espagnols, quand ils mangent, après, ils font la sieste, tu vois. Enfin, je connais des Espagnols, ils dorment pas après avoir mangé. Hein. Bah écoute, la majorité des Espagnols, ils travaillent pas l'après-midi, ils font une pause après avoir bouffé. Mais ils travaillent quand? Bah en fait, ils ont un break de 14h à 17h, je crois. Et après, ils travaillent après? Ouais, je te jure. Et par exemple, les magasins, ils sortent à 20h, ils ferment à 22h là-bas. Bah ouais, c'est décalé. Ah, c'est connu en Espagne, c'est comme ça, ouais, tout est décalé. Ouais. Il y a plein de magasins, tu vas à 15h, c'est fermé, tu peux rien acheter. Bon, Romano, t'invite Cédric, il dort chez toi, il chie sur ton canapé. Je m'embrouille. Est-ce que tu t'embrouilles avec lui, le pauvre? Mais le pauvre, sac à merde. Bah, il a pas fait exprès de se chier dessus. Ah, sac à merde. J'en ai rien à foutre. Ah, mais avant de partir, je te garantis qu'il me file de l'oseille. Hein, pour le canapé. Non, je nettoie, je file pas de l'oseille, t'es malade, toi. Non, mais c'est nettoyable si t'as chié liquide. Ça a coulé dans les coussins. Il y a des machines. La fibre de mon canapé et tout ça. Non, mais il y a des machines, c'est pour nettoyer les. Ah, bah tu vas chercher une machine, tu me démerdes. Bon, toi, ton pote, il était quand même plus sympa que Romano, c'est toujours ton pote, Jamel. Non, mais t'as pas besoin d'allumer le moteur. Ah, t'as un problème de moteur. Excusez, Jamel, il a un problème de moteur. Il est dans la merde. Excusez-le. Bon, on était sur le pipi. Jamel ? Ah oui, Jamel, il a un problème de, il a un problème de moteur. Ah, il était en train de bosser, Jamel, non ? T'es peut-être en train de réparer une voiture. Et passer sur Skyrock. Jamel, oui, Jamel, il s'est pissé dessus, Jamel. Jamel, en fait, il le déclare après, vu l'anecdote du truc. Ouais, c'est un malin. Je suis passé sur Skyrock, mais. Ah, parce que je pisse dessus. Ouais. Donc les poteaux, vous êtes au courant, ils se pissent dessus. N'invitez pas Jamel à dormir à la maison. Ah, hein. Putain. Bon, on t'embrasse, Jamel, on te fait des bisous, merci à toi. Et on embrasse. Salut, Jamel. Bisous. Salut à toi. Et puis on embrasse, on t'envoie ton t-shirt Skyrock, on salue les poteaux. Hein. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock, tu vas l'avoir. Et puis Camille, on te fait des gros bisous, t-shirt Skyrock, on t'envoie à la maison aussi. C'est parti. Ça marche, à Paris. Merci. Avec tes dés de jambon. Salut à tous et toutes. Bon, allez, on était sur les rêves. On va retourner chez les vénères, là. Le dernier coup de nerf que vous avez eu, si vous êtes un peu sanguin, est-ce que vous faites des trucs pour vous calmer? Et puis le double appel, on va attaquer tout de suite. Juste un point quand même, c'est la mi-temps du match de l'OM. On perd 2-1, gros. Une petite analyse, Marie, qu'est-ce qui se passe? Ah, Marie, dis-nous. Bah, on perd 2-1. Bah, on perd contre Roquefort. Et... on perd. Non, c'est Franck et Marie, c'est son équipe, quoi. Bah, non, mais quand tu l'as dit au début, tu vois, je pense que t'aurais dû te taire. Qui? Samy, en disant que tu le sentais bien. Ah oui, non, mais écoute, c'est pas fini, Marie, il y a demi-temps. Non, mais je sais que c'est pas fini. Exactement, Samy, t'as raison. Après, ouais. Là, c'est mal barré. Là. On leur a filé deux buts. Mais allez, l'OM. La défense, elle est claquée. Ah ouais, mais c'est con de perdre contre Francfort, alors qu'ils sont si nuls en championnat. Ouais, après, c'est chez eux, c'est quand même avec des champions. Ouais, mais ils sont nuls, mais bon, c'est dingue. Ils sont pas si nuls que ça, en championnat, ils reviennent. Bon, première mi-temps, on suit la deuxième dans un instant et on attaque le clash de la drague, là, tout de suite, sur Skype. Non, le double appel, le clash sera tout à l'heure. Le double appel, c'est parti. Moi, je cherche à parler à personne. Bah alors, c'est vous qui appelez, donc. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Si vous cherchez à appeler à personne et que vous appelez, c'est que vous êtes un sacré con. Le double appel de Default sur Skyrock. Vous êtes un sacré con, qu'il a dit. Vous êtes un sacré Attends. Con. Et bim. Et a priori, Francfort, ils sont quand même quatrième dans leur championnat. Mais bien sûr, non, ils sont nuls. C'est clair. Non, ils sont pas nuls. Quatrième. Allô? Allô? Ils sont deux. Oui, allô? Allô? Oui, allô, arrêtez de dire allô. Allô, allô. Bah pourquoi vous appelez, vous? Monsieur Caron-Bernard. Bonjour Monsieur Carambert. Camembert. Monsieur Camembert Bernard. Bonjour Monsieur Bernard Camembert. Comment allez-vous? Vous êtes qui à Paris? Bah je sais pas, c'est vous qui appelez. Ah, c'est non, c'est pas moi. Ah mais on est c'est combien? Pas moi qui appelle. On est combien sur la ligne? Comment? On est combien sur les lignes là, parce qu'on entend plein de monde. Je sais pas, nous, ça fait deux fois que ça sonne. Bah attendez. Il y a un problème là. Ah c'est vous êtes pas une tordue des fois. Comment? Vous êtes pas une tordue?
Non, mec, c'est quoi encore des histoires hein. Bah non, mais vous avez l'air un peu hystérique. Bah n'importe quoi. Oh. Non, mais ça fait deux fois que je me déplace parce que ça sonne, alors... Bah c'est bien, ça vous fait faire du sport. Merci. De rien. De rien, bah écoute. Comment tu veux bâtard, gros. Bonjour au chien derrière. Ah, merci. Pume. Eh, Pume, ta gueule. C'est pas mal comme nom, Pume. Comment il s'appelle ton chien, Pume? Eh, Pume. Bon, allô. 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 Bon, il faut qu'on le fasse sérieusement, là. Ah, et Pume, il est encore là, Pume. Et Pume, tais-toi. Hein. Relu Médéline à Pume. Ouais, mais elle est où, Médéline? Oh, salut Pume, moi c'est Pu. Vous êtes qui d'abord? Ah, oula. Patrick. Patrick qui? Je connais pas de Patrick. T'as mis Allô un petit peu de d'eau dans la chatte là? Je connais pas de Patrick. Allô? Dans la chatte là? Bah, j'ai raccroché. Oh, con. Allô? 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 Oui, comment vas-tu? Comment ça va? Oui, Médéline. Oui. Et ses copains. Eh, bande de cons, vous avez fini de faire les cons, non, bande d'imbéciles. Vous êtes trompé de numéro, non? Vous voulez qu'on vous aide? C'est vous qui appelez, là. Vous êtes un mec ou quoi, là? Vous êtes sur Terre? Non, mais vous avez la tête où, là? Ah, et où? Bon, merde, alors. Ah bah alors. Allô? Merde, alors. Allô? Crotte. Bah merde alors. Allô. Elle est très contente de sa blague, elle dit crotte. Marie, elle est contente, mais c'est. Je vais dire caca. Super. Je vais me rajouter caca. Allô. Allô. Oui. Bah alors. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui. Non, je suis pas. C'est qui? C'est Patrick. Allô. 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 Tu veux te faire sodomiser là? C'est qui au téléphone? Un Patrick. Ah, je connais pas de Patrick. Tu veux te faire sodomiser là? Ah, bah. Arrêtez, moi je vais pas être emmerdé. Alors, hein. Non, tu le. Bah alors. Je suis à poil là. Vous allez me saouler pendant longtemps? Bah t'es beau mon gars. Ah bah ça. Il est à poil, tu dis. Ah ouais, je suis à poil. Ouais, bon attends, tu continues, on arrange ton numéro là. Ah ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. T'as une bonne bite. Je suis en train de m'assurer là. Il est en train de se masturber en plus. Ouais, tu peux y aller mon gars. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Hein? Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Je comprends pas ce qu'il dit. Il faut qu'on te m'assure un petit peu, là. Gros con! Absolument, ouais. Et votre touche est complètement écartée ou pas? Oh! Allô? Allô? Tu me feras une pipe au champagne. Allô? Il est tombé là. Oui? Ah. Allô? Quittez pas, vous passez quelqu'un. Quittez pas, hein. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, allô? Bah, c'est le téléphone qui a sonné. Ah, bah alors. Eh bah, ça a sonné chez nous aussi. Incroyable, ça. Ah bon? Oui, c'est pour ça, ça a sonné. Oui, bah, ça a sonné, mais j'ai pas, je n'ai pas appelé. Bon, bah, nous aussi, c'est pareil. Oui. Bon. Bon, bah, il y a. Oui, voilà. Là, c'est pour ça, je sais pas ce qui se passe. Non. Non, non. Non, bah, d'accord. Même, j'entends des voix de cheval, là. Oui, cheval. Bah, moi aussi, mais, bah. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe dans le téléphone, alors. Oui, oui. Oui. Bon. Oui. 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 Bon, bah. Bah, je sais pas, moi, qui vous êtes. Oui, qui vous essayez de joindre, là? Comment? Vous essayez de joindre qui, là? Mais, moi, je comprends pas, parce qu'on n'a pas appelé, j'ai pas téléphoné. J'ai mis un appel masqué, là, donc je sais pas qui j'ai affaire. C'est qui? Oh, il y a erreur, il y a quelque chose qui se passe, parce que je n'ai pas téléphoné du tout. C'est dingue, vous avez quelqu'un d'autre en ligne, parce que j'entends une deuxième voix derrière. Oui, parce qu'on entend, bah, oui. Bah, je sais pas du tout, parce que je sais pas, merci. Mais enfin, je n'ai pas appelé, hein. Bah oui, bah moi non plus. C'est ça, il y a un souci. Ben voilà, c'est ça, Loïc. Ouais.
Ça sonne, et marqué, appel marqué, voilà. Et un cheval. On entend des voix de chevaux. Oui, exact. Exact. Oui. C'est bizarre. Allô? Oui, allô? Bah, très bien, là, bon. Oui, bon, bah, que tu voulais. Moi, j'ai dit, bon, bah, on raccroche parce que ça ne me concerne allô pas. Allô? Oui. Allez, oui, allô? Bon, allez, bonsoir. On entend? Allô? Attendez, attendez, allô? Attendez. Allô? Allô? Allô, j'écoute, allô, oui. Allô? Bon, c'est quoi ce bordel sur la ligne, là? Allô? On est beaucoup, là. Non, j'ai pas appelé, vous faites erreur, là. Hein? mais non, c'est pas moi qui appelle, rigolo. Eh, j'appelle pas, là. J'appelle pas, non. Mais ouais, mais viens, viens, connard, et Pierre, qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux, vas-y, viens, viens. Quand tu veux, tu sais où j'habite au moins? Là. Mais rigolo, mais t'es qui d'abord pour me parler comme ça? C'est ça, ouais, connard. Ça va te faire foutre, connard. Ouais, c'est ça, ouais. Mais rigolo, tu vas arrêter tes conneries parce que je vais venir te démonter la gueule. Tu veux que j'aille porter plein d'eau flics, tu vas voir où tu vas te retrouver, toi, mon imbécile. C'est à qui tu parles, là? À qui? Qu'est-ce que toi, c'est quoi ces conneries-là? Ouais, c'est ça, ouais, connard. Connard! Voilà, connard. Ouais, donne-moi ton nom, espèce d'imbécile. Oui, vous parlez à qui, là? Ouais, c'est qui appelle, là, connard? Bah ouais, mais tu déconnes. Ouais, c'est ça, ouais. Connard. Connard. Allô? Oui, ils sont partis, Lenny. Connard. Ah, ils sont partis. Oui, comment vas-tu? Je crois qu'il y a eu un bug de standard. Ouais, parce que c'est chelou, ça s'arrêtait net, ouais. Ça s'arrêtait net, là, regarde. Le standard est tout rouge, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, pas de ouf. C'est normal, le standard, il est tout rouge. Non. Comme Marie à la fin de la soirée, quand elle est pleine de bière. C'est dingue. Tu as renversé une bière sur le standard, Marie? Non, je la bois. Ah, madame. Je ne me souviens plus de la fin, tu vois. Bon, on s'est fait une série de multi-appels en fait depuis le début. Ouais, là, c'est ça, ouais. Exactement. Bon, merci pour les numéros, comme d'hab. Hein, vous les envoyez tous les soirs dès 21h. Si vous avez bien quelqu'un, vous avez envie de l'entendre dans le double appel, vous n'hésitez pas à nous envoyer son numéro. Et on s'occupe de tout ça dans un instant. On va s'occuper des vénères, vos témoignages. On s'occupe de tout ce que vous voulez aussi en direct. Et puis on a la deuxième mi-temps de ce grand match à suivre. Ah, c'est l'ON. Voilà, l'OME. L'OME, Marie. Ouais. Ils ne comprennent rien. Contre Newport. Newport, ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est Francfort. Ah, Francfort, Marie. Et Francfort, oui. La saucisse. Pense et à ouais, ça, Marie. La saucisse. Tu connais. Très bien. Ça, je connais. L'ON contre Strasbourg. Non plus. Non. Toulouse. Non plus. Morteau. Tu peux y aller, hein. Morteau, c'est ça. Montpellier aussi, tu peux y aller. Et puis en direct, tout à l'heure, le clash de la drague a retrouvé Romano contre Cédric, évidemment. Et je vais puis faire une méthode classe ce soir, moi. Ah, classe. Ah, oh putain, tu dis ça, c'est non, mais ça m'étonne pas. J'ai peur. Bon, on découvrira vos méthodes. Je reviens aux fondamentaux. Oui. Ah ouais. À la base. Et la base, bah, c'est la radio libre, hein, tous les soirs, 21h minuit, pour nous appeler. 01 53 40 30 20, vous avez l'appli. Salut à Alex, salut à Réti, salut à Aurora. Ah, la reine de l'impulsivité, elle nous dit. J'ai pas toujours les bonnes réactions. Justement, on va parler des gros vénères. Vos derniers coups de nerf, on en reparle tout de suite, là. Mais moi, je suis assez nature, moi, quand je fais l'amour. Romano. Admettons, on serait obligé de coucher ensemble. Tu préférais que je t'encule? Cédric. Ah non, c'est moi, je vais t'enculer. Ah, tu vois, il est excité. Marie. Eh bien sûr, attends, il y a beaucoup d'eau dans la bière, hein. Vous êtes fous. Ah bah grave. Samy. Ah bah ouais. Karim. Tranquille, la bite à l'air. Guigui. Je suis prêt à beaucoup de choses. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, en direct sur Skyrock. Eh, hey, désolé, le double appel est passé. Je dis ça pour Noah là, qui nous a envoyé un message sur l'appli Skyrock. Ah ben il ne fallait pas être en retard. Mais il y en aura peut-être un autre d'ici minuit. On sera peut-être au double appel bonus avant minuit. Puis il y en aura demain matin, le morning. Ne loupez pas le rendez-vous. Entre 6h et 9h, on est là. Et puis on est à deux jours de vous offrir 12 000 euros. Même un jour et demi. Hein. 12 000 euros, c'est vendredi matin. Ouais, c'est ça. Vous gagnez 12 000 euros. Vous envoyez 12 au 7-20-20. Vous pouvez envoyer maintenant, comme ça vous êtes inscrit pour vendredi. 12 000 euros. Vous écoutez le morning vendredi matin. On vous appelle, vous répondez et vous gagnez. C'est facile. 12 000 balles. Putain, comme ça, plein milieu des vacances de la Toussaint. Ah, ça fait plaisir. À deux mois de Noël, ça fait plaisir. Mais à moins de deux mois du coup. À même n'importe quand, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Même si tu veux me les donner maintenant, là, tu peux. Ça fait plaisir. Je les prends quand même. Et ça fait plaisir. Ah, bah oui.
Donc 12 000 euros, 12 07 20 20. Et oui Isma, tiens Isma qui nous envoie un message, qui dit je me suis inscrit ce matin, ça marche? Mais oui, ben oui, oui. T'es inscrit ce matin, il n'y a pas de problème, tu seras dans le tirage au sort de vendredi. Il suffit juste d'écouter le morning, d'être tiré au sort, on vous appelle et vous gagnez. Bonne chance à vous, 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock aussi, hein. Romano, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Ah bien, 1500 euros. Tu es prêt, si on t'appelle demain matin, c'est pour toi. Skyrock. Bon, on a plein de choses à faire d'ici minuit, parce qu'il va se passer plein de choses d'ici minuit. Le clash de la drague, Romano contre Cédric, à retrouver. Ouais, oui, les beaux gosses. On va reparler des vénères pour Tim. Il est là, Tim. Il décroche plus, Tim. Ça capte plus. Ah, ça capte plus. On a décidé. Voilà, je vais essayer, Tim. Si t'écoutes, bien. Tim, on va essayer de te calmer. Tim, il est bouché en plus, donc faut se calmer. Il s'énerve pour de la merde, Tim. Attention. Genre, on le regarde mal, il s'énerve. Il s'est énervé contre un petit l'autre jour qui, c'est un peu con, qui a un an de moins que lui. Parce que Tim, il a 17 ans. Il a un an de moins que lui. Un petit bouché. Et qui l'a bousculé. Et c'est parti en couille. Ils ont traitage de nerf, tout ça. Ouais, c'est pas bien. C'est un peu con. Puis comme disait Romano, faut faire gaffe. Dans la boucherie, il y a quand même quelques. C'est vrai. Quelques instruments. Ah, bah ça, il y a des longs couteaux, il y a des machettes, il y a ça peut être dangereux. Il y a des broches, il y a tout ce. Romano, t'es assez sanguin, toi, hein. Ouais, mais oh non, alors moi, comment dire, oui. Non, moi déjà, je me suis calmé, tu vois, parce que à nombreuses reprises, j'ai fait me faire péter la gueule. C'est qui disait un truc pas con? Ça calme, ça, en général. Il y a Flo qui nous disait on trouve toujours plus énervé que soi un jour. Ça, c'est vrai. Ah, c'est clair, on trouve toujours plus fou que soi. Non, mais alors, j'ai trouvé une nouvelle technique. C'est par exemple, aujourd'hui, je me suis embrouillé avec un livreur. Ah, bah, tu vois, tu t'es embrouillé, c'est tout récent. Ah, là, cet après-midi, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis. Il y avait une longue place de livraison, tu sais, il y a de quoi mettre 2-3 voitures, tu vois, des camionnettes. C'était un livreur DPD? Non, je sais pas. Non, c'est la dernière fois, tu avais un problème avec un camion DPD. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'était eux qui m'avaient pas livré, c'est con. Ouais, c'est ça, donc il n'y avait pas de livraison. Ah ouais, à chaque fois, ils me foutent la haine. Mmh. On salue nos amis de DPD, et les autres aussi d'ailleurs. Bah, Colissimo, voilà. Tout GLS, TNT. DHL. DHL. DHL aussi, DHL. C'est quoi les camions marrons, là? Les camions DHL. Marrons. UPS. UPS, bien. DHL, c'est orange. On salue les UPS également. Voilà, donc cet après-midi, le mec était derrière moi, donc moi j'étais dans ma voiture, et en fait, j'amenais un truc à quelqu'un, chez quelqu'un, et je me suis garé, tu sais, sur la place. Et le mec commence à me gueuler, ouais, à la place livraison, moi je travaille. Bah, il a raison. Je lui dis, bah moi aussi je travaille, je casse pas les couilles, il y a une place juste devant. Mais non, mais il y avait encore de la place. Et le mec il fait, ah ouais, j'avais pas vu, excuse-moi. Je fais, ah ouais, je préfère. Et bim. Non, là, à la fin, je préfère, ça c'est moi qui le suis dans ma tête. Tu l'as pas dit trop fort. Je préfère bouger. Allez, bouge, j'y baisse les yeux. Non, mais le mec commence à s'énerver. On s'embrouille. Non, mais ça va. Non, mais tu vois. Mais en fait, moi ce que j'ai remarqué, l'autre fois aussi, je m'étais embrouillé avec un autre livreur, pareil, je m'étais garé sur une livraison. Non, mais si tu les cherches, toi, les livreurs. Non, mais à un moment donné, non, mais dans cette ville, il n'y a pas un endroit où tu peux te garer, quoi. Bah ouais. Non, mais il y a une technique, Romano, si tu veux te garer sur la place de livraison. T'achètes, comment ça s'appelle, tu sais, le petit truc bleu, là, avec. Ah, le. Ouais, le. Merde. Ouais. Et en fait, t'as le droit. Le disque. Et en fait, ils acceptent une demi-heure, ouais. Tu sais, les pervenches, ils acceptent une demi-heure, tu le mets, le disque bleu, ils acceptent une demi-heure. Parce que là, je suis souvent dans un quartier et j'ai trouvé une technique, en fait, sur les livraisons, je me prends jamais d'amende. Parce que je pense que il y a beaucoup de livraisons dans ce quartier-là, et en fait je pense que la bagnole, tu sais, qui détecte là les plaques là, ouais. J'ai remarqué, elle passe jamais, et il y a pas d'agent à pied. Ok. Donc du coup je me mets sur les livraisons. Et l'autre fois pareil, le mec il commence à s'énerver. Et là tu vois, et en fait le mec il est redescendu déjà en me voyant descendre de la voiture. Ouais. Je suis descendu, je dis qu'est-ce que plaît-il? Qui me parle? Plaît-il? Non, le mec, en fait je lui ai parlé calmement, je lui dis, ah mais ça arrête de s'énerver comme ça, il y a pas de problème. Et le mec, tu vois, en fait ça l'a fait redescendre, parce que tu vois, si le mec il est énervé et que toi tu renchéris dessus, forcément ça va partir en couille, tu vas te traiter machin. Alors que si tu parles calmement au mec, tu dis ouais, moi je lui dis, ah, mais ça arrête de s'énerver, hein, tu peux rester poli avec moi, hein, moi je suis gentil. T'as raison, mais ça énerve encore plus quand t'as la personne qui est calme. Non, mais je vais pas dire en me foutant de sa gueule non plus, tu vois. Évidemment, si tu dis en me foutant de sa gueule. Non, mais si t'es calme. Il y a Ryan qui dit, écoute, moi ça a marché l'autre fois. Ryan qui doit être livreur, Ryan 20 ans, qui dit, les mecs qui se garent sur les places livraison, il y a rien de pire, tu sais pas où te mettre avec le camion. Salut Ryan. Non mais là en l'occurrence il y avait de la place et moi aussi je livrais quelque chose. De la drogue. Oui. Non mais sans déconner, je livrais quelque chose chez quelqu'un. C'est les petits travaux blagues de Romano. Je disais sans déconner, j'ai livré de la drogue. Non mais Marie, il croyait, ben non, pourquoi te ramènes pas? Ramène-en ici. Non, moi je me suis calmé parce qu'un jour j'étais en voiture et avec Cariole on était un peu des oufs.
C'est un jour, il y a un mec sur l'autoroute, il me double un peu, tu sais, genre il me fait une queue de poisson. Ah oui, tu sais, ah et moi, comme un connard, je raccélère et nous, on se met, je me mets juste à côté et avec Carriole, moi, je lâche le volant, je lui fais des gros doigts au mec et Carriole aussi en l'insultant. Mais j'ai les deux dingues dans la voiture. Ah ouais, putain, le duo. Oui, duo de choc. Ah ouais, incroyable. Et je crois même que j'avais ouvert le carreau, sa femme, et j'avais été connasse, là, machin. Et en fait, le mec, il a vrillé complet et il me poursuivait sur l'autoroute. Et en se mettant à mon niveau, en essayant limite de me rentrer ouais, dedans. Et là, tu dis que t'es tombé sur un vrai dingue, donc ça fait flipper. Et je voyais sa femme qui devait lui dire Gérard, calme-toi, Gérard. Mais le mec, non, mais il a vrillé complet. Roger du calme. Le mec, tu sais, il me faisait signe de me garer, genre pour me péter la gueule. Ah, mais il y a des gens en voiture, c'est hallucinant. Et j'imagine que maintenant, t'es plus calme en voiture. Ouais ouais non mais maintenant je me suis... non mais parce que en plus tu sais c'est malheureux à dire mais quand tu vois tous les faits divers tu as des trucs à la con il y avait oui, peut arriver n'importe quoi il y avait eu un pour truc de la merde hein ouais il y avait eu un truc sur le ouais. périph où un mec s'était fait tuer parce que oui il s'est embrouillé avec un mec le mec il avait appelé une équipe les mecs étaient arrivés ça s'était tabassé et le mec il est mort tu vois ouais. c'est quand même con de mourir pour mais ça, dans ton histoire de course poursuite t'as fait comment tu les as semés non mais en fait si c'est passé non mais moi j'accélérais comme un dingue bon faut pas le faire hein. Mais lui il tuait. Ah mais j'étais à 160 et le mec il venait à mon niveau et il me faisait signe genre viens sur le côté je vais te gonfler la gueule quoi. Bon évidemment je ne suis pas garé hein, je suis pas malade. Et heureusement à un moment donné moi j'ai pris une autre direction et là le mec je pense sa femme elle a réussi à le temporiser un peu. Ah il t'a pas suivi. Et lui il a pris une autre direction aussi tu vois. Bon heureusement. On va revenir au vénère, on a Léni. J'ai flippé ma race. Léni qu'on va prendre en direct avec nous, t'es là Léni? Léni du 85. Allô Léni? Hey, comment ça va? Et toi, comment vas-tu, Léni? Bah, nickel, et vous? Et nickel aussi. T'es vendéen, toi, Léni, c'est ça? Ouais, moi, non, je suis juratien, moi. J'habite en Vendée, mais je suis du Jura. Ah, tu es un expatrié, toi. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, tu vas nous parler des vénères, parce que toi aussi, t'es un peu vénère comme Tim qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Et puis, on viendra peut-être au rêve. Tiens, j'ai des interprétations de rêve. Ah ouais? Vous rappelez de Camille, là, tout à l'heure, qui a fait le rêve de Stéphane Rottenberg. Ouais, avec le présentateur de Pékin Express. Ouais, qui avait lancé une épreuve. Donc, Camille était dans l'épreuve et elle devait courir avec des dés de jambon dans la main. C'est ça. Et alors, attention, ouais. J'ai l'explication. L'explication de Tite Samo, qui nous dit Stéphane Rottenberg. Il a aussi fait Top Chef. Elle a donc fait un mix de Pékin Express et de Top Chef. Ah, parce que je vous disais tout à l'heure, il a même ouvert un restaurant Top Chef. Et ouais, ben, c'est voilà. Vrai. Tu vois, donc, association dans le cerveau, hop, tout mélangé, ça devient un rêve à la con. Un rêve à la con. C'est complètement à la con, mais bon. On a trouvé l'interprétation du rêve. Merci, merci à toi pour le petit message et l'interprétation du rêve. On en parlait tout à l'heure. Et alors, donc, pour les vénères, comment on fait pour se calmer? Quel est votre dernier coup de nerf? Merci pour les messages, puis merci de nous appeler, Léni. Ah, il faudra que je vous raconte une anecdote sur Cédric en parlant d'embrouille avec les livreurs. Ah, super. Ah, parce que Cédric, il a jamais assumé celle-là, mais il s'était fait malmener par un livreur. Ah ouais? Témoignage tout à l'heure, Cédric qui est aux toilettes, on attend qu'il revienne des toilettes et qu'il se soit vidé complètement. Ah oh, là, je suis en vidange. C'est la vidange. Oh. C'est la vidange. Ouais, je pense que là, qu'est-ce, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire pour Tim, toi, Léni? Moi, pour Tim, spécialement, je te dis, franchement, j'ai pas trop suivi le truc, je sortais du boulot, j'ai entendu le reportage sur les nerveux, là. Tu voulais peut-être dire témoignage. Excuse-moi. C'est pas grave. J'ai dit allez, bah je tente mon coup, j'appelle parce que ouais, moi c'est ce que je vis quoi. Toi t'es énervé tout le temps. Ouais grave, ça bouffe la vie hein. Mais c'est quoi les plus gros coups de nerf que t'as eu? C'est pourquoi? C'est à cause de quoi? Et c'est quoi les conséquences? Bah, en fait, c'est pour rien quoi. Un simple truc. Dès que ça va pas, t'as tendance à monter dans les nerfs et tu t'énerves vite quoi. Mais genre aujourd'hui, t'as pété un câble? Comment? Aujourd'hui, t'as pété un câble, par exemple dans la journée? Ce matin. Pourquoi? T'as le réveil sonne. Pas au boulot. Faut que je mette du gasoil. Oui. J'arrive des travaux dans la ville, obligé de faire un détour, tout ça. Et vraiment plus de gasoil du tout. Mmh. Et donc, c'est la seule artère principale. Donc, j'étais à sec de chez sec. Oui. Et donc, il y avait des travaux. Bah, il a fallu que je m'énerve par rapport aux gens qui faisaient les travaux pour que je puisse passer parce que la station était à côté. Ouais, mais les mecs, ils sont pour rien. Je vais dire, les pauvres mecs, le mec, il est sur son chantier, il arrête de bander. Je me suis pas énervé envers eux. Hein. Je m'énerve moi tout seul, tu sais, dans ma voiture. Je suis pas désagréable avec eux ou je manque pas de respect non plus, attention. Hein. Ouais, bon, bah là, à la limite, ça va parce que t'arrives à te contenir, tu restes énervé tout seul dans ta voiture. Bon. Ouais, voilà, mais je monte vite en pression et je pète un plomb, quoi. Et la dernière fois que tu t'es énervé contre quelqu'un, c'était quand? C'est quand j'ai eu une mauvaise histoire, on va dire, on a cambriolé une moto.
Toi, pendant que j'étais chez moi. Toi, t'as cambriolé une moto ou t'as volé ta moto? Non, on m'a volé ma moto, moi. Ah ouais, t'as dû péter un gars. Non, mais là, bon, là, c'est normal d'avoir la haine, tu vois. Ah ouais. Et j'ai réussi à rattraper un gars sur les deux. Voilà, on s'est tapé et puis c'est moi qui ai pris au final, quoi. C'est-à-dire que t'as pris au final les keufs qui sont arrivés? Ouais, ouais, grave, ouais. Non, mais c'est hallucinant, c'est toi qui prends, mais le mec qui vole ta moto. Heureusement, bah ouais, tu, quoi, heureusement, non, tu. Mais quoi, mais t'as pas le droit de te faire justice toi-même. Mais tu l'as démonté, le mec, non? Pour moi, ce qu'ils m'ont dit, ouais, je l'ai démonté, exactement ce qu'ils m'ont dit, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Et quoi, tu l'as envoyé à l'hôpital? Ouais, ouais, grave, il était mineur. Et il était mineur. Ah, il était mineur, ouais. Ah, merde. Et tu l'as envoyé à l'hôpital, il avait quoi, le gars? Tu l'as marbré? Ah, je préfère même moi, je suis, voilà. Non, mais genre, tu l'as mis pas bien du tout? Non, j'ai, ouais, enfin, hématome frontal, genou, point de suture, enfin, bref. Ah ouais, pétage de plomb. Putain, mais tu fais pas de sport? Non, mais bon, moi je cautionne pas. Mais tu sais, j'ai fait de la boxe française, moi. J'ai fait de la boxe française quand j'étais jeune. Bah non, mais dans le cas de la moto, moi je cautionne pas, mais je pense qu'il y a plus d'un mec qui réagit comme toi, tu vois. Tu te fais faucher une moto, tu pas dû réagir comme ça. T'arrives à rattraper le mec, bon bah c'est pas de bol pour le mec, hein, ça. Oui, oui. Ah. Non, mais après, faut pas le faire. Hein. Après, faut pas le tuer parce que tu tues le mec après. Ah non, mais c'est ça qui est dans la merde. Non, mais même là, t'es dans la merde. Tu te retrouves en prison après. Et t'as été condamné pour ça, pour ton agression? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. J'ai été condamné à 12 mois de prison ferme et 2500 euros de dommages d'intérêt. Ah ouais, tu l'as bien moché le mec. Ah oui, t'as eu 12 mois, toi. Et lui, il a pris quoi, le mec, en te volant la moto? Bah moi déjà on n'est pas passé au même tribunal parce que lui il était mineur. Ah oui, c'est vrai. Et moi j'étais majeur. Et après honnêtement j'ai pas eu de nouvelles de son dossier ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. Mais t'as pas eu de. T'as fait la prison ou tu sais pas s'il a été condamné. Bracelet, ouais. Ouais, je sais pas s'il était condamné. Moi j'ai eu le bracelet. Et après pareil, c'est vrai qu'avec l'âge on se calme aussi. Moi j'arrive à 40 ans. Non, mais bon, c'est vrai que bon, t'as déconné sur le coup. Après, quoi. Tu prends un an de bracelet, ouais, je pense que ça te calme un peu. Ouais, je pense. Ouais. Il y a Yishmin ZZ qui nous laisse un message et qui nous dit « Ouais, mais si le mineur a juste volé la moto sans violence et que l'auditeur le défense, il n'y a pas de légitime défense, ça marche pas dans ce moment-là, c'est toi l'agresseur. » Ah ouais, c'est ça. Exactement. Ah ouais, c'est pour ça que j'aurais dû appeler les gendarmes et c'est moi qui aurais demandé les dommages d'intérêt. Parce que c'est un traumatisme de se faire cambrioler. Ouais, bien sûr, Non, mais bon, Oui, mais de toute façon, t'aurais pas eu, bon, j'ai pas mais t'aurais pas eu grand chose. À partir du moment où il est mineur, il est pas solvable, tu vois, c'est, concrètement, Surtout si tu retrouves la moto, ouais. Ouais, tu vois, c'est, dans les cas comme, il avait quel âge, le mec? Du coup, parce qu'elle était bloquée entre une deuxième voiture et mon mur de garage. Ce qui fait que quand moi je les ai pris en flagrant délit, ils étaient en train de la soulever, la moto. Ah oui, tu les as. Genre, le mec, il avait quel âge? Honnêtement, moi, c'était dans un lotissement, c'était des maisons en construction, t'as pas le temps de, il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite, ben voilà, j'ai pris celui de gauche. Ouais, mais il avait vers quel âge? Parce que tu réponds pas à ma question. Trois fois qu'on va lui poser la question. 16 ans, il avait 16 ans. On nous dit la boxe, tu devrais faire du sport de combat. Mais c'est reprends. Lui, il fait déjà, Mais là, si tu l'as fait, sur la gueule du mec, quoi. Ouais, reprends, c'est mieux. Mais toi, t'es du style à taper dans les murs aussi? Parce que moi, j'ai eu un mec comme ça. Ouais, voilà, Au moins, tu l'envoies pas à l'hôpital, le mur. Ouais, mais tu tapes dans les murs, tu te niques les mains. Enfin, bon, tu te fais mal à toi, tu fais mal à personne. En fait, le problème, c'est que si t'es le voisin, t'en as plein le cul d'avoir un dingo comme ça à côté. Quand tu fais de la boxe en club et que tu t'embrouilles dans la rue, c'est une condamnation, c'est comme une arme. C'est comme si t'avais une arme. C'est une licence de boxe. C'est comme une arme, c'est comme si t'avais un couteau ou. Savoir, c'est des mecs comme ça, Donc toi, c'est pour ça que t'as pris une peine de prison, hein, parce que t'avais une licence de boxe. Même les autres sports de combat, je crois. Genre le karaté C'est ça. Parce qu'en fait, ils considèrent que toi, tu maîtrises une arme que les autres n'ont pas, et c'est comme si t'avais un couteau sur toi, un cran d'arrêt. Et donc, ça t'a calmé, cette histoire de condamnation, toi, Lenny? Ouais, bien sûr, En même temps, t'as pris cher, quand même. C'est mon enfant. Un an de bracelet, Ah ouais, ben bon, c'est comme ça, Après, Oui, il a pris cher aussi. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais faut pas faire justice soi-même. C'est bon, mais ça, c'est sûr. Bon, après, faut se retenir aussi, parce que c'est vrai que tu tombes sur le mec qui a voulu te voler ta moto. Je comprends que t'es une montée. Non, mais après, bon, faut pas tuer le mec pour. Non, mais bien sûr. Mais après, bon, la réalité, Cédric, ça t'arrive. Imagine, Romano, tu es. Avant Cédric. Ouais. Imagine, Romano, tu es à Bricorama. Et tu es en train de voler des boulons. Et il y a le PDG de Bricorama qui arrive. Et qui te marbre parce que tu lui voles les boulons. C'est quand même disproportionné, on va dire. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah, voilà, non, mais bon, entre un boulon et une moto. Un vol est un vol qui vole un œuf. Non, mais je suis d'accord, mais tu vois, entre une moto où tu t'es peut-être fait chier à la payer, t'as peut-être un crédit dessus ou un truc comme ça, tu vois deux mecs en train de te la faucher. Sur le moment, moi, je sais que je le ferai pas parce que j'ai pas le courage ni la force. Mais je pense. Non, mais il y a plus d'un mec qui réagit comme toi, alors peut-être pas le laisser comme tu l'as laissé, parce que bon, a priori, tu as pas été de main morte. Et bon, la preuve. Je l'ai ramené chez sa mère, enfin je l'ai pas laissé dans la rue comme ça. Ouais, en fait toi t'es le mec à avoir un coup de nerf.
Et puis dès que tu redescends, tu reprends conscience. Mais Cédric, ouais, toi. Ouais, et ouais. Moi, je voulais pas appeler les gendarmes au début. Je voulais trouver un arrangement avec la maman. Ah bah oui, j'imagine, puisque tu l'avais démonté. Donc tu t'es dit. Mais tu imagines, la daronne, elle a dû skiser en voyant son fils comme ça. Ah bah oui. En même temps, c'est elle aussi de faire des conneries. Oui, après, bon, c'est vrai que tu vois ton fils arriver ensemble. Tu oui, non, mais ça, Cédric, par exemple, ça t'arrive. Ouais. On te vole ta trottinette. Ouais. Ta trottinette. La belle trottinette. Non, mais on te vole ta moto. Le mec, tu le vois en flag. Je les course, gros. Non, mais d'accord. Bon, alors, donc ils partent finalement. Oui, bah oui, tu ne rattraperas jamais. L'affaire est gérée, là. Ça y est. Tu vas pas te laisser faire. Bien sûr que je suis dessus, moi. Ah, ils sautent dessus, hein. Allez, tu peux les tuer, Cédric. Ouais. Et la moto, elle est aplatie. Non, mais bien sûr que j'y vais. T'es fou, toi, quoi. J'essaie d'en attraper, bien sûr. Bon, j'espère que ça permettra à Tim de se calmer, là, Tim qu'on a eu tout à l'heure, parce qu'il s'en a vraiment, vraiment pour rien, Tim. Un regard, une connerie à la con comme ça. Et bon, si vous avez d'autres témoignages, vous nous faites signe, vous nous laissez vos messages là. Allez-y, on vous attend en direct. Oui, tu voulais nous raconter un coup de vénère. Écoute bien, Lenny, t'es pas le seul à t'énerver. Lenny, écoute ce qui est arrivé à Cédric. Alors, bah justement, ça l'a calmé, le man. Ouais, justement, c'était avec un livreur. C'est Cédric, en fait, un jour, il s'était pareil, il avait fait comme moi, il s'était garé sur une place de livraison. Ouais. Il y a plein de livreurs, d'ailleurs, qui n'ont pas arrêté de laisser des messages. Les gens qui se garent sur les places de livraison, ça te donne envie de les défoncer. Ouais, et vous, quand vous nous cassez les couilles à bloquer une rue. Bah ouais. C'était le message de Maurice. Moi, je me défends aussi en tant qu'automobiliste. C'était le message de Maurice, 22 ans. Salut à toi, Maurice. Ah, mais s'il bloque, c'est parce qu'il n'y a plus de place de livraison. Non, parce que des fois, il y a la place de livraison, il se gare quand même. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est pareil. Parce qu'elle est 20 mètres plus loin ou 30 mètres plus loin. Bah, Maurice, 9-7 ans, il est livreur et il aime pas ça, tu vois. Bah, tu prends ton diable et puis tu déplaces tes cartons, mec. Alors, une fois, Cédric, justement, il faisait le show. Il s'était garé sur une place de livraison. Et là, il y a le livreur qui dit vas-y, bouge ta race. Et Cédric, si, le mec qui t'avait dit ça. Attends, le meilleur arrive. Cédric, il descend de la voie. Oh là, t'as un problème. Et là, t'as le livreur qui dit vas-y, bouge. Il faut être de la chance que j'ai pas le temps. Sinon, je serais descendu de mon camion. Je t'aurais niqué ta race sur place. Ah, et Cédric, il a fait. Voilà, bon, bah, je m'enlève finalement. Ouais, bah, grave. Pardon, monsieur. Attends, je vais même balayer la place pour que ton camion soit pas. Non, c'est que le mec qui me bloquait, je pouvais pas sortir en fait de la place de livraison. Bah, ouais, mais fallait pas te mettre là. Bah, ouais, mais attends, il y avait pas de place ailleurs. Ah, non, mais moi, j'aurais un camion, il y a un mec qui se met sur la place de livraison, je lui coince sa bagnole. J'aurais fait exactement pareil. Juste pour le faire chier. Vous avez vu, les livreurs, je suis solidaire avec vous, moi. Non, mais juste pour te faire chier, je t'aurais bloqué, Cédric. Non, mais quand les mecs, ils se garent au milieu de la. Non, mais des fois, ils se garent trop mal. Ou des fois, ils se garent dans les. Le nombre de fois, moi, où j'ai, tu sais, mon parking souterrain, là. Ouais. Et le nombre de fois où le mec, il est garé juste devant, t'es obligé de klaxonner parce que le mec, il est parti livrer je sais pas quoi. Ouais, tiens, message de Mika Masutra. Moi, quand la place de livraison est prise, je garde la SMI collée à la voiture pour ne pas que le gars puisse partir. Et après, je prends mon temps, tranquille. Ah, bâtard. Non, mais après, je dois avouer que, bon, j'imagine à la campagne, c'est un peu plus simple. Mais quand t'es livreur dans une grande ville, le métier doit être difficile. Parce que t'as une paire de cons comme moi, je me classe dedans, hein, d'ailleurs. T'as une paire de cons qui font chier le monde. Le mec, des fois, il a à peine garé son camion dans la rue, les gens, ils klaxonnent comme des oufs. T'as toujours un mec qui vient l'embrouiller en disant, manne-toi le cul. Ouais, t'as ça. Ça n'a pas été évident. Hein. Ça, je pense, on parlait de nervosité, je pense que c'est un métier. Ça, quand tu fais de la route, je pense que c'est l'enfer. Hein. T'as plutôt intérêt à avoir un sacré self-control quand t'es livreur en grande ville. Tiens, un anti-livreur, on a eu Mika Masutra qui laisse un message. Maintenant, on a Mikaël qui nous dit, moi, c'est les livreurs que je vais défoncer quand ils bloquent la rue et qu'ils s'en battent la race. Ah ouais, t'attends derrière, il y a une copa possible et tout le monde klaxonne. Ouais. Si, si. Ah, et puis des fois, les mecs, ils prennent leur temps. Ou alors, le mec, des fois, il est parti boire un café, tu sais. Ouais. Tranquille. Tranquille. Tu sais, il y a des gens qui fument sa clope. Ouais, pédard, quoi. Et toi, t'attends. Bon, merci en tout cas pour le témoignage, Lenny. On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison dans le 85, puisque tu es un jurassien qui est expatrié en Vendée. C'est ça. On t'envoie ça en Vendée, Lenny. Tu raccroches pas. Équipe cool. Et tiens, pour se détendre, passons à l'amour. On a les méthodes du clash de la drague à vous donner. Et on parlera également d'un petit cas un petit peu particulier. Ah. Je vous explique tout. C'est Liam qui nous a laissé un message sur l'appli Skyrock. D'ailleurs, Liam, à la limite, tiens, pendant qu'on fait les méthodes du clash, laisse ton numéro de téléphone, comme ça on te rappelle et tu nous racontes ton histoire toi-même. Ce serait pas plus mal. Liam, donc, merci pour ton message. On s'occupe de toi tout de suite. Donc, laisse vite ton numéro. Laissez bien le numéro, hein, si vous voulez passer à l'antenne, si vous avez un truc à nous dire. Comme ça, on vous rappelle et vous expliquez vous-même vos stories. C'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, les méthodes du clash de ce soir. Alors, moi, vas-y, Cédric, je t'en prie. Bonheur au loser. Ta gueule, va. Bah, t'es bon, moi, j'ai acheté des capotes parfumées, aromatisées. Et je voulais faire goûter à la femme ce soir, pommes, fraises, bananes.
Mais tu mets ta bite à la capote au moins. Ah bah bien sûr. Ah d'accord, ok, non parce que c'est. Mais attends, non mais sans vouloir être désagréable, Cédric. Mais je crois que tu l'as vraiment, tu l'as fait il y a super pas longtemps. Non, si si, il y a longtemps. T'as vérifié? Ouais. Tu l'as fait quand? Ah je sais pas, mais il y a longtemps. T'as vérifié? Ouais. Non, j'ai fait tiens. Non, tu l'as fait. Non, je pense que dans le mois qui est passé, tu l'as. Non. Ah, je t'assure, ça me dit quelque chose. Mais bon. Non, moi, ça me dit rien. Bon, écoute, je ne sais pas. Dites-nous. Vous savez, des fois, vous savez mieux que nous. Oui, c'est bon. En tout cas, moi, la méthode, une méthode classe. Inédite. Je pense qu'elle est inédite, celle-là. Inédite. Méthode classe et inédite. Je suis constipé. Oui. J'aimerais que la famille me mette des doigts dans le cul pour. Elle est inédite. Déboucher le bordel. Non, mais elle est inédite, celle-ci, je me rappellerai, tu vois. Je me demande des doigts. Vous pite dans le cul pour me déboucher tout ça, parce que ça, j'ai beau pousser, ça ne sort pas. Tu es constipé. Oh mon dieu. Je pousse. C'est très sexy, effectivement. Puis pour les remercier, je ferai l'amour avec eux, quoi. Bien sûr, puis j'imagine que ça leur fera plaisir après t'avoir débouché. Bah, évidemment. Très bien, opération débouchage pour Romano, opération capote pour Cédric. Ouais. C'est le clash de la drague qu'on va retrouver tout à l'heure sur Skyrock. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un de... On parlait des plus âgés, hein, c'était lundi, je crois, non? Lundi ou la semaine dernière? Ouais, ou la semaine dernière. On parlait des gens un petit peu plus âgés. Ah, il faut pas que je dise ton prénom. Ah putain, merde. Alors on va t'appeler l'anonyme. Voilà, très bien. Ah, tu peux pas passer à l'antenne parce que t'as peur qu'on te reconnaisse. Bon, alors, l'anonyme nous a laissé un message sur l'appli Skyrock. N'hésitez pas, vous aussi, hein, si vous avez des trucs à nous dire. Un message sur l'appli Skyrock. Et il est tombé amoureux de quelqu'un au bahut. Tiens, on va faire un petit jeu. De qui il est tombé amoureux au bahut? Une prof. Un prof, t'as dit quelqu'un, donc on pense au prof, ouais. Une pionne. Ah, ça pourrait être La CPE. Bonne réponse, Romano. Une pionne. Une pionne. Ah ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont bonnes, hein. Il est tombé amoureux d'une pionne au bahut. Bah, elles sont plus jeunes que les profs. Il sait pas comment gérer le truc. Tu parlais, il sait qu'il y a, qui c'est qui a dit CPE faire, d'ailleurs? Moi, j'ai dit Romano, pionne et après CPE. CPE, parce qu'on a eu une histoire de CPE la semaine dernière dans le morning. On avait parlé de ça. On vous a demandé votre avis là-dessus, d'ailleurs. C'était une CPE qui était passée au tribunal pour avoir, une relation sexuelle avec deux élèves de terminale. Deux élèves majeurs qui avaient 18 ans. Ouais. Et elle avait quel âge? Elle avait combien d'e-foul, je sais plus. Non, c'est pas l'âge de la CPE. On n'est pas l'âge. J'avais pas eu l'âge de la CPE. Ouais, mais bon, ouais, ils sont majeurs, mais c'est vrai que normalement c'est interdit. Alors, en plus, je me rappelle, il y a un mec qui s'appelait Khalil et l'autre s'appelait Karim. Et il y en a un des deux, je crois que c'est Khalil, qui avait dragué la CPE, de manière un petit peu plus, de manière assez claire. Parce qu'il avait très envie de coucher avec une meuf plus âgée. Ouais, mais dans le code déontologique. Exactement. Ça le de l'éducation nationale, un prof n'a pas le droit de sortir avec un élève, même si il y a pas de problème de majorité. Alors l'histoire, elle est allée au tribunal. Lui, il avait réussi à la faire craquer, donc ils avaient baisé ensemble. Ouais mais elle est sous dans la merde. Hein. Et attends, avant qu'ils aillent au tribunal, il avait raconté ça à son pote Karim, qui lui aussi était majeur, qui lui aussi était en terminale avec lui, qui avait la même CPE. Et Karim, il s'est dit, ah putain, s'il s'est tapé la CPE, moi je vais baiser la CPE aussi. aussi. Et il avait commencé à draguer la CPE, mais elle a dragué pareil. Ouais. Et alors, d'après vous, elle a fait quoi la CPE? Elle a fait avec. Elle a refusé. Ah merde. Ah oui. Ouais, elle était déjà assez dans la merde, ouais. Non, mais un jour, ils se sont retrouvés tous les trois parce qu'ils sont allés chez la CPE. Donc, Khalil, qui avait couché avec la CPE, Karim, la CPE la vercale. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, eh bien, Karim a réussi à baiser la CPE lui aussi. Ah bah, c'est moi, la CPE, elle était très chaude. Ah ouais. Tu m'étonnes. Donc, ils se sont tapés. Si ça c'est, elle est dans une merde. Ils se sont tapés tous les deux, la CPE. Ah, ça s'est su, ouais. Bah, Marie, si on a l'info, c'est que ça s'est su. Ouais. Ah oui. Non, mais je pensais que c'était un auditeur. Mais non, mais Diffoul, il vient de dire. Si on le sait, c'est que c'est une info qui est sortie, tu vois. Donc. Non, l'auditeur, l'anonyme, lui veut sortir avec une pionne. Et donc, ça m'a rappelé cette histoire qu'on vous avait racontée dans le morning. Non, je pense que c'était. Et donc, elle a couché avec un des deux pendant que l'autre y filmait. Et donc, c'est sorti au bout d'un moment. Forcément. Au bout d'un moment, ça s'est su. Et donc, elle s'est retrouvée devant le juge. Et elle a expliqué au juge qu'elle voulait pas coucher avec les deux en même temps, car il manquait un préservatif. Il y en a un des deux qui a filmé. Bon, la vidéo a fini par tourner et elle a été mise à pied par l'éducation nationale. Et les deux élèves, ils ont été sympas. Il y a Khalil, celui qui l'avait baisé la première fois, qui a dit qu'il se sentait coupable parce qu'il voulait pas qu'elle soit virée de l'éducation nationale. Et puis l'autre, Karim, il a dit moi je me sens victime, j'ai tout fait pour, je l'ai dragué lourdement, etc. Donc les deux élèves, ils ont défendu la CPE. Non mais d'ailleurs, ils l'ont mieux défendu qu'elle ne s'est défendue. Elle, avec tout le respect que je dois, la meuf c'est une teubée. Et le seul truc de sa défense, c'est de dire je me suis pas fait ken par les deux parce qu'il manquait une capote. Oui, bah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un argument de merde. Excusez-moi, c'est pas un tribunal. Le mec il va dire c'est super. Alors vous inquiétez pas, madame, tout va bien.
All is alright. Et le juge l'a acquittée. Elle est acquittée par le juge. Et le problème, c'est l'éducation nationale qui va peut-être la licencier. Non, mais je pense qu'elle va être radiée. Forcément. Ben nous, la semaine dernière, on avait fait un grand sondage express pour la soutenir ou pas. Et on a vu que vous étiez une majorité à la soutenir, la CPE. Oui. Est-ce qu'il faut la garder dans l'éducation nationale? C'était oui, parce que bon, elle fait faire des contrats aux pratiques de SVT, tout ça, c'est quand même bien. Ah bah super, quel argument. Oui, non, mais, non mais après, en soi, oui, de la virer, bon, les deux mecs, c'est pas une tordue, tu vois, les deux mecs étaient majeurs et compagnie. Mais c'est vrai que, bon, déontologiquement, t'as pas le droit. Après, c'est des règles qui sont établies. Hein. Parce qu'après, bon, tu peux avoir des débordements, tu vois, elle a fait ça avec des majeurs, bon, si t'as un fils, je sais pas. Bon, là, elle aurait pu faire ça avec son index. Ouais, avec son pouce. C'est une bonne idée, ça, ouais. Ah, c'est con. Non, mais tu vois, tu tombes sur, je sais pas, t'as un fils ou une fille. Ta fille, je sais pas, elle est en troisième ou en seconde. Non, mais là, on est dans la. Oui, elle se fait sauter par un surveillant. Bon, c'était la famille. C'est pas super. Non, mais bon, moi, écoute, moi, je la soutiens, moi, elle. Et puis les deux élèves, ils ont été vraiment sympas, tu vois. Ils ont kiffé. Ah, mais moi, je pense qu'elle va sauter. Non, mais ils étaient gentils. Ils auraient pu dire, ouais, rien à battre, quoi. J'y vais pas au tribunal, moi. Ils sont allés tous les deux, ils l'ont défendu. Donc, ouais, c'est une belle histoire. Rien à battre, ils ont peut-être été convoqués. Tu sais, quand t'es convoqué, c'est pas possible, tu vas pas dire au juge, j'ai rien à battre, rien à battre, monsieur, elle est cool. Non, mais moi je suis d'accord, je la soutiens, mais moi je pense que malheureusement pour elle, sa carrière est terminée. Oui. Ouais. Donc, c'est-à-dire en 77, si vous êtes dans ce bahut, c'est à Meaux, je crois que ça s'est passé l'histoire, si je me souviens bien. Donc, si vous êtes dans le bahut de la CPE, si vous avez vécu cette histoire, vous nous dites. Ou alors, si toi, Khalil, ou toi, Karim, tu nous écoutes, ben n'hésite pas à venir témoigner pour nous raconter la petite histoire. Bon, dans un instant, on va revenir au problème de l'anonyme. Donc, l'anonyme qui veut sortir avec une surveillante du bahut. Est-ce que ça, l'anonyme, puisque tu nous écoutes, c'est que, t'as vu, j'ai plus dit ton pseudo, depuis tout à l'heure. Ouais, hein. D'ailleurs, elle, c'est pareil, si ça venait à se faire, faut pas que ça se sache, hein. Parce que c'est pareil. En fait, à partir du moment où t'as de l'autorité sur quelqu'un, t'as pas le droit, en fait. Bon, vous êtes déjà sorti avec une surveillante. Ou un surveillant. Vous êtes surveillante, vous êtes déjà tapé un élève ou une élève. À la fac, ça arrive souvent, tiens, nous dit Karine, là, sur la piste Skyrock. Mais c'est pareil, Karine. C'est interdit. Même à la fac, t'as pas le droit de baiser une élève. Ouais, c'est interdit. Mais admettons, t'as 25 ans, t'es prof de fac et l'élève, elle en a 22. Non, parce que t'es déontologiquement, en fait. T'es son supérieur. Ouais, t'es son supérieur et en fait, je crois que. Tu sais, il y a un code, je sais pas, bon, je dis mal, je sais pas si vous êtes prof, dites-nous. Je crois qu'il y a une espèce de code d'honneur, tu sais, des profs, comme les médecins, tu sais, ils ont un. Il y a une déontologie. Ouais. Et en fait, s'ils la respectent pas, ben, tu peux. C'est que tu respectes pas le truc. Tu sautes, quoi. Il y a Ilyes qui aimerait bien se faire sucer par sa surveillante, tu vois. Ben écoute, pourquoi pas. Ouais. J'ai une pionne, elle est vraiment trop bonne. Non mais comme on disait tout à l'heure, souvent les pions et les pionnes, il n'y a pas une différence d'âge de ouf. Tu sais, quand t'es genre en terminale, des fois la pionne elle a 3 ans de plus que toi, tu vois. Donc bon, ça peut dire que c'est jouable, quoi. Bon, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, vous laissez vos messages au zéro. Oui, mais tu es tombé amoureuse, Médéline. Apparemment. Du gardien du chenil. Oh, c'est mignon. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Là, je traduis ce qu'on est en train de. On est en train de perdre 10 foules, là, je vous le dis. Je pense que malheureusement, on nous a été obligés de le faire évacuer dans un établissement spécialisé pour le cerveau. Romano, excuse-moi, mais discute-en avec ta meuf, elle va comprendre. Ouais, mais inquiète-toi, parce que si tu prends Carriole comme référence. Oui, c'est Carriole dont je parle. Psychiatriquement, elle est quand même arrangée. Ouais, bah écoute. Bon, dans un instant, on aura un CPE, tiens. Ah, qui a peut-être couché avec des élèves, on va tout savoir. Un CPE en direct avec nous, et puis vos témoignages sur les trucs qui se passent au bahut. Pas entre élèves, hein, mais entre corps enseignants, corps encadrants du bahut. Et puis élèves, vous nous racontez, vous nous dites, et des conseils donc pour que l'anonyme, il arrive à serrer la pionne. Pas facile, mais enfin bon, si vous avez des conseils, on vous attend. Non, c'est jamais, hein. Rien n'est impossible sur Skyrock. Le clash de la drague, on a les méthodes, on va attaquer. Et puis le son à écouter là tout de suite, maintenant, c'est les Black Eyed Peas et Shakira. Radio libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Bon, Difool, il faut arrêter de parler avec Medellin, elle ne comprend pas. Vous êtes complètement cinglé. Je discutais un petit peu hors antenne, je lui demandais son avis sur l'histoire l'histoire des surveillants qu'on a envie de serrer, tout ça. C'est pour l'anonyme, si vous venez d'arriver, on est avec l'anonyme. L'anonyme en direct avec nous qui peut répondre. Alors, c'est bien, ça, on va le faire comme ça. Et tu peux pas nous laisser ton numéro comme ça, même si tu veux pas passer à l'antenne, l'anonyme. On discute avec toi, comme ça on te pose des questions et on fait ça au téléphone, comme ça. Ouais, on aura les infos. Ah, sinon on passe tout ton chat, il faut le parler un peu avec si t'en as un. Je vais vous poser une question, est-ce que vous parlez à vos animaux?
Ah bah moi quand j'avais Kawa, ouais, je lui ai raconté plein de trucs. Ah, et elle te répondait. Putain, tu lui racontais des trucs, mais tu non, elle me répondait pas, mais ça me faisait du bien. Attends, mais t'as pas un exemple, tu lui racontais quoi? Elle disait Kawa, on a plus de bière. Ah merde. Non mais par exemple, non mais j'ai eu, je lui demandais d'aller me chercher une bière, mais ça elle comprenait pas. Mais Kawa, pourquoi t'as un chien aujourd'hui? Tu ressembles à un chien, dis donc. Non, mais je lui parlais de plein de trucs, moi, Kawa. Tu parles pas à ton chat, toi, Guigui? Ah, si, tout le temps, mais. Sac à foutre? Ouais, non, c'est sac à foutre ou quoi? Sac à foutre, il s'appelle. Non, c'est ça fout. Chelou comme nom, mais bon. Mais... c'est vrai que c'est chelou. Non, bah écoute, je lui dis pas grand chose, quoi. C'est bizarre. Je lui dis, je suis très limité, hein. C'est salut, mon petit chat. Comment tu vas, mon petit chat? Et après, il n'y a pas trop de réponse, donc je m'arrête, quoi. Et t'as pas peur du chat? Parce que t'as peur de tout, donc. Non, mais non, le petit chat est trop mignon. Mon petit mais mignon, non, mais il grandit quand même. Ouais, le grand, quoi qu'elle est assez petite, hein. Elle est petite. Elle lui lacère le visage. Sac à foutre. Non, ça va, non, franchement, elle est très sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. Bon. Non, mais tout le monde parle avec ses animaux. Il faut parler avec ses animaux. Non, c'est normal, c'est un message de la crotounette. Moi, je parle avec mes chattes, c'est le message de Marouane. Et puis, on a l'air con. Avec ta chatte, pardon, Marouane. Après, je me verrais pas raconter une histoire entière à mon chat, par exemple, hein, tu vois. Non. Je trouvais que c'est... Tu vas pas lui raconter ta journée, quoi. Ouais, non, c'est sûr, j'aurais l'air con. Tapez sur Google, là, vous allez voir. Non, vous mais tout le monde parle parlez à ces animaux, et les animaux, plus tu leur parles, plus ils comprennent ce que non, tu dis. Non, mais en plus, on est con, parce que tu lui poses des questions, mais ils vont pas te répondre. Non, quoi. Mais tu sais que plus tu parles à ton animal, plus l'animal, il comprend ce que tu dis. Ouais, t'interagis. Alors, Médeline, elle vous comprend. Bah, elle est contente. Non, mais par exemple, les labradors qui sont très intelligents. Ah, c'est beau, ils peuvent comprendre jusqu'à 70 mots différents. Ah ouais, et c'est le chien j'ai même vu plus que, j'ai même vu plus que ça. Non mais des mots, des ordres quoi, tu vois. Je crois que c'est une centaine de mots que peut comprendre un chien. Je sais pas, ouais, moi j'ai entendu 70, moi, mais déjà 70 c'est beaucoup hein, quand j'y pense. Bah, c'est énorme. Bah, y a des êtres humains, ils comprennent pas 70 mots. Ouais. Bah, y a même des êtres humains, ils n'utilisent même pas 70. Je sais pas, on regarde les émissions de W9 par exemple. Non mais tu sais, ils avaient fait une étude hein. Par exemple, les gens teubés de la télé-réalité, je crois qu'ils emploient les gens teubés de la télé-réalité. Non mais bon, voilà, bon, c'est une généralité, mais bon, on va dire bon. Est-ce qu'on aura une influenceuse demain matin, Romano? Parce que le jeudi, en général, on a une influenceuse alors, en morning. Ouais, alors, mais elle ne viendra pas seule. Ah, elle viendra pas seule. Elle viendra peut-être avec quelqu'un qui s'occupe de son corps, autrement dit son chirurgien. Ah, demain on a un chirurgien dans le morning. Eh ouais, bah on se refuse rien. Un chirurgien. Dans les conseils pas chers, on profite de tout. Non mais ils avaient fait une étude et. En fait, par exemple, les gens de télé-réalité, je crois, utilisent deux fois moins de mots que des gens entre guillemets normaux. C'est tout que deux fois moins, t'es sûr? Ah ouais. Ah ouais. Putain. Ah mais je sais plus combien c'était. Il y avait un truc qui avait, je sais plus. Mais en fait, c'est pas énorme le nombre de mots qu'on utilise. Hein. Dans la vie. Ouais. Bah non, on utilise un paquet. On parle tous les soirs 3 heures ensemble. On parle de plein de trucs différents en plus. Ouais, mais il y a plein de mots qu'on utilise plusieurs fois, tu vois. Ouais. Oui. Bah oui, par exemple. Voilà. C'est vrai, on dit souvent. Ouais. Bon, donc voilà, donc Romano, c'est normal. Regarde le nombre de messages qu'on reçoit là sur les auditeurs et les auditrices qui parlent à leurs animaux. Mais oui, mais Médéline, tu vois, regarde, c'est ça. En fait, dans le ce qu'on appelle le vocabulaire fondamental ou de base, un adulte, normal entre guillemets, hein, utilise entre 3 et 5 000 mots. Oui. Un collégien lycéen, c'est entre 800 et 1600. Ok. Ah ouais. Et alors attends et après attends, il faut que je retrouve les gens débiles. Et un chien. les gens de la télé-réalité. Attends, attends. Non mais je crois que c'est moitié moins. Je me demande si c'est pas moitié moins. Ils sont deux fois plus cons que nous en fait. C'est ça qui est génial. En fait, ces émissions, elles sont super parce que quand tu les regardes, t'as l'impression d'être intelligent après, là. Bon, mais des fois, tu te dis quand même, s'ils le font pas exprès. Non, bah non. Non, mais c'est ça qui est terrible. Tu regardes leur story, non, ils le font pas exprès. Non, je pense qu'il y a quelques fois, ils doivent le rafraîchir. Ah ouais, alors voilà, c'est ça. Bon, alors. certains jeunes. ils parlent pas ils citent pas directement les gens, hein. Ils utilisent moins de 400 mots par jour. Voilà. 400 mots différents. Quoi, même pas par jour, 400 mots différents. En tout. Très bien. Ah ouais. Bon. Ça fait une sacrée différence avec. Toi, quand tu vois qu'un labrador, il comprend son mot et que Maëva Guénam, elle en utilise moins de 400. Ah putain. Non, mais ça m'étonne pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais des fois, tu les entends parler. T'es cette meuf, tu passes une soirée avec elle, tu parles de quoi, franchement? Bah, chirurgie esthétique, maquillage. Ouais, même parce que les objets de merde, escroqueries sur internet, tout ça. Non, mais même, tu sais, quand elle avait fait sa pub, la pousse. Ah, il y a Jules du 02 qui nous dit: je suis tombé sur Adixia tout à l'heure, star de télé-réalité, tout à l'heure, qui comptait sur ses doigts pour savoir quel est le nombre de guerres mondiales il y avait eu. Oh, putain de merde, tu vois. Non mais tu vois, l'étude. Non mais là c'est une vraie étude, hein, je vous ai dit, c'est pas moi qui ai inventé les chiffres. Hein. Combien il y en a eu, Cédric, des guerres mondiales? Bah deux. Bien joué, bravo. Ouais, ouais, il est fort. Et la troisième elle arrive. Bah, ça, elle est en cours. Heureusement qu'elle a toujours encourageant. Ah ouais, c'est clair. Heureusement qu'elle a 10 doigts, Alexia. Adixia.
Adixia. Bon, on est avec vous en direct et on va aider l'anonyme, puisqu'il faut que je l'appelle l'anonyme maintenant, qui veut serrer sa surveillante du bahut. Alors, l'anonyme et vos témoignages en direct et le clash de la drague juste derrière. Ouais, ouais. Et les dernières minutes pour Francfort-Marseille, plus de buts depuis tout à l'heure. Hein. C'est compliqué, on pousse. Il ouais. y a eu des buts en première mi-temps. Il se passe rien du tout. Gros. Et puis là, il n'y a plus rien, ça fait 2-1 pour Francfort. Francfort, tout à fait, ouais. J'ai tellement envie que l'OM y gagne que. Non, mais on pousse, hein, gros, franchement. C'est bon, après Francfort, c'est normal, ils attendent, tu vois. Mais ça marque pas, quoi. Bon, allez, Karim au téléphone avec nous en direct. On vous tient au courant hein, s'il se passe quelque chose. Karim, en direct du 76. Salut à toi, Karim. Karim. Salut. T'as 31 ans, toi, Karim, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, sois le bienvenu, Karim. Ah. On va t'écouter. Toi, t'es quoi? T'es surveillante? Ah non, t'es CPE, toi, c'est ça? Hein ouais, je suis CPE, ouais, exactement, dans un lycée pro dans le 76. Très bien, j'ai dit qu'on allait avoir un CPE en ligne. Eh ben, c'est toi, Karim. T'es déjà tombée amoureuse, Marie, d'un surveillant ou d'une surveillante? Jamais. Oh, Romano, putain, toi, au bahut, t'es arrivé amoureux d'un surveillant? Non, une surveillante non plus. Ah, André. Non, mais André, s'il te plaît. Ah oui, il y avait André. Elle était monstrueuse. Mais tu sais que j'ai un profil en E. Non, mais j'ai jamais vu une personne aussi laide. André. Et elle avait quoi comme voix? Déjà, elle avait un menton en E. Non, ouais. La gueule entière. Ouais, de profil, ça faisait un E. Non, mais lui, on se foutait de sa gueule. Si elle avait un front proéminent, un menton proéminent, un nez proéminent. Non, en fait, elle avait. Ouais, c'est ça, mais elle avait partie de la gueule enfoncée, tu vois. D'accord. Elle avait un nez, t'avais l'impression qu'il lui en manquait un bout, c'est qu'il s'était fait pouffer. Mais même pas. J'avais jamais vu quelqu'un, la meuf, elle avait un cul, c'était un buffet, c'était. Non, mais. Et elle était pas sympa en plus. Ah, elle était code comme une bite. Ouais, elle était méchante. Et on la faisait chier parce qu'elle avait une passion, c'était. Elle adorait jouer au flipper. Ouais. Et Ok, bon, c'est de merde. Et nous, en fait, on la faisait chier. C'était une grosse beauf. Hein. On avait un foyer dans notre bahut et tu sais, il y avait les baby-foot et il y avait un flipper. Et en fait, à la base, c'était pour les élèves. Mais la meuf, elle passait son temps à jouer sur le flipper. Ah oui. André. Et nous, pour lui foutre la haine, tu sais, on mettait des coups de pompe dans les. Pour faire tilter. Là, elle pétait des câbles et on se foutait de sa gueule. Et après, je vais vous punir. Tu sais, c'était un peu le chartier. Je vais vous mettre des privations de sortie, vous allez voir, en mode de merdeux. Mais tu crois qu'elle baisait cette femme? Non, parce que elle était impinable. Vu la description, je pense que. Waouh! Bon, Karim, toi, t'es CPE, donc, dans le 76, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Comment on fait pour devenir CPE? Il y a des études de CPE? En fait, il y a un niveau master et il y a un concours après à passer. Mais un CPE, voilà. Il peut être prof ou c'est vraiment deux branches différentes? Non, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Ça D'accord. paye bien, ça? Ça dépend. Au début, moyen et après, plus. Au début, pas trop, et puis après, au bout d'un avec moment. Avec l'ancienneté, c'est quoi? T'es fonctionnaire? T'es fonctionnaire, exactement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être CPE, toi? Bah écoute, j'ai été surveillant pendant 5 ans. Ouais. Et au bout d'un moment, bah vas-y, hein, j'ai. Ah, t'as passé les examens, tu t'es dit, j'en ai marre d'être surveillant. Okay. Exactement. Ouais, c'est logique. Au jour le jour, t'as 31 ans, toi, hein, Karim, c'est ça? Ouais, 31 ans. Au jour le jour, c'est quoi ton travail? C'est les absences, les retards, le suivi des gamins en général, absentéisme beaucoup. C'est toi qui recrute les surveillants, Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est toi qui recrute les pions, d'accord. Ah ouais, et puis tu remets un peu les mecs en place quand ils font des conneries, non? Bah c'est CPE. C'est ça. C'est fou. C'est important quand même. Ah, CPE. Et t'es content de ton boulot? Ouais, c'est cool. Hein. Bon. Moi, je préfère le CBD. Ah non, mais rien à voir, Marie. Et ils t'aiment bien les élèves en règle générale ou pas? Bah non, tu les fliques. Bah, franchement, moi j'ai l'impression que ça va, tu vois. Après, ce qui. Dans ton dos, ils doivent parler. Ouais, bon, ça, c'est mais ça, on demande souvent, mais il y en a que tu peux pas blairer. Genre, tu sais, tu te dis putain, lui, il est vraiment trop cool. Gratuitement, ouais. Juste à cause de sa tête. C'est ça. Genre, t'aimes pas c'est sa gueule. Ah, il y en a que t'aimes pas, ouais. Bah, ou alors il te prend pour un con, donc au bout d'un moment, tu peux plus le voir, quoi. C'est vrai, ça aide pas. Ah bah oui. Non mais bon. C'est humain. Et il y a des avant qu'on en revienne au problème de l'anonyme là qui tombe amoureuse. C'est terminé pour l'OM. D'une pionne. Ah fête de l'OM officielle. C'est fait de l'OM. Ah là là. Putain, on va gagner le dernier match. Samy, mais qu'est-ce qui se passe? Ah c'est la débandade. 4 défaites à la suite, ça fait là. Tu sentais bien. 4 défaites en 5 matchs. Ah ça fait chier gros.
Mais bon, c'est pas perdu. Si on gagne le prochain match, c'est bon. Mais contre Tottenham, c'est ça, dernier match de la poule au Stade Vélodrome mardi. Et demain, ça sera une finale. Demain sur Skyrock Marseille, si vous nous écoutez sur 90 FM, eh bien il y aura des places à gagner pour aller voir. Pour assister à la qualif. Ouais. Ah, je crois que vous êtes offert des Kleenex. Non. Tu peux aussi. Et des cachetons. Ça sera mercredi prochain. Ça. Une place, un Kleenex. Donc les places à gagner demain matin sur Skyrock Marseille juste avant 8h. Allez, soyez là demain dans le morning. Et 12 000 €, ça c'est pour tout le monde, pas qu'à Marseille. Ce sera vendredi matin. Bon, pour en venir. Putain, non, Tottenham, ils viennent de marquer à la 95e. Aïe, aïe, aïe. Ah, ta mère. Aïe, ta mère. Ta mère. Ah, du coup, faut que je recalcule, mais je suis pas sûr que ça soit jouable encore. Ah, vous êtes éliminé. En fait, fallait pas que Tottenham. Je crois que c'est fini. Fallait pas que Tottenham gagne et ils ont marqué à la 95e. Mais non, vous avez Tottenham premier avec 7 points, Marseille deuxième avec 6 points, troisième le Sporting avec 6 points et quatrième Francfort, non ? 6, 7, 8, 9. Non, 5. Non, je pense que c'est mort. Non. Allez, c'est mort. Ah, c'est dead. T'as vu, toi qui es dans l'éducation nationale, Karim, t'as vu commission nulle en maths dans 7, 10, Tottenham va faire. Tu veux pas leur foutre des heures de colle ? 11 ans, je crois que c'est mort. 4 heures de colle un mercredi après-midi, c'est réglé. Mais non, Samy, c'est pas mort. 4 heures de colle. Samy, c'est pas mort. Mais non, Samy. Ben, on a 6 points, gros. Alors, on dit que là, il y a Schmeck qui dit c'est jouable, mais il faut gagner contre Tottenham. C'est jouable. Voilà, mais parce que Francfort, ils ont 7 points là, Samy. Vous avez 6 points, frère. Ah ouais, 7 points, oui, parce que le match est terminé. Bien vu, je croyais qu'il faut qu'on allait leur rajouter les 3 points, ils avaient 10 points. T'as vu qu'ils étaient nuls, Francfort, je t'avais dit. Bah ça va, pour l'instant ça va, ils ont 7 points. Bah, ils étaient nuls, bon, ils ont battu ce soir, mais en général ils sont nuls. Ouais, ils ont plus de points que nous. Donc c'est Tottenham premier avec 10 points, deuxième Francfort avec 7 points, troisième Marseille avec 6 points et dernier le Sporting. Ouais, c'est confirmé aussi, d'ailleurs. HMZ25 il dit l'OM 3ème, mais c'est pas mort. 3ème, oui, en fait, tout le monde peut se qualifier encore. Donc tout va jouer la semaine prochaine. Le dernier match. Bon, semaine prochaine et place à gagner demain matin. Putain, regarde l'autre, il s'est cogné. T'as eu l'œuf ? Ah ouais, putain, mais il a fait quoi ? Le mec, il a un œuf sur un temps. Ah ouais, c'est cogné sur un œuf. C'est énorme. Ça me fait penser au bouton que t'avais sur le visage. Ah ouais, un gros, non, mais t'avais déjà eu un bouton comme ça. Non, pas aussi. Non, mais un œuf, le mec avait un œuf, un œuf de poule. Si, il y a du pus dedans. Non. Tout le monde peut témoigner dans l'équipe. Ah, je témoigne, je le jure. Non, jamais de la vie, j'ai eu ça. Bon, si vous venez d'arriver sur Skyrock, on est avec Karim et on a de l'anonyme. L'anonyme qui kiffe une pionne et puis qui sait pas comment gérer l'affaire. Est-ce que t'as déjà connu des histoires comme ça d'un élève qui, ou d'une élève qui kiffe un pion ou une pionne? But refusé pour Tottenham. Ah ouais, refusé à la 95e. Putain, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Donc. Alors, il y en a qui disent que c'est en analyse, il y en a d'autres qui nous disent que c'est refusé. Bon, okay, il y a la VAR en tout cas. Allez, on vous donne les résultats dans un instant. Après qu'on soit occupé de l'anonyme. Donc, Karim, il y a parfois des histoires comme ça. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Ah ouais, souvent. Ouais, ça arrive souvent, mais moi, je le déconseille. Ah, pourquoi toi, tu te fais draguer toi-même en tant que CPE? Parce que bon, t'as 31 ans, t'es pas un vieux CPE, toi. Ouais, c'est arrivé déjà. Tu te fais draguer par des élèves, elles te draguent comment? C'est par les paroles, tu vois. Moi, je suis en lycée, donc les gamines, elles sont grandes, tu vois, 18, 19 ans. Mmh. Et j'ai été dans un lycée où j'avais des BTS aussi. Ah oui, donc encore plus grand. Ouais, c'est de te mettre dans leur poche, en fait. Voilà, non, dans leur lit, parents, Marie, plus. Vois, c'est pas dans les trucs de fou, tu vois, mais c'est. Elle t'invite à une soirée, elle te trouve sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est... Ah ouais, donc sur les réseaux, tu vas sur tes réseaux et tu retrouves des élèves qui commencent à te draguer. J'ai cadenassé mes réseaux sociaux, moi. Et t'as jamais eu envie d'en niquer une? Non, jamais. Non, mais. Jamais. Non, mais parce que tu te dis, ouais, vas-y, ça se fait pas en tant que CPE. Mais est-ce qu'il y a déjà une meuf qui t'a branché que tu trouvais ultra bonne et genre t'aurais pas été CPE, tu l'aurais bien niqué? Ouais, si c'était pas au taf, ouais. Ah ouais. Mais j'ai trop gros à perdre. Bah oui, tu peux faire ton boulot. Ah ouais, c'est sûr. T'as entendu l'histoire de la CPE dont je parlais tout à l'heure là? Non, j'étais pas au courant. Ouais, donc c'est le truc qui s'est passé à Meaux, elle a couché avec deux élèves, bon, qui étaient majeurs. Et puis elle s'est retrouvée au tribunal, donc le tribunal l'a relaxé parce que les mecs ont été sympas, ils ont témoigné en sa faveur en disant que bon, c'est eux qui l'avaient draguée, qu'ils étaient majeurs tous les deux. Et puis ça s'était pas passé au bahut surtout, hein. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas couché au bahut. Encore heureux, t'imagines. Ouais, mais même il y a une autorité en fait, tu vois. Une espèce de déontologie. C'est ça. Il y a, ça reste ses élèves, donc c'est impossible normalement. Tu vois, elle n'a pas le droit. Bah ouais. Et toi, t'as des pionnes ou des pions qui ont couché avec des élèves et tu l'as su? Non, mais si ça arrive, je la vire direct, la surveillante. Ah toi, tu la fous dehors, toi? Ah ouais, c'est mort. Ouais, mais bon, après, c'est parce que t'es dégoûté parce qu'elle aura pas couché avec toi, c'est ça. Non, mais c'est surtout, si ça sert, après on te dira, ouais, c'est ta responsabilité, vu que t'es responsable de la meuf. Ouf, non, mais moi je comprends, tu te couvres en fait. But refusé pour Tottenham, c'est but fermé. Ok. Donc ils prennent qu'un point, ouais. Donc c'est mieux pour vous. Bon, hein. Alors recalcule, Samy. On va recalculer, ouais. Et après le CPE va t'interroger. Oh merde, je vais réviser. Non, mais moi je comprends à ta place, je ferais pareil. Moi la meuf. Ah ouais, non, c'est trop de problèmes ça. Ouais, derrière ça te retombe dessus, tu sais, ouais. T'as vu, on a une autre CPE, Chéra.
Salut Chira. Qui l'oublie, c'est son boulot, elle va vite le remettre en place, parce que c'est un élève, je suis CPE aussi. Salut à toi. Ah, ça dépend, il doit y avoir des pions. Là, pour le petit qui veut gérer la surveillance, oublie. Hein. Ouais, c'est ça. Il va la mettre dans la merde. Hein. Ah ouais. Donc il peut. Ah, pour moi, il va la mettre dans la merde. Hein. Mais lui, non, mais il faut qu'elle veuille aussi. Elle, oui, voilà, il y a déjà ça aussi. Tu vois, tu peux fantasmer sur quelqu'un, mais bon. Non, mais, ouais, mais si jamais elle veut, tu vois, ou. Pour moi, c'est un vrai problème, tu vois, ça sert à rien. Ou alors, il faut avoir une histoire cachée. Il vaut mieux pour lui attendre qu'elle soit plus surveillante ou alors que lui, il soit plus au lycée pour que, tu vois, il gère. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Faut attendre la fin de l'année scolaire, c'est loin là encore. C'est ça. Dites-nous si vous avez déjà eu des histoires comme ça. Là, moi, je te laissais un prof de fac avec des surveillants, des surveillantes. Et il avait sauté une élève. Ouais. Mais le mec, je peux te dire que il emmenait pas large, hein, parce que lui, il avait trop peur. Mais lui, c'était un ouf. Hein. Lui, il l'avait baisé dans la salle des profs. Oh. Ah ouais. Ouais. Normal. Normal non, mais salle des profs. Non mais moi c'était un mec que je connaissais que je connaissais bien et en fait le truc c'est que il me disait un peu comme toi, lui dans les amphis, tu sais il y a des meufs elles se mettaient au premier rang mais genre tu sais elles faisaient des elle allumait tu sais elles faisaient des grands sourires, tu sais les meufs elles arrivaient avec des décolletés. Non mais c'est ça et un jour le mec il a craqué sur une et il l'a baisé à toute patate. Le faible, il a craqué. Ouais. Mais il a eu une histoire avec elle, c'est qu'il l'a baisé une fois ou il l'a baisé à plusieurs reprises? Ah non, il l'a baisé à plusieurs reprises. C'était pas une histoire d'amour, tu vois, c'était une histoire de cul. Mais comment ça s'est sucé, Marion? Non, mais moi je l'ai su parce que le mec, je le connaissais, donc il me l'a dit, tu vois. Ouais, mais il a pas été grillé par la fac. Non, il a pas. Non, mais il flippait parce que. Moi, il m'avait dit. Non, mais si ça se savait, le mec, sa carrière à la fac, elle était finie, quoi. En tant que prof. Un ancien pote et une surveillante sont mis ensemble après qu'ils aient fini le collège. Ils se sont mariés aujourd'hui et ils ont un enfant. C'est Céline qui a 26 ans qui nous laisse un message. Ouais, oui, mais c'était plus ensemble au bahut. T'imagines collège et surveillante. Ça veut dire qu'ils ont au moins, 5, 6, 7, au moins 7 ans, 6, 7 ans d'écart, non? Bah, sauf s'il avait beaucoup de retard au collège. Voilà. S'il avait 18 ans en troisième, bon, ça passe. Bah, d'accord. Super. Faut qu'il ait repiqué au moins 4 fois. Non, mais deux fois, tu sais, tu redoubles deux fois. T'as en troisième, t'as quel âge? 15 ans, 16 ans, 15, 16 ans, non? Suivant au moment où t'es né dans l'année, tu vois. Tu t'as redoublé deux fois, bah déjà rien, t'as 16, 17 ans. Meuf, elle a 21 ans, ça passe. Hein. T'as essayé de rappeler, il est où d'ailleurs? Tim Romano, 5-9. Il a 17 ans, il dit je sors avec ma surveillante, j'aimerais réagir, tiens. Vas-y. Essayez de le rappeler, on va avoir un témoignage là-dessus. Ça y a mes idées, moi j'ai niqué avec ma pionne 10 ans après alors qu'au collège elle pouvait pas me voir. Ah tu vois comme quoi. Putain. Bah 10 ans après c'est pas un problème ça Karim. 10 ans après elle est plus. Ah non. Et toi t'es plus élève donc quelque part. Non mais en fait c'est ça, il y a le truc d'autorité, prof, élève, pion, élève. Donc toi Karim tu nous conseillais d'attendre, enfin tu lui conseillais à l'anonyme d'attendre un peu avant de se taper sa pionne. Oui, c'est sûr. Mais lui, il risque rien, il a raison le Mayennel sur l'appli. Il risque rien, lui, c'est la pionne qui risque au final. Ouais, mais si c'est quelqu'un qui l'aime bien, il a pas envie de la mettre dans la merde, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc pense à ça, l'anonyme. Retiens-toi ou tape-toi des queues, hein, comme on nous le conseillait là sur. Par exemple. Sur l'appli Skyrock, c'est moins dangereux de se taper une queue et de penser à elle. Ça, c'est vrai. C'est un fantasme. Ça, c'est sûr, là. Non, et puis il y a des trucs principaux, comme on disait, c'est qu'il faut déjà qu'elle veuille. Aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quand même important. C'est quand même la base. T'as déjà chopé des élèves en train de baiser au bahut, toi, Karim? Ah non. Jamais. Et des profs, il y a des histoires de cul entre les profs? Obligé. Ah, par contre, les profs, ils sont chauds. Ah oui, mais entre eux. Ils sont chauds. Ah mais c'est comme partout ça. Oui, c'est vrai que c'est au travail qu'on trouve le plus. Au travail et au bahut. Qu'on trouve le plus qu'on trouve le plus d'histoires d'amour qui se créent, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, il y a que nous qui baisons pas ici, quoi. C'est ouf. Tu vas me dire, moi ça m'arrange personnellement. Ça m'arrange. Non, moi j'ai couché avec une meuf de la radio. Ah ouais, la pauvre. Ouais, la pauvre. Elle a démissionné. Avec deux meufs, même avec deux meufs de la radio. Elles se sont barrées. Il y en a une qui s'est barrée, ouais. À Skyrock, quand tu veux que quelqu'un s'en aille et que tu veux pas le licencier, t'envoies Cédric. T'envoies Cédric et hop là. C'est pratique. La meuf, elle démissionne. Juste démission derrière. Immédiate. C'est une technique qu'on utilise à Skyrock pour faire partir les gens. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. T'as vu, ça marche bien. Bon, merci Karim en tout cas du témoignage. On te fait une bise, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison dans le 76. Et si vous avez d'autres témoignages, là-dessus. 01 53 40 30 20, l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Ça baise au bahut ce soir. Allez-y, on vous attend en direct. Il n'est pas joignable, Tim Romano? Non. Tim Romano? Pas joignable. Tu peux nous répondre, c'est cool. Et sinon, si vous avez d'autres témoignages, on vous attend. Et si tu dis 7, Romano, tu couches pas avec Cariole? Bah, si, je couche avec elle, mais on s'est pas connu à Skyrock. C'est vrai, c'est passé après.
Exact. Non, elle est venue à Skyrock après qu'on soit connu. Oui, Skyrock, c'est passé après. Je l'ai pistonné dans tous les sens du terme. Exactement, il l'a fort. Et il continue de la pistonner. Elle a pu se tenir bien comme il faut. Ouais. Bon, on est là en direct avec vous jusqu'à minuit. Vous pouvez réagir là-dessus, nous appeler pour tout le reste. Salut à Johan qui dit je suis dans une merde totale, j'ai besoin d'aide. Laisse-nous ton numéro, Johan. Pareil, Amina, t'as laissé un message, tu veux parler de ton mec, mais t'as pas laissé ton numéro. Ah bah voilà, donc laissez-nous votre numéro si vous voulez qu'on vous rappelle. Ça sera plus simple. Et tiens, on avait. Et sinon, vous appelez au 01 53 40 30 20. Vous avez vu l'auditrice là qui est non-voyante et qui a un chien guide et qui venait nous expliquer parce que son chien il comprend je sais pas combien de mots différents. Non mais tu sais que les chiens c'est super. Ah, c'est alors je disais il y a des scientifiques qui ont d'ailleurs tiens Romano, 300 mots. Il y a même des chiens qui comprennent 1000 mots. Ouais, c'est le record, c'est un border collie qui s'appelait je sais plus comment, là, j'ai vu ça sur internet. Ah bah moi j'ai vu ça sur les messages que vous avez envoyés, c'est Sam du 06 qui nous laissait le message. Ouais, et le chien il comprenait 1000 mots différents. Ouais. Bah, je suis sûr que Médéline en comprend plus. Bah, c'est vrai, on lui parle tout le temps. Oui mais d'accord mais elle capte rien tu sais. Hey, les staffs sont parmi les 5 chiens les plus intelligents du monde. Ouais mais ces trucs là, moi je pense que c'est les trucs les éleveurs ou je sais pas quoi parce que les classements c'est jamais les mêmes. Ah non moi j'ai regardé sur le classement là. Oui le classement sur Staff Magazine. Non pas du tout. Non mais il y a des sur 30 staffs sur 30 millions d'amis Romano. Mais il y a des staffs qui s'occupent d'aveugles et tout ça ou pas? Parce que je sais qu'il y a des labradors. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est des chiens intelligents. C'est surtout les labradors et les golden. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a quelques bergers allemands. Le mais problème de Médéline, si elle s'occupe d'un aveugle, elle te fout sous les roues d'une voiture. Ah elles sont, mais elles courent, elles tournent sur tous les sens. Il suffit qu'il y ait un chat qui soit de l'autre côté de la rampe. Non, mais ça, c'est un truc de ouf, les chiens guides. Déjà, c'est un truc de ouf pour les non-voyants parce que ça leur rend super service. C'est génial. Mais le chien, c'est. Tu sais, je sais pas comment il fait parce que les chiens, ils voient mal les couleurs, mais par exemple, pour traverser, ils s'arrêtent quand c'est rouge. Ils savent, ouais. Quelles sont les races de chiens les plus intelligentes? D'après Staff Magazine. Premier, berger australien. Deuxième, border collie. Troisième, American Staff. Quatrième, malinois. Cinquième, labrador. Tu es très intelligent. Ah ouais? Mais c'est que les gros chiens, il n'y a même pas les petits. Bah, c'est les petits, sont tout cons. Bah non, je pense que les petits, il y a des chiens très intelligents. Parce qu'il y a tout con. Voilà. Merci. En même temps, le chihuahua, ça n'a pas l'air super intelligent. C'est vrai. Ah, mais il doit y en avoir des intelligents. Après, ça n'est pas aussi des maîtres. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, les border collies, c'est intelligent parce que c'est les chiens de berger. Exactement. C'est eux qui guident les troupeaux et tout ça. Ouais. C'est bien. Bon. Oh, t'as vu, elle est contente qu'on ait fait des compliments, qu'on ait dit qu'elle était intelligente. Oui, elle comprend tout. Oui, mais elle comprend tout. Ça, mais elle a des nouveaux gâteaux, c'est quoi ça? Non, ça c'est son. Ah, Marie, tu veux goûter? C'est son dentifrice. Il y en a un pour toi, Marie. Marie, il y en a un pour ton fils. Non, merci, non, c'est toi qui as goûté, mais. Tu veux un dentifrice, Médéline? Ah, c'est un dentifrice, ouais. C'est un dentifrice. Tu veux ton dentifrice? Tiens ton dentifrice. Il y a une odeur de menthe? Tiens. Il y en a à la menthe, ouais. Alors, elle se barre avec. Là, elle se barre avec parce qu'elle a peur que je le prenne après. Voilà, mange ton dentifrice, c'est bien. Ouais, après, elle sent bon de la bouche. Jacques Russell, très intelligent, nous dit Maxwell 69. Tu veux du dentifrice, Cédric? Non, ça marche. Je t'assure, Cédric, mange-en. Mange-en, pour nous. Après, tu sens bon de la bouche. Tu parles Romano, s'il te plaît. Si, après, tu sens la menthe. Moi, je peux pas manger, mais plus besoin de dentifrice, j'ai plus de dents. Dans ta life. Tiens, prends un dans ta life. Ah, ça va aller, ça va aller. Bon, allez, on y va pour le clash, vous êtes prêts? Ouais, Cédric, t'es prête? Allez, clash de la drague, c'est parti. À 39, Cédric. 4 mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Clash de la drague avec deux méthodes pour draguer. La méthode de Cédric, c'est quoi? C'est des capotes. J'ai acheté une boîte de capotes aromatisées. Mm-hmm. Et j'ai envie de faire goûter ça à la femme. T'as quoi comme goût? Là, j'ai fraises, bananes, pommes, kiwi. Ah ouais, t'es bien chargé, quoi, bien équipé. Ah bah ouais, attends, qu'est-ce que tu crois? Ça fait plaisir. Et Romano, une méthode classe que tu nous as promis ce soir. Ouais, et bah moi, en fait, j'ai un problème, je suis constipé. Et ouais. Et j'ai demandé à la famille de mettre des doigts dans le cul, ou une bite pour me décoincer le caca qui est coincé. Très bien. Pour les remercier, je ferai l'amour avec eux. Eh bien, c'est parti, c'est l'heure du clash. On va commencer par toi, Cédric. Allez, vas-y. Lundi soir, c'est Romano qui a gagné, on va voir ce que ça va donner. C'est pas si on oublie. Ah si, il a gagné, il a fait 76. Alors moi, tu vois, j'ai trouvé un autre classement des chiens. Moi, c'est Véronique juste. 76%. Un border collie. Deux staff. Non, le caniche. Le caniche. Ah ouais. Troisième, le berger allemand. Quatrième, le golden. Cinquième, le doberman. Et les allô. Ah. Allô. Véronique. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? C'est Michel, le voisin au téléphone. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Dis-moi, je t'appelle là parce que je suis revenu de tard, je suis passé à la pharmacie. J'ai acheté une boîte de capote là, aromatisée, je trouvais ça sympa, puis j'aurais bien aimé les tester avec toi ce soir. Ah, je suis désolé, j'ai déjà quelqu'un. Ah merde. Bah écoute, on peut essayer avec lui. Là, j'ai fraises, bananes, pommes, kiwi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma belle? Allô? Moi, je suis sans capote, en fait. Sans capote? Merde. Bah ouais. Ouais, on se connaît pas assez, t'as vu? Bah ouais. On va faire l'amour, mais avec des capotes, ma chérie. Oh, bah non. Allez. Ou sinon, je fais l'amour à ton mec, tiens. Bah ouais, peut-être. Il va kiffer, lui. Bah, je sais pas.
Bah, écoute, je vais lui demander. Bah, ouais. Je débarque à la maison, puis dis-lui que j'arrive avec mes capotes à la pomme, tiens. Il est là ? À la pomme ? Ouais, à la pomme, ouais. Ouais, bof. Bah, il est là ou pas ? Ouais. Bah, passe-le-moi, tiens, je vais voir avec lui. Bah, non. Bah, pourquoi, ma chérie ? Bah, parce qu'on n'est pas dans la même pièce pour l'instant. Ah, t'es jalouse, toi. Hein ? T'es jalouse. Non. T'as peur qu'il tombe amoureuse de moi ? Ouais, c'est ça. Bon, bah, écoute, j'arrive dans 5 minutes et puis je vais m'arranger avec lui, d'accord ? Qu'il tombe amoureuse. Ouais, d'accord, okay. Amoureux, ta gueule. Bon, bah, à tout de suite, bisous. Ouais, tout de suite, bisous. Bisous, ma petite Véro. Et ben voilà, c'est pas mal, Cédric. Et voilà. C'est quoi, c'est une invitation, quoi. Mais c'est bien. C'est une invitation, mais c'est bien, une invitation. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, pas par rapport à ce que t'as fait lundi. Oh là, t'as peur qu'il tombe amoureuse de moi. Ah ouais, là. Et c'est marrant, la propension que t'as à transformer les hommes en femmes. Ah, grave. Hey, quand je vous disais 400 mots de vocabulaire. Tu crois qu'il sait pas dire amoureux ? On est pas loin, ouais. Ah là, il est amoureuse de moi. Peut-être que j'en ai un peu loin, d'ailleurs. Comme Romano. Oh, calme-toi, Cédric. Romano. Oui. Oh, je vote Romano, d'ailleurs. Jean. Allô, Jean ? Allô ? Ouais, bonsoir, Jean, comment ça va ? Ah, je ne sais pas du tout qui c'est, on l'a fait payer. T'as quel âge, Jeannot, toi ? J'ai l'impression que c'est pas le bon Jean. Jean ? T'as quel âge, Jeannot ? Il n'a pas branché le sonotone. Allô ? Ouais, t'as quel âge, Jean ? Oui. Quel âge as-tu ? Ah, bientôt 80. Ah, non, bah excuse-moi, c'est pas le bon numéro. Eh oui, c'est pas tu toi. N'es pas Jean-Bon. Non. Oh, on appelait Monsieur Bon. Bah, excuse-nous, Jeannot, désolé. Oh, c'est pas grave. Ouais, bonne soirée, Jeannot. Excuse-moi, Jean, je me suis trompé de numéro. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Jean. C'est ce que je pensais, ouais. Voilà, bon. Un petit peu ouais, âgé. Ça, on n'embête pas les personnes âgées, on les respecte. Exactement, respect, total respect sur Skyrock. On appelle Cécile. Cécile. Un peu plus jeune. Allô, c'est Cécile. Pardon, madame. Allô, Cécile. Quoi ? Comment ça va ? Je te réveille ? Plus jeune. Un peu, ouais. Ah, excuse-moi, t'es toute seule à la maison ou ton mec, il est là ? Non, c'est qui au téléphone ? C'est Jean-Louis, un voisin, là, parce que j'ai un petit problème, j'aurais besoin d'un petit service. Oui, bah, bonne nuit. Ah, ah non, mais attends, deux secondes. Je suis constipé, tu veux pas me mettre des doigts dans le cul ? Merde, oui, il y a plein de merde, oui, c'était. Ah, je suis plein de merde dure. Ah. Oui, bah là, j'ai essayé de le glisser, la meuf, elle était. La pauvre, elle dormait. C'est vrai que t'es réveillé par un mec qui dit je suis constipé. Fais-moi des doigts dans le cul. Fais-moi des doigts dans le cul, oui, c'est vrai. Bon, écoute, j'attends le prochain tour. Ça déconstipe des doigts dans le cul ? Bah, tu sais, quand t'as un bouchon, par exemple. Ouais. Bah, ils y vont. Anthony. Allô, Anthony. Oui. Comment ça va, mon petit Anto ? Ça va ? Ouais, c'est Michel au téléphone, le voisin. Ta femme, elle est à la maison ? Michel, le voisin. Ouais. Dis-moi, je t'appelle parce que là, je sors de la pharmacie, là. Je t'ai acheté des capotes aromatisées. Et j'aurais bien aimé essayer ça avec ta femme. C'est Ah non, c'est pas une connerie, là. J'ai fraises, bananes, pommes, kiwi, pastèque. Choucroute. Pomme. Écoute. Bah, je peux venir à la maison. Parce que je t'entends pas très bien, là. Ah, bah, écoute, fais ce que tu veux. Bah, écoute, j'arrive tout de suite. Et puis, bah, je vais te faire l'amour. Ouais. Tu feras, si tu veux, ouais, vas-y, tu vas voir comment tu vas être reçu. Ah bah j'espère que tu vas bien me recevoir. Ah, au bon accueil. Ah, tu verras bien. Et moi je vais te faire un gros câlin, tiens, pour te remercier. Ouais, pas de problème. À tout de suite, mon chéri, prépare tes fesses. À tout de suite, bisous. Et voilà. Et bim. Et bam. Et boum. Et bim bam boum. Bah, le problème, c'est que j'ai rien compris. Parce que le mec, on l'entendait tellement mal. J'ai pas entendu. Faut te laver les oreilles, ma gueule. Tu sais pas s'il est serré ou pas. Il a dit oui ou non, le mec. On l'entendait tellement mal. Mais qui a fait ce casting? Bon, j'avoue, c'est bon, là. Putain, merde, les gars. Ouais, bah, en même temps, pardonne, t'as été déformé par ces deux. Fallait qu'il balance son aigreur, là. Deuxième tour pour Romano. Allez, on appelle Vincent. Vincent, je vous rappelle que Romano, si vous venez d'arriver, est constipé ce soir. Ouais. Et c'est une méthode pour draguer, ça. Je mets des doigts dans le cul. Une bite dans le cul. Marie, toi qui aimes bien mettre des doigts dans le cul. Ah non, mais c'est horrible. Ton mec, il dit je suis constipé, tu dis allez, go. Non, mais horrible, t'es dégueulasse, c'est pas du tout sexy. Tu trouves pas ça sexy ? Non, pas franchement, non. Allô ? Allô ? Ouais, allô ? C'est Vincent ? Allô, Vincent, est-ce que tu m'entends ? Vous êtes qui, monsieur ? Je suis un ami de ta femme, elle est là ? Non mais vous êtes qui, monsieur ? Bah, je suis Jean-Louis, un ami de ta femme. Parce qu'en fait, je t'explique, j'aurais besoin d'un petit service. Je pensais pas que tu serais là ce soir. Mais c'est quoi votre appel, là ? Bah, mon appel, en gros, je t'explique. C'est que là, je sais pas ce qui se passe. Là, je suis constipé. Et j'aurais bien aimé que ta femme me mette les doigts dans le cul pour déconstiper tout ça, là. Voilà. Ouais, c'est vrai que les moyens. Au début, je sentais moyen, lui. Tu vois, il était comme toi, Marie. Donc, t'es pas excité par ça, toi ? Non, pas franchement, non. Ça t'exciterait, toi ? Écoute, c'est du caca en général. Je vais réfléchir, à voir.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Cédric, content, par contre, oh ouais, là, des doigts dans le cul. Non, non, je passe à mon clash. Oh là, et pour Romano. J'ai une invitation et un serrage. Ah, moi, j'ai que des vieilles familles. Moi. Ah, voilà, fallait qu'ils se plaignent. Ah, bah, évidemment. C'est pas fini. Ah là là. Baisse pas les bras, ma gueule, t'inquiète. Ah. Ouais, là, j'ai pas les bras en l'air. Hein. Ah, mais c'est des expressions qui ont. C'est qui qu'on appelle? C'est Eric. Eric, pour ah, alors, Cédric, ça se gagne? Oui, sur la boîte vocale. Ah, ah, Eric. Zéro. Il est content. Oh, t'inquiète pas, Eric, elle est un autre. Alors, moi, chez Pascal. Ça se gâte pour Guignolo? Non, non, t'inquiète pas. J'ai l'impression que ce tour va être à blanc pour toi. Pourquoi tu veux porter la voix? En tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Ouais. Et là, c'est. C'est Pascal. Pascal. Pascal, il n'y a personne non plus, t'as vu? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Il en reste plus qu'un, là, Cédric. Hein. Quand pour ton est-ce que Guignolo aurait à nouveau la poisse? Non, t'inquiète pas. Comme son visage. Allô, poisseux. Ah, Pascal. Allô, Pascal. Oui. Ça va, tu vas bien? C'est qui? C'est Michel, le voisin, là. Quel voisin? Bah, ton voisin, à côté de chez toi. Eh, dis-moi, je t'appelais ce soir, là, parce que tout à l'heure, je suis passé à la pharmacie, là, dans l'après-midi, et j'ai trouvé une boîte de capotes aromatisées. Ça m'a fait bizarre, j'ai acheté ça, quoi. Et le truc, c'est que j'aurais bien aimé laisser avec ta femme ce soir. Ah, arrête tes bêtises. Ah, je te jure. Pomme, banane, fraise, kiwi. Non, c'est qui en vrai? Bah, c'est moi, je t'ai dit, c'est Michel. Non, parce que c'est pas drôle. Enfin, genre, il y a des enfants qui dorment, quoi, à la maison. Bah, laisse les enfants dormir. Tranquille, ouais. Moi, je ferai un câlin à ta femme dans la chambre. Ouais, c'est pas drôle du tout. On quoi. Essaiera de pas faire trop de bruit, d'accord? Ouais, ok. Je te promets, je m'occupe de ta femme, mais t'inquiète. On réveillera okay. pas les gosses, d'accord? Ouais, ok. Bah, écoute, j'arrive dans 5-10 minutes alors. Ouais, c'est ça, ouais. Dis de se préparer à la belle. Ouais, ok. À tout de suite, bébé. Bisous. Il est parti, il est parti. Et voilà, Cédric, mais décidément. Et bim, mais tu vas toutes les utiliser, dis donc. Oh putain. C'est dingue ça. Ah putain, ça fait plaisir. Ils sont pas super enthousiastes, on disait, sur l'appli Skyrock. Ce qui est pas très gentil. Mais c'est quand même des serrages. Bah ouais. Romano, t'as entendu là ou pas? Que ouais, deuxième, non, mais là, j'ai entendu. Bah, moi, j'attends d'avoir une bonne famille. Hein. Moi, entre Jean, le pauvre, 80. Quoi, le pauvre, 80 ans. C'est un bel âge déjà. Oui, c'est bien. Il n'y arrivera peut-être même pas. Donc, Non, moi, chez Patrick. Il avait l'air bien en plus, Jeannot. Il est en forme, il était content. Non, mais t'es content, Jeannot, ah, Patrick. Ouais. Allô, Patrick? Oui. Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Quel Jean-Louis? Un voisin du bout de la rue. Celui avec la maison au volet blanc, là. Oui. Oui. Ta femme, elle est là? Ma femme, il y a 3 mois qu'elle est décédée. Ah, merde. Désolé. Excuse-moi, décidément. Bah, écoute, attends, c'est pas le bon, alors. Excuse-moi, j'ai fait une erreur de numéro. Je pense, oui. Oui. Excuse-moi. C'est pas grave. Excusez-moi du dérangement, hein. Désolé. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Et il faut sortir de l'EHPAD, les gars, là, hein, parce que là, ça va plus, hein. Attention. Ah, ouais, là, là. Vous mettez pas en bonne condition, les gars. Oui. Ah. Putain, alors t'as qui là? On va chez Serge. Je crois que le casting je vais mettre à le faire parce que. En tout cas pour mes appels. Ah, parce que ça va. Ah, il faut que tu fasses tout Romano, que tu sers. Ah, mais c'est méthode. C'est incroyable ça. C'est dingue, ça. Le soir, pas trop. Hein. Allez. Et là c'est Serge. Ouais. Plus jeune Serge ça. Oui. Ça... T'en connais beaucoup toi à des Serge de 20 ans. Non mais bon. Même de 30. Non mais t'as des potes, t'as un pote qui s'appelle Serge. Si, un lama. Ouais, moi j'ai un pote qui s'appelle Serge. Michel, je pensais au lama. Allô Michel? Comment? Oui. Michel. Excuse-moi, je crois que j'ai la poisse ce soir. Ça va Michel? Comment vas-tu toi? Bah ça va hein. Quel âge ça te fait toi Michel maintenant? C'est de la part de qui? Oui, non, c'est pas bon non plus là, je vous le dis. Et, quel âge ça vous fait à tous les deux? Ah oh, nous, bah, on peut pas le dire notre âge. Ah d'accord, à ce point. C'est à 3 chiffres? Il y a 3 chiffres. Vous êtes en fait? Non mais en fait on est en fait. On est en fait. Mais je crois que c'est pas la bonne personne. On s'est trompé de numéro. C'est pas le bon Serge. Parce que Serge il a quel âge lui? Pour voir. Parce que je reconnais pas la voix. Ah qui que c'est? Qui que c'est qui dit? C'est à l'appareil. C'est Jean-Louis Gueg là. Comment? Oui. Ouais, Jean-Louis Gueg. Excusez-moi, c'est pas le bon numéro. On s'est trompé. Bonne soirée. Allez. Au revoir. Excusez-moi du dérangement, Serge. J'ai une Serge. Donc j'avais raison. Non, mais tu vois, Serge. Oui. Alors, Cédric, ton pote Serge, il a quel âge? Oh, il a 43 ans. Ah ouais, putain, mais j'aimerais pas avoir 43 ans et m'appeler Serge. Ah, parce que Serge. Bon, salut tous les Serges qui nous écoutent d'ailleurs. C'est vrai, j'en connais un, il doit avoir 35 ans. Ouais, Serge Lama, le mec, il a 80 ans. Ouais, Serge Benito. Là c'est Pascal. Ah voilà, ça c'est Pascal. Quelle chambre dans l'EHPAD? Deuxième étage à gauche. Ah, parfait, c'est bon, on voit qui c'est.
Essayez de les draguer. Non, très gentil. On drague pas les personnes âgées. On dit essayez de les draguer quand même. Ah oui, c'est Med qui nous envoie le message. Non, bon, on va pas les embêter. On embête pas les personnes âgées sur Skyrock. Respect, comme on dit. Donc là, on en est quand même. On en est où? Parce qu'il faut préciser. Merci, Médéline. Médéline nous dit que c'est le troisième tour de Romano. Elle suit. C'est ton troisième tour, tu vois. Oui, bah là, on essaie. En tout cas, j'essaye de le faire. Elle suit. Je vais pas vous cacher que c'est un peu difficile et laborieux. Cédric. Oh putain. C'est qui? Parle. Allô? Allô? Bon. Allô? C'est Jean-Michel? Ouais, bah maintenant, arrêtez de me casser les couilles, hein. Bah attends, Jean-Michel, j'ai pas commencé. Comment vas-tu? Non, mais arrêtez maintenant, hein. Non, mais attends. C'est bon. J'ai besoin de ta femme, Jean-Michel. Ouais, bah moi aussi. Moi, viens ta gueule. Viens ici. Moi, je vais t'emmener ta gueule. Bah non, en fait, il faudrait qu'elle me mette des doigts dans le cul. Je suis constipé. Ouais, bah moi, viens dans ta gueule. Moi, te voir, moi. Bah écoute, je peux venir là, donc du coup. Viens, bah viens maintenant. Ouais, bah comme ça, elle me met des doigts dans le cul. Ouais, bah viens. Arrête de me casser les couilles, maintenant, ça commence à me bien faire, hein. Et une fois que j'ai chié, bah je lui ferai l'amour. Ouais, bah viens. Voilà, et puis toi, je vais te détendre en t'enculant, je pense. Ouais, bah viens. Allez. Moi, je vais donner un coup de dos dans la gueule, c'est worm. Dans le cul, tout dans le cul ce soir. Ouais, c'est bon. Allez, bon, bah, je suis là dans 5 minutes. Ben merci, voilà. Mon Jean-Michel. Tu vois, quand ils sont plus jeunes. Et bim, et bam, et boum, et bim, bam, boum. Ce troisième tour m'a tué, quoi. Voilà. quand ils sont plus jeunes et plus frais, c'est tout de suite beaucoup plus. Bon, voilà. Très belle voix, dans les corrects. Le mec était croisé qu'un canard. Bon, lui, tu l'encules, et en plus. Sa femme me met dans le cul, je lui fais l'amour, c'est magique. Tout va bien. Est-ce qu'on peut faire un tour de la mort? Ouais, tour de la mort, allez. Il reste deux numéro, donc c'est parfait, les gars. Allez, chacun. Vas-y. Tour de la mort pour Cédric, maintenant, pour Romano juste derrière. Ça répond pas. Ça répond pas. Exactement, c'est le tour de la mort. Et là, on appelle Marc. Marc, c'est pour Cédric. Allez, c'est Marc. Pour Cédric, c'est ça. Allô? Allô? Ouais, Marc, comment ça va? C'est toi, Christophe? Ouais, c'est moi, c'est Christophe. Tu m'entends? Je reconnais pas ta voix. Bah, c'est le téléphone, ça déconne. Eh, dis-moi, tu m'entends bien? Bah, je t'entends, oui. Ouais, je crois que je me suis trompé là. Mais pourquoi? Non, mais ça y est, maintenant Cédric il est parano. Dès qu'on parle. Attends, je pars comme Romano, moi. Mais non, je demande l'âge du con. Eh, t'as quel âge? Là, je te mets une claque au cul si tu continues. Bah, non, mais c'était pour te faire un cadeau pour ton anniversaire, ça va te faire quel âge? Oh, ça dépend. Mais avec tu peux me donner un moyen de reconnaître que c'est bien toi parce que je ne reconnais pas ta voix. Alors si tu t'amuses, je viens. Et tu veux pas me donner ton âge? Mon âge, pour quoi faire? Bah, pour savoir, pour te faire un cadeau pour ton anniversaire bientôt. Bah oui, mon con. Bah quoi, mon con? Ah, t'as reconnu. Je suis gentil, je veux te faire un cadeau déjà. Bah oui, avec cette voix-là, d'abord, on se présente quand on a un téléphone comme ça. C'est une question d'éducation. Bon, bah, 1m80, les yeux bleus, plutôt musclé, et je veux te faire un cadeau. J'ai acheté une boîte de capote tout à l'heure, là, aromatisée, et je veux te faire un cadeau ce soir. Ah bon, c'est pas ça. Ben écoute, ta capote, tu te la mets au cul. Ouais. Voilà. Ça t'a tapé le sida, mon con. Voilà, oh bah non. Ça, c'est rigolo comme blague. Voilà, tu te mets ta capote au cul, t'as attrapé le sida, c'est rigolo. T'es sympa, toi, dis donc. Non, on rigole. Marc, t'es un mec cool. T'as beaucoup d'humour. Avec de la semencière, un one man show est envisageable. Ah, il a coupé. Je pense qu'il peut faire un duo avec Bigard. Il a fait sa blague, il l'a raccroché, le petit Marc. Lui, Bigard en duo, ça peut être sympa. J'avais pas compris. Bigard fait des blagues nazies, et puis lui, il fait des blagues homophobes. Pour te dire. Très bien, homophobe et malade. Et on est tour de la mort. Et malade, voilà, c'est super. Bon, donc désolé Cédric, le tour de la mort. Voilà. Eh oui. Romano, à toi, le tour de la mort. Ça répond pas. C'est qui qu'on appelle? Appelle Jean. Attention. Attends, pour le tour de la mort, on m'appelle le cimetière ce soir. C'est le tour de la mort. Et après, vous pourrez voter pour votre préféré. Attention. Ah, vraiment, il est en train d'appeler le cimetière, le con. Ah là, ça va pas répondre. Alors là, ça répond pas. C'est le gardien. Dans ce cas-là, allô. Allô. Oui. C'est la femme de Jean. Bah oui. Ouais, comment elle va? Ça va, mais c'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Il est là, Jeannot, ou il fait quoi? Jean-Louis comment? Jean-Louis Sgeg. Ouais, c'est marrant, hein. Non, parce qu'en fait, je t'explique. Je suis constipé, je pourrais venir pour que tu me mettes des doigts dans le cul pour me déboucher tout ça? Oh. Allô? Ah oui, on est un peu sous le choc, là. Alors, on se prend ça dans la tronche, comme ça, ah, bim. Ça, c'est pas qu'un peu, là, je crois. Hein? Oui. Tu sais ce que t'es? Non, mais tu vas me le dire. Vas-y, dis-lui. Un pauvre con. Non, je suis constipé. Un pauvre con stipé. Alors, ouais. donc je vais. À combien t'es payé pour emmerder le monde comme ça? Bah, écoute. Tu peux pas foutre la paix aux gens? Bah, écoute, le mieux, c'est que je vais passer directement, là. Hein? Comme ça, tu me mets des doigts dans le cul, et puis après, je te ferai l'amour quand même pour te remercier. Pauvre con, vous.
Comme ça, je vais te faire jouir, ma chérie. Ouais, je suis pas sûr. Ah, la constipation n'est pas. N'est pas son truc, on va dire. Bon, j'ai réussi à avant, donc c'est pas mal. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout du clash quand même. Ah, c'est bien. De Dieu. Alors, oui, comme tu dis. Alors, pour tes déclarations, Romano. Eh bien, mes amours, malgré toutes les embûches qu'on m'a mises sur mon chemin, l'impression. sabotage dans tous les sens. Non, mais de toute façon, j'ai même pas besoin de vous le dire. Regarde le message de Kékette. Kékette, qu'est-ce qu'il dit, Kékette? Attends, je ne vois pas, il y en a tellement. Sur votre manuel, il y a du sabotage sur les appels. Ouais, bon, vous avez entendu. Bon, on a parlé à des gens d'un certain âge. C'est le casting a été fait en dépit du bon sens, en tout cas de mon côté. Elle va chier, Ah non, je n'arrive pas. Il peut pas. Il est toujours sans bouchon. Donc, mes amours, ce soir, heureusement, j'ai quand même eu Jean-Michel qui va me déboucher le cul à coup de 12. Je vais me faire déboucher le cul par sa femme avec des doigts dans le cul. Et ensuite, je vais leur faire l'amour à tous les deux. Mais sinon, le reste des appels. Ça a été du sabotage, mais du début à la fin, quoi. Écoutez, pour avant Jean-Michel, on a passé 15 coups de fil. Il y a quand même eu un serrage. Ah ouais, non, mais serrage de Jean-Michel. Heureusement, tout ça a été rattrapé. Sinon, mais bon, du travail de salopio au niveau du casting. Je ne te félicite pas, Cédric. C'est pas moi, c'est Guigui. Alias Guignolo. Et en plus, j'ai entendu, Cédric, c'est une grosse poucave. Mais c'est toi la poucave. Ah bah, les poucaves, votez Romano. Putain, la poucave est mytho, quoi. Ouais, s'il te plaît, mytho, votez Romano. Ça, c'est bien dit. Et toi, Cédric, ta déclaration? Il fait chaud, votez Romano. Vous entendez, ça s'embrouille au niveau du casting, c'est n'importe quoi. C'est lui qui me dit, t'es comme ça, toi, le gars, il pue. Mais en plus, Guigui, t'as dit. Bien sûr, assure-toi même. Alors, tu veux pas faire de déclaration? Ah, si, si, je vais faire ma déclaration. Alors. Moi, la famille, j'ai fait 2 serrages et une invitation. Je pense qu'il y a largement. Ouais, comme par hasard. Et des pannes, il y a une panne de micro. Ouais, c'est chelou, tiens. Mais je crois que je vais me déplacer, gros. Je vais t'en coller une si tu comprends. Ah, ça va, je serai chez moi que t'arriveras à ma place. T'inquiète pas. Donc, je disais 2 serrages, une invitation ce soir à la famille. Je pense que le match est plié. Un peu comme le M ce soir. Votez Cédric, ça me ferait plaisir. Oh là là, il y a tous les Marseillais qui m'y ado là. Alors là, moi je vais vous dire Marseillais. Vous avez entendu ce Votez Romano en face. Ah, merci. Les Marseillais, votez Romano si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout le reste de la France, votez Cédric. T'as récupéré les Parisiens. C'est EDRIC, la famille. Non, parce que moi je suis également pour Paris. Moi je suis pour le foot mondial. D'ailleurs, également le rugby, le tennis, le golf. La boxe. La famille au MMA. Écoutez l'autre avec son bar. Allez, on vous laisse 5 minutes pour voter. Votez Cédric, ouais. On nous a volé notre clash, mes amours. Votez Romano. Une invitation et 2 serrages. Vous avez jusqu'à 23h29 pour voter, puisqu'il est 23h29. Il y a une cabale contre moi, contre la team Romano. Ouais, carrément. Voilà, ça vote déjà énormément là pour l'instant. Alors, ça vote pour qui? Bah écoutez, rien n'est gagné a priori. Je vote pour Cédric, message de Dave du 83. Ouais, merci Dave. Derrière, il y a Alpha qui vote Romano. Stop au travail de salaud, votez Romano. Nico vote pour toi, Cédric. Merci, merci, ma gueule. Tu lis son message d'ailleurs. Je vote pour Cédric. Non. T'as oublié deux mots. Pour là, salope. Cédric, voilà. Ouais, allez, vote pour Cédric, je m'en prends quand même le vote. Ouais, bah Nico, merci quand même du. Bien, Médéric, il vote pour Romano. Allez, votez Romano, mes amours. L'ami du troisième âge. On nous a volé notre clash ce soir. Ouais, t'as rien volé du tout. Bon, et puis il y a Drick. Salbotage. Drick du 94, lui, nous dit entre Romano constipé et le Belge qui a des capotes, arrangez-vous, les gars. À toi, t'es neutre. Très bien. Bon, on vous vote très vite et puis on vous donne les résultats du clash dans un instant. On a Marjo, tiens, avec nous en direct. Salut Marjorie. Salut. Ouais, Marjo. Marjo du 34. Ouais, Marjo. Bonjour Marjo. Marjorie. Elle est en train de se garer. Elle captait mal, du coup. Elle se gare. C'est quoi? J'espère qu'elle s'est pas mise dans un ravin. Elle est dans le fossé là. Marjorie? Elle est vraiment en train de se garer. J'espère qu'elle n'est pas tombée dans le fossé ou dans le ravin. Attends, j'ai raflé. Elle est en train de s'extirper de la voiture. Merde alors. Bon, j'espère qu'on aura Marjo dans un instant. Donc, il y a Marjo qui arrive. Vous tous et vous toutes en direct. Vous nous appelez 01 53 40 30 20. Et Zegpi, là, tout de suite, à écouter avec Hamza et SCH. Ouais, on se fait le gros son que vous avez découvert sur Skyrock, hein. Fait up sur Sky. C'est pas normal d'avoir des bras qui arrivent au niveau des tétons. Romano. Ah non, c'est mon cul là qui est ouvert. Cédric. Je me suis dit, ouais, je vais me chier dessus, mais laisse tomber quoi. Marie. 3 mecs et moi, donc moi ça se passe bien. Samy. Ah, la chatte. Karim. Ah, t'es un bon susboule toi. Guigui. J'étais victime d'un complot. C'est la plus grande radio libre de France. What?
Fuck. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, la plus grande Radio Libre de France sur Skyrock, c'est tous les soirs 21h minuit. Profitez-en, appelez-nous 01 53 40 30 20. Ça, c'est pour nous passer un coup de fil. Où que vous soyez, de toute la France, du monde entier, mais oui, vous pouvez débarquer ici, vous nous laissez vos messages, vous réagissez en direct avec l'appli le 41759 et le skyrock.fm. On salue tous ceux qui sont là. Bonjour à Lison. Salut à toi, Lison. Alors, Lison, tiens, elle nous dit d'ailleurs, Romano, on parlait tout à l'heure de l'anonyme qui voulait se taper une pionne. Il voulait se taper une pionne du lycée. On a eu Karim d'ailleurs, Karim qui est CPE. Ouais. On a eu des témoignages d'une autre CPE aussi, Tisley, je crois, c'est non, ça, non c'est Marie qui avait lu le message, donc Marie, tu devrais t'en souvenir. Shira ou un truc dans le. Ah ouais, Shira peut-être, tu as raison. Peut-être ça. Et donc, ouais, on n'a pas le droit. Après, bon, il y a des histoires qui sont nées comme ça, il y a des messages que vous nous avez laissés. Julie, tiens, Meurthe et Moselle, qui nous dit moi, ma meilleure amie, elle est mariée avec notre ancien prof de SVT. Ils se sont mis ensemble 3 mois après notre bac. Ah ouais, donc ils ont attendu la fin de la scolarité. C'est le conseil que donnait Karim tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils chinaient en cours et tout, c'est bizarre. Et ils ont eu 3 enfants. Bah, ah ouais. Bah, c'est une belle histoire d'amour. Hein. Non, bah oui, très beau. Regarde le président Macron avec Brigitte. Exact. Pareil, c'était sa prof et tombé amoureux et toujours avec Brigitte. Eh oui. Ils sont sortis à quel moment ensemble? Quand il était à la crèche. Cédric va poster un truc. Voilà. Romano et Lison, elle te disait, Romano, il y a le droit de coucher à la fac. À Pau, à la fac, ça baisse de partout. Oui, mais ça veut pas dire que t'as le droit. Moi, en tout cas, j'ai toujours pensé que déontologiquement, ça se faisait pas. Mais je pense que, qu'une élève. Légalement, t'as effectivement. Bah, il donne des notes, le prof, donc forcément, c'est pas. La preuve, légalement, là, les mecs, là, l'histoire que t'as raconté tout à l'heure avec la CPE et les deux élèves, là. Ouais, les deux élèves. Karim et Khalil, c'est ça. Ouais, c'est ça. Légalement, elle a rien eu, la prof. S'ils sont passés au tribunal, elle a été relaxée. Mais après, tu vois, au niveau de l'éducation nationale, ça le fait moyen, quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, le mec que je connaissais, il était pas bien. Rapport avec cette histoire, il avait peur que ça se sache. Ah oui, mais c'est logique. Parce que je pense que ça fait des histoires après, moi. Il y a Rachid qui est surveillant dans un bahut qui nous dit les profs, ils sont chauds patates même, et c'est bien connu, ils cachent bien leur jeu. Ça baise les profs entre eux. Moi, j'avais 2 profs qui baisaient entre eux, moi. Ouais, moi aussi. Maman, j'avais. Prof de maths et prof d'histoire, ils baisaient. Maman, j'ai eu 2 couples de profs, quoi. Après, ouais, j'avais un couple de profs. Il y a une prof de français, une prof d'allemand, ils couchaient ensemble. Bah moi, il y avait. Un prof d'anglais. Il y avait un prof de maths et sa femme était aussi prof de maths. Il était beau gosse. Bah après, elle avait essayé de le tuer. Hein? Ben oui, c'était pas on l'a bloqué. Non, mais elle avait simulé. Mais moi, j'étais plus là. Ah oui, mais tu nous avais. C'est elle qui l'a attendu avec une barre de fer. Avec une barre de fer. Elle a mis un truc de barre de fer dans la tronche. Vous aimez les histoires glauques? Voici l'histoire glauque du jour. Là, mais moi, j'étais plus là-bas. Mais c'était pas. Non, mais c'était que c'était passé à la télé et tout. Ouais. En fait, parce que personne n'avait jamais su trop comment on dit le fameux de l'histoire. En gros, ils étaient mariés, ils étaient profs tous les deux, machin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, lui, il voulait la quitter. Oh. Et elle, en fait, ça l'a fait vriller. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, c'est qu'elle s'est mise. Mais pourquoi ça l'a pas avril? Non, mais c'est. N'importe quoi. Elle s'était mis quoi? Elle s'était mis genre un collant sur la gueule. Et elle avait simulé. Genre, elle pensait qu'il n'avait pas la reconnaître. Non, mais genre un cambriolage, tu vois, dans la maison. Ouais. Tu sais, elle avait retourné des trucs et elle avait attendu derrière la porte. Et quand il est rentré, bam, elle lui a mis un coup de barre de fer dans la tronche. Putain. Et en fait. Ça a pas fait un scandale dans le lycée. Elle est devenue dingue. Ah, mais non, mais ils sont partis les deux, en fait. Ouais. Lui, il s'est barré parce que bon, du coup, il l'a vraiment quitté. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Ta meuf, elle te fait encore un coup de barre de fer dans la gueule. Avec un bas sur la tronche. Oui, qu'elle a retourné toute la maison. Elle avait une tête un peu cinglée, mais. Ça s'est révélé exact. A priori, elle n'avait pas que la tête de. Non, et le truc qu'il y a, c'est que les keufs, ils sont venus, forcément, en quête. Tu sais, lui, il a dû aller porter plainte. Et en fait, les keufs, ils ont trouvé ça chelou. Et donc, ils l'ont interrogé, elle, parce qu'il s'est. Tu sais, il disait, ouais, elle est pas là, c'est bizarre. Et lui, je pense qu'il a raconté aux keufs, ouais, je vais quitter ma femme. Et les keufs, ils ont fait le lien. Et elle s'est retrouvée un peu en HP. Et après, elle était passée au tribunal, tu vois. HP, c'était bien ça, le HP pour elle. Non, mais c'est vrai. Hein. Et lui, pendant ce temps-là, il s'est barré, tu sais. Le mec, il est barré à l'autre bout de la France. Le mec. Mais ça a dû faire un scandale dans le lycée, non? Mais je crois qu'ils étaient. Je crois qu'il y en avait un des deux qui était en retraite, hein. Parce que moi, quand je les avais, ils étaient pas jeunes. Ah oui, ils étaient pas tout jeunes, ouais. Mais mais en fait, le mec, il en pouvait plus de la tronche de sa femme, quoi. Ouais, on peut comprendre, ouais. elle a pas supporté. Non, mais ça avait fait le tour de la ville, parce qu'ils étaient vachement connus, tu sais, c'est une petite ville. Bah oui. Et je sais pas, ils ont été profs dans mon bahut, mais peut-être 30 ans les deux, tu vois.
Ils sont arrivés ensemble. Bon, du coup, ils sont pas partis ensemble. Là, qui est reparti à l'asile, l'autre est parti à l'autre bout de la France. Oui. Ah, putain. Ah, mais tout, ah, non, mais, ça, ou... mais non, mais tu sais que ça avait fait la une du journal, ça avait, c'était passé, genre, à la télé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Ah ouais. Ça avait été tout à bordel, quoi. Ah non, au début, l'histoire. Ah bah c'est chelou, hein, non, mais puis l'histoire est folle, quoi, en soi. Il y a Aminata qui nous laisse un message et qui nous dit, nous, on a un prof, quand il fait venir des élèves filles au tableau, il bande. Oh, dégueulasse. Ah, ah mais lui, oui, absolument, oui. Ah, putain. Ah, il y en a, hein. Absolument, oui. Bon, il y a Mika qu'on va prendre en ligne, qu'on va prendre en ligne avec nous. Et elle est où, notre auditrice Marjo, qui faisait, pas, qui faisait du créneau? Mais t'es sûr qu'elle a pas un accident? Non, 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 parce que je, en plus, je vois où elle habite, gros. Non, mais la voiture est retournée, là. Non, c'est dans une région vraiment. La voiture est sur le toit. Elle essaye de sortir, mais tout va bien. Hein. Non, non, ça c'est dans une région vraiment où c'est connu pour ça capte très mal, tu vois. Ah, c'est elle qui fait une crise à son mec, c'est ça? Ouais, mais je l'ai trouvé. C'est moi, je lui dis ok, je te prends à l'antenne, Marjorie, mais je pense que tout le monde va être d'accord avec ton mec. Hein. En fait, elle est outrée, mais elle m'a appelé, elle était outrée. Outrée pourquoi? Mais outrée, genre choquée. Ah, raconte. Parce qu'elle a, tu sais, elle a fouillé dans le téléphone de son mec, ouais. Et dans l'historique. Putain, le téléphone, c'est la source d'un paquet d'embrouilles dans les couples. Oui, qu'elle a trouvé. C'est clair. Et dans l'historique de téléphone de son mec, elle a vu deux adresses de sites porno, tu vois. Et ouais, je lui dis ouais, genre, moi tu sais j'attendais la suite. Je fais, ah, ok. Et je fais mais c'est tout. Elle me dit ouais non mais c'est hallucinant mais putain mais c'est un ouf. Mais genre bah, elle a pété un plomb. Pourquoi? Parce qu'il va sur Pornhub. Mais parce que deux fois dans la semaine il est allé sur une adresse de site porno. Et je lui dis mais c'est quoi les adresses? C'est des trucs de merde, c'est genre YouPorn, le moteur de recherche. Et après un autre site que je connaissais pas, Red, ouais, je sais pas quoi là. Ça c'est vrai qu'il y a un RedTube, RedTube, ouais, mais, peut-être. Mais est-ce que son mec il a baisé toujours? Ouais, mais je dis mais ton mec est normal? Il me dit ouais ouais il est normal. Mais genre elle est outrée, genre elle est dégoûtée de son mec, genre elle est choquée, tu vois. Marjo. Ouais, ah, faut comme se détendre. Faut pas, ouais, c'est une trahison. Faut pas te mettre sur le non, toit. C'est une trahison. Voilà, faut pas mettre la voiture sur le toit pour ça. Ouais, te jette pas dans le ravin. Ouais, non mais c'est pas si grave finalement. Mais oui. Ah non mais gros, je te jure. Cédric il dit c'est une trahison, moi franchement ça me choque pas. Non, je t'ai pas dit moi, Marie. Écoute que quand j'ai parlé. Écoute ce que quand j'ai parlé. Écoute mon bon Cédric. Écoute ce que quand il a parlé. Écoute ces quatre sommets de vous. C'est grave. Non mais il y a certaines meufs qui prennent ça comme une, tu sais, comme une tromperie, tu vois. Bah oui, non mais c'est ce que bah, je dis, c'est complètement con. Bah bien sûr c'est con. On a même eu des, on a même eu des filles qui étaient jalouses de magazines. Après, est-ce que t'as dit parce que ouais, parce qu'il y avait des meufs qui passaient à la télé dans des pubs et oui, qui son mec qui regardait et qui la trouvait mignonne, quoi. Ah, après, ouais, c'est vrai, imagine. Elle t'a dit quelle sorte de vidéo c'était? Ouais, je lui ai demandé vraiment, tu vois, s'il y a du caca. Elle m'a pris pour un ouf. Tu peux être outré, tu vois. Parce qu'elle était outrée, elle était outrée. Et moi, le seul truc que j'ai demandé, c'est vas-y, c'était quoi la vidéo? Bah oui. Elle a fait un bon. Bah la première vidéo, donc elle a cliqué sur le lien du truc et elle allait voir jusqu'au bout. Ouais. Et c'était une meuf qui fait. Oh mais c'était un truc de merde. En plus, genre une meuf qui fait une surprise à son mec et qui habille en petite tenue et quand son mec il ouvre la porte, genre elle lui saute dessus, tu sais, mais un truc. Ah ouais, c'est un truc de soft, lambda, tu vois. Ouais. Bon, pour réagir pour Marjo. Et la deuxième vidéo, elle m'a dit ah j'ai pas voulu cliquer parce qu'on m'a demandé si j'avais 18 ans. Alors j'ai pas voulu cliquer. Ah ouais, oui, mais bon, Marjo, c'est principal. C'est vraiment, non mais tu vois que c'est vraiment la meuf qui a pas du tout l'habitude des sites porno. Oh c'est pas grave, Marjo, si tu nous écoutes dans ta voiture sur le toit renversée. Bon, on essaiera de la joindre. J'aimerais bien qu'on l'ait au téléphone. Si c'est pas soir, c'est demain, mais je. J'aimerais bien qu'on l'ait avant minuit, Marjo. On va s'occuper de toi, puis vous pouvez déjà réagir pour Marjo, vous nous laissez vos messages. Bon, dans un instant, on aura Mika. Il y a un truc qui l'excite grave. C'est ça. Bon, on va en reparler avec Mika qui arrive. Depuis peu. En direct du 62. Et Manon est au téléphone avec nous aussi. Manon en direct du 69. Salut à toi, Manon. Salut. Salut Manon. Salut Manon. T'as 28 ans, toi, Manon, c'est ça? Oui, c'est ça, vous allez bien? Ça va super, Manon. Ouais. Super. J'ai le résultat du clash à vous donner dans un instant, d'ailleurs. Ah. Tiens, clash de la drague de ce soir, on va voir qui a gagné le clash. Ça sera peut-être moins super après. Cédric et ses trois serrages et Romano et ses EHPAD. Ah ouais. Ouais, c'est ça, le complot. Moi, j'espère que c'est Cédric qui va gagner. Ah, merci, merci. Je vous donne le résultat. Romano, il est d'une mauvaise foi à toute épreuve. Oh là là, c'est bien vrai, Manon. Non, mais 15 ans que j'écoute, mais c'est un truc de fou, genre la mauvaise foi. Ça, je n'accepte pas ce genre de propos. Il y en a un autre ce matin qui nous a dit qu'il était mauvais joueur aussi, c'est-à-dire que quand il jouait, c'était pour gagner. Tu vas dire, moi, je suis pareil. C'est Soul King. Soul King, il déteste perdre. C'est Adam ce qu'il a balancé d'ailleurs. Ouais, à la console, il déteste perdre, Soul King. Ouais, la fameuse phrase de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Oui. Ah, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus con, tu vois, comme que phrase. Quoi. Bah, moi, je ne vois pas l'intérêt. Tu fais un concours. Tiens, moi, quand tu les vois à la télé, non, mais c'est pas grave d'avoir perdu. Bah, si, c'est grave. Tu sais, ça a rien de jouer. Tiens, moi, je sais pas, je fais un concours, je fais pas un concours pour terminer dernier, tu vois. Ah, mais tu peux comprendre, Romano, moi aussi. Après, parfois, pour gagner, c'est pas grave, savoir perdre. Bah oui. Regarde, même les plus grands joueurs ont déjà perdu.
Ouais, c'est vrai. Moi-même, bon, quand je joue au foot avec Zidane, il nous arrivait de perdre des matchs. Oui, bon, on a vu, oui, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il était pas là, Zidane. Il était pas là, non. Il était pas là, Zidane. Il est revenu après, ouais. Il y avait des foules. Il y avait des foules. J'étais là, moi. Bon, Manon, t'appelais pourquoi? Dis-nous tout. Oui, moi, j'appelais par rapport. Vous parliez chien tout à l'heure. C'est moi qui avais mis les. Allô? Ah ben voilà, ça a coupé, bien fait. Pourquoi bien fait? Manon, on raconte des conneries sur moi, ah ben ça coupe. Ah putain, on a perdu Manon, dis donc. En plus, on avait parlé des chiens intelligents comme Medellin, qui est un staff, et c'est intelligent, le staff, c'est le troisième chien le plus intelligent. Non, mais franchement, tu sais, en fait, je sais pas, les classements, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que là, tout à l'heure, je regardais... Après, c'est comme les humains, ça doit dépendre des chiens. Non, non, mais je regardais, il n'y a pas deux classements qui sont identiques. Par exemple, celui que j'ai donné, moi, où il n'était pas dedans, c'est un site qui s'appelle Santé Vet, il est connu. Et après, j'ai encore été voir sur un autre site. 30 millions d'amis, moi. Ouais, mais 30 millions d'amis, c'est pas forcément la référence non plus. C'est super, ils ont... Si, 30 millions d'amis. Bah, Santé Vet, c'est le truc des vétérinaires, donc c'est peut-être eux qui sont plus à même de connaître les chiens, tu vois. 30 millions d'amis, il y a plein de vétérinaires aussi. Non, mais en tout cas, bon, il y a plein de classements différents. Bon. Non, mais après, je pense que ça dépend aussi, oui, du maître. Il y a même un chien, ouais, d'une race intelligente, si le maître est comme une bite. Oui, ça aide pas, c'est vrai. C'est comme les gosses, hein, pareil. Oui, non, c'est ça, ouais. Tiens, il y en a, tu sais, qui partent mal dans la vie quand tu vois les parents, ouais. C'est vrai. Bon, maintenant, t'es revenu? Ouais. Oh, dommage. Ah, très bien. Dommage. Alors. Et ouais, désolé, Manon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Manon? Non, non, moi, j'appelais, ouais, pour parler, des chiens, comme vous parlez tout à l'heure. Et je vais appeler, en fait, moi, je suis mon voyante et j'ai un... On va te rappeler, Manon. On va te rappeler dans un instant. Bouge pas, Manon. C'est vraiment dommage. On va s'arranger. C'est toi qu'on va noter. Il est content. Huit brouilleurs. Manon, elle est non-voyante, elle a un chien de... Ils sont géniaux, ces chiens non-voyants. Ah, ça, bah ouais, ouais, puis ça rend bien service. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable. Bon, il y a Mika qu'on va prendre en ligne avec nous en attendant Manon, là. Mika, toi, t'es en direct du 62. Salut, Mika. Salut, l'équipe. Salut à toi. Salut. Donc, Mika, toi, t'as 35 ans. Ouais, c'est ça. Eh ben, sois le bienvenu. Salut, Mika. Et c'est toi qui nous appelais parce qu'il y a un truc que tu trouves bizarre parmi les choses qui t'excitent, toi, c'est ça? Sexuellement, ouais, parlant. Parce qu'on parlait de ça, sexe, donc, Marie, t'es contente? Comme tu disais, la famille, au standard, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Oui. Ouais. On a deux enfants. Depuis qu'on a les enfants, au niveau cul, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'en fait, elle s'occupe des enfants ou elle a plus envie de baiser? Elle en a eu deux, elle a plus envie de faire un troisième? Elle se sent plus femme, elle se sent mère. Ouais, c'est ça. C'est pas... Ah, c'est ça. Bah, de toute façon, un troisième, c'est mort. On n'en veut pas tous les deux. D'accord. Vous avez eu votre dose. Ça y est. Non, mais même, ouais, on travaille tous les deux à l'hôpital et pour les garder, on... Ouais, déjà, c'est un bordel. Ouais. Vous devez avoir des horaires. Non, puis deux gosses, c'est bien, deux gosses. Et puis deux enfants, c'est bien. Ouais, puis on a un garçon et une fille, on est content. Ouais, c'est pas vrai, ouais, d'accord. Okay. Moi, je comprends, moi. Ouais. Ok. Et pour les garder, on s'est toujours. On n'a pas voulu nounou. Un le matin pour les conduire à l'école, un l'après-midi pour venir les chercher. Et donc, au final, on se voit pas beaucoup. Et au final, niveau cul, on s'est toujours arrangé pour. Voilà, pour faire nos affaires tous les deux. Oui, bah, y a bien un moment où ils dorment, les enfants. Non, mais... Ouais, après, moi, quand je suis debout depuis 5 heures et qu'elle rentre à 22h, qu'elle n'est pas lavée, elle n'a pas mangé. Ouais, ouais, voilà. Oui, c'est vrai. C'est, non, moins, c'est coup, moins simple qu'avant. Après, il y a les week-ends. Enfin, bon. Mais du coup, ouais, vous voilà, dites, il y a ce moment-là, on va pouvoir être ensemble, c'est le moment où on va niquer. Donc, le truc est programmé, non? Quoi? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, bah, c'est ça, tu vois, tu programmes. Ah, tu le fais quand tu peux, surtout, donc, c'est pas... Ouais, bah, c'est pas trop mécanique. Ah, bah, sinon, fallait pas les faire aussi. Et donc ouais, toi, le fait. Aussi, ouais. Ah, toi, c'est déjà plus qu'en foutre des deux premiers, alors on va certainement pas faire un troisième. Oui, mais bon, c'est fait, donc bon. Le fait de baiser moins souvent, ça t'a déclenché des fantasmes que tu connaissais pas avant, c'est ça? Bah, ouais, puis. Bah, ça fait. Après, avant d'avoir les enfants, voilà, on a quand même bien vécu et. Depuis peu de temps, ouais, comme je disais, à Samy au standard, je pensais au club échangiste parce que pour moi c'est le moyen le plus efficace et le plus simple. Mais je voudrais faire un truc à plusieurs et voir ma femme avec un autre mec, ça me ferait. Oulala, mais tu parles moi. Ah, donc c'est ça en fait. Donc ouais. T'as un fantasme qui est né dans ta tête, c'est d'aller faire peut-être moins souvent l'amour, mais de faire des trucs un peu plus. Un peu plus fou, si tu veux. Enfin, il y a peut-être des paliers entre les deux. Bah, attends, mais laisse-le s'il a envie de voir baiser sa meuf par une. Ah non, mais d'accord, non, mais c'est un fantasme, ok, mais il y a peut-être des paliers entre les deux. Déjà, si vous n'arrivez pas à avoir des moments, tu vois, où vous kiffez vraiment tous les deux. Mais toi, t'aimerais bien voir ta femme avec. On a des moments à tous les deux, mais au final, c'est la routine, c'est monotone. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, quoi. On a déjà essayé de faire un truc à deux, tu vois. Ça, la routine, elle va être bien cassée, là. Ah, bah, c'est clair, ouais.
Et t'en as parlé à ta, t'en as parlé à ta femme? Ouais, bah du coup, comme je disais à Samy au standard, pour moi, le club échangiste, c'était le seul moyen. Parce que comme je disais, moi, je vois pas inviter un mec chez moi. Ouais, tu te dis, où est-ce que tu vas le trouver déjà? Pour niquer ma meuf, quoi. Ouais. Bah, il y en a qui le font, il y a des sites exprès. Hein. Oui, le mec, il vient, ouais, il détonne ta meuf, il repart. C'est pas moi. Ouais, mais ouais, elle en dit quoi, surtout moi. C'est le plus important. Bah, déjà. Club échangiste, elle a l'air open. Après, pas pour se mélanger, plus dans le délire de la soirée, machin, mais. Bah, tu lui as dit que toi, t'aimerais bien la voir avec un autre mec en train de. Non. En train de la baiser. Comment tu le prendrais, Marie, après, tiens? C'est chaud à dire, ça, quand même. Bon, les filles, dites-nous, comment vous le prendriez? Vous êtes avec un mec et votre mec, il vous dit, bah, j'aimerais bien te faire prendre par un autre. Bah, moi, je dirais déjà, j'aimerais bien qu'on ait une vie sexuelle plus équilibrée tous les deux, tu vois. Bah, au départ. Voilà, prends ça dans la gueule. Bah. Ah, bah ouais, non, mais direct. Forcément. Non, mais franchement, je me mets à la place de ta femme ou même. Forcément, elle aura moins envie d'y aller d'un coup. Non, même de vous deux, tu vois. J'aimerais bien déjà m'éclater avec la personne avec qui j'aime, avant de m'éclater avec plein de mecs. Oui, mais là, il dit que c'est la routine. Ouais. Donc, il faut bien la casser, oui, la routine. Oui, mais il faut faire autre chose. Vous avez les enfants, partez un week-end. Ah, mais partez un week-end, Marie. Tout le monde n'a pas ton salaire. Bien dit. Allez, bim. Non, mais c'est vrai, non, mais. Où tu laisses les enfants un week-end aux parents. Bah, et s'il y a pas parents, bah, ouais, mais bon, des fois, les gens, ils habitent pas. Moi, je vois, par exemple, j'aurais un gosse, je pourrais pas le laisser à mes parents, ils habitent à 300 bornes. Ah, ouais, puis en Bourgogne, il serait perdu. Ouais, ça va pratique. Qui, ça. Le gosse? À Autun, oui. Bah, c'est pas l'âge qu'il a, c'est tout petit, bon. Et toi, Romano, Cariole, elle te dit, j'aimerais bien te faire prendre par un mec. Comment tu réagirais? Ah non, mais c'est mort, d'avance. Moi, pourquoi je dis parce que j'aime pas les bites dans le cul. Bah, t'en sais rien, t'as jamais essayé. est-ce que t'as déjà essayé? Ah, mais je sais que j'aimerais pas parce que moi, un mec, ça m'attire pas, tu vois, du tout. Peut-être du que t'aimerais. Non, bah, je sais que non. Tu veux t'inviter chez moi ou quoi? Non, parce que j'avais un ami proposé qui était intéressé. Bah, ouais, mais non, mais c'est bon, laisse tomber. C'est Cédric. J'ai vu que tes amis étranges. Mais encore, toi, ça va, ta vie sexuelle, tu te fais pas chier avec Cariole. Non, mais nous, on a pas de gosses déjà, donc. Oui, puis vous faites pas chier. Ouais, et puis on baise un peu quand on veut, tu vois. Mais moi je comprends, quand t'as. Tu sais, t'es pas le premier à nous le dire. Tu sais, quand t'as des enfants, comme tu dis, tu commences le matin à 5h, tu rentres chez toi, tu dois t'occuper des gosses. Derrière, t'as pas forcément envie de baiser une fois que t'as fini ta journée, tu vois. Je pense que des fois t'as plus envie de te caler, genre dans ton canapé, je sais pas, de nous écouter ou de mater une série, un truc. De profiter de ta meuf tranquille. Ouais, que de baiser. Bon, après, je ne sais pas, je n'ai pas de gosse. Yayo, qui est dans le 34 et qui nous dit, tiens, il a la même chose que toi, c'est chaud. C'est chaud pour toi, je comprends. Commence déjà par casser la routine. Moi, je taffe de nuit, donc je passe que le samedi soir et le dimanche soir avec ma femme. Donc, ça doit y aller le samedi soir et le dimanche soir. Ouais, faut commencer par. Oui, mais là, Marie va te dire, c'est la routine, c'est toujours les mêmes jours. Tiens, rappelez John Soto, là, qui nous laisse un message. Et John Soto, il nous dit, il serait peut-être pratique pour toi, John Soto. Il nous dit, moi, on me l'a déjà proposé de baiser notre femme devant son mec. Tranquille. Je sais pas si je dois le faire. Vas-y, je t'appelle. On va te passer, passer un coup de fil. Et toi, t'as pas peur d'être jaloux? Non, pas peur d'être jaloux. Après, comme je dis, dans le délire d'une soirée, ouais, ça me ferait kiffer. Après, je me vois pas inviter un mec chez moi pour dire de niquer ma meuf devant moi. Ouais, dans le tribune soirée, c'est mais pas à la maison. C'est juste comment amener à la maison, pourquoi pas. Après, un truc à quatre ou t'as envie de t'amuser toi, Mika, bon. Bah c'est juste casser cette routine, parce que moi c'est pareil, quand elle est du matin, moi je rentre à 21h le soir, je rentre, elle va dans le lit, quoi, donc après si elle est d'accord, pourquoi pas, hein. Si vous êtes chaud, c'est pour ça, c'est club échangiste, elle avait l'air open. Après commence peut-être par ça. Moi j'éviterais de lui dire, tiens, on va vous demander, les filles, donc si votre mec d'ailleurs j'ai des réponses, si votre mec il vous dit bah écoute ma chérie, j'aimerais bien te voir faire l'amour avec un autre mec devant moi, comment vous réagissez? Vous êtes ok, vous trouvez ça bizarre, mais vous pouvez être ok, ou alors vous êtes pas ok du tout, voilà. Mais c'est ça le truc, donc, ça vous fait kiffer, ça vous fait pas kiffer, dites-nous. Sondage express, le fait d'aller en club, ouais, t'es pas obligé de lui dire. C'est ça, ouais, non, mais c'est le truc, comment lui dire j'aimerais bien aller en club et que. Non, mais tu veux y aller avec elle, on est d'accord. Ouais, je vais y aller avec, mais comment lui dire, tiens, il y a un mec, il te plaît, tu peux aller avec. Vas-y, suce-le. Ouais, non, mais en gros, c'est ça. Vas-y, suce-le, je vais pas mal le prendre. Et comment, après, derrière elle, comment lui faire comprendre que je l'aime et que c'est ma femme, quoi. Mais toi, t'aimerais bien baiser une autre meuf aussi devant elle, par exemple? Bah pourquoi pas, après c'est pas mon but. Ouais, le truc qui te fait le plus kiffer, c'est d'avoir elle avec un autre gars. Bah ouais. Et du coup, ça te fait kiffer, ça?
Bah parce que je sais pas, dire que ma femme elle plaît, que. Oui mais bon tu le sais, moi je sais pas, je préfère le savoir comme ça que de l'avoir avec une bite dans le cul. Ouais mais là au moins t'es sûr quoi. Oui, non, mais, ah, là, oui, c'est là, au moins, il n'y a pas de doute. C'est sûr. Ah, là, c'est certifié. Il y a Amandine, play, Amandine qui voulait réagir là-dessus. Là, on va la prendre en direct. Amandine de Paris. Salut à toi, Amandine. Oui, allô. Oui, allô. Salut, Amandine. Salut, Amandine. Salut. Bienvenue sur Sky. T'as 25 ans, t'es parisienne, toi. Oui, tout à fait. Alors, Amandine, dis-nous tout. Voilà. En fait, moi, je suis avec mon copain depuis le lycée, depuis que j'ai 17 ans. Donc on va dire ça va faire un peu près de 10 ans qu'on est ensemble franchement. Ouais. C'est vraiment un truc on va dire sérieux vu qu'on vit ensemble maintenant. Oui. J'ai une fille, elle a 2 ans et tout, enfin tout se passe a priori bien. OK. Mais au bout de la 7e année en 2018. Ouais. Un jour je discutais avec mon petit ami, on s'était pas encore installé, j'étais encore chez mes parents, on discutait au téléphone. Et il m'a dit, j'avoue pour me le dire, il a dû boire en fait. Il était vraiment sous. Et vraiment, il s'est lâché. Il a dit qu'il avait envie un jour de voir un mec me faire l'amour. Moi, franchement, au début, je me suis dit... Il est bourré, il dit n'importe quoi. Voilà, je me suis dit, il est bourré. Et puis, en fait, c'est le genre de mec... Je veux rien que tu te fasses baiser. Non, mais avant qu'il te dise ça, déjà, vous aviez une vie sexuelle épanouie ? Oui, oui, beaucoup, okay. Beaucoup. Franchement, on n'est pas du genre à une fois par semaine. Vraiment, vraiment tout le temps. Donc je me suis dit, et c'est un gars aussi qui est super jaloux. C'est le genre de mec qui fouille tout le temps mon téléphone. Ouais, c'est chelou. Donc ça, voilà. Ouais, donc je me suis dit, c'était vraiment un piège. Je me suis dit, c'est un piège. Il veut voir si je vais tomber là-dedans. Ouais, genre, tu dis oui, il va te prendre la tête, quoi. Exactement. Là, je comprends que t'es pensé à un piège. C'est logique. C'est pas possible. Donc au début, je lui dis, arrête tes conneries, t'es trop jaloux. Enfin, de toute façon, je pense même pas à un autre mec. Enfin, histoire de le rassurer. Et lui dire que voilà, je suis fidèle, j'ai pas d'autres mecs à côté histoire de faire avec la personne. Donc on est passé là-dessus. Le lendemain, là, il est plus bourré. Hein. On s'est réveillé normalement, on discute par texto et il revient à la charge. Il me reparle de ça. Et là, je me dis. Et là, il était à jeun là. Voilà, là il est à jeun. Et là, oh là, il était à jeun. Mais qu'est-ce qu'il foutait à jeun? Ah, il était à jeun. Il avait été saoulé quoi. Voilà. Et là, je me dis, ça devait quand même sérieux. Enfin, je le connais depuis 7 ans. J'ai jamais eu cette apparence. Enfin, j'ai pas cette image de lui. C'est quelqu'un de timide, de gentil, d'attentionné. Je pouvais pas penser qu'un jour, il me demanderait de faire l'amour avec un autre homme et de filmer pour lui envoyer la vidéo. C'est ce qu'il avait demandé. Ah ouais? Oui. Ah, parce que lui, il voulait même pas être là. Donc, il voulait même pas être dans la pièce. Voilà, il voulait juste que tu te fasses baiser et tu lui envoies la vidéo pour se taper une queue. Voilà. La première fois, il me disait, ça, c'est vraiment le début. Hein. Ouais. Au début, il me dit, je veux une vidéo de toi en train de te faire ken. Peu importe le gars, je veux pas savoir qui c'est. Tant que c'est pas un ami, quelqu'un de mon entourage, c'est ce que t'as à faire, et tu m'envoies juste la vidéo. Et moi, je me suis dit, non, ça, c'est forcément un piège. Donc, j'ai continué à dire non, non, non. Mais il a insisté pendant un mois, deux mois, il a insisté. Et moi, franchement, vers la fin, j'ai cédé. Ah, t'as cédé. J'ai cédé. Bon, allez, mon chéri, ok, je vais me faire ken. Hein. Allez. Ah, mais t'avais envie, ouais, du coup. J'ai cédé et j'ai fait avec un pote avec qui je discutais pendant un moment et qui me plaisait bien, mais on n'était pas vraiment passé à l'acte. Tu vois, donc. Lui, il ne le connaissait pas, le pote. Non, il ne le connaît pas, c'est vraiment pas le même milieu. Il n'y a pas de raison qu'ils se croisent. Mais ça l'a pas bloqué le fait que tu le fasses avec un pote et pas avec un inconnu que tu trouves sur les réseaux? Ah ouais, pour un mec jaloux. Tu lui as peut-être pas dit. En fait, il n'a pas. Il a pas demandé qui c'était. Il a dit qu'il veut pas savoir parce que s'il sait, il voudra aller sur ses réseaux, aller vous regarder. Il veut pas savoir. Pour oui, c'est mieux, c'est mieux. Il a un peu ce côté jaloux quand même, donc il veut pas savoir. Si il est jaloux. C'est après, il est jaloux vite fait quand même. Hein. On a vu plus jaloux quand même. Non, mais il y a une phrase pas con d'ailleurs à propos de ça. Attends, qu'est-ce que c'était? La phrase justement. Attends, la jalousie. Bon, attendez, continuez. Je cherche la phrase. Ah, merci, Romano. Ton intervention. D'accord. Donc ce jour-là, on l'a prévu. Enfin, je dis, je vais faire ce week-end. J'ai pas donné la date et ce jour-là, je me suis bien habillée. Je suis allée chez mon pote. On a fait ça chez lui. On a fait des vidéos. Enfin, on l'a fait même 4 fois. Du coup, à chaque fois, je filmais. Ah oui, donc toi, t'en as profité. Il t'a dit, ok, je peux y aller, j'y vais. Et toi, t'as kiffé de ouf. J'avoue, c'était trop bon. Bref. Donc...
Et t'avais pas un sentiment de culpabilité? Non, non, en fait, tu t'avais tellement demandé. Ah, t'as l'autorisation. Voilà, j'ai eu son accord, donc je me dis, voilà. Ah, mais c'est ça, justement, la phrase, je l'ai retrouvée. C'est normal, j'ai retrouvé sa phrase. Le jaloux, en faisant ça, il se rend maître de la situation, vu qu'il accepte. Donc, ça le rend moins jaloux. Parce que c'est lui qui donne. Ouais, mais c'est pas con, ton truc. En fait, le jaloux. Ouais, à partir du moment où c'est toi qui donne l'autorisation, si t'es jaloux, bah, tu te dis, bah, y a pas de regret à avoir, parce que bon, c'est moi qui. Il t'a autorisé à le faire, quoi. D'accord. Et donc, t'as reçu les vidéos, tu lui as envoyé les vidéos? Exactement. Du coup, le lendemain, quand j'ai envoyé d'abord, j'ai pas envoyé la vidéo. D'abord, j'ai fait une capture d'écran d'une partie, on va dire, d'une vidéo. Mmh. Et j'ai fait la capture, j'ai envoyé, j'ai dit, t'es sûr que tu veux voir tout le reste? Il mais me genre, dit, c'était quoi la capture d'écran? En fait, moi, en position de levrette, le mec avec sa bite dans ma chatte. Ah oui, donc il y a pas de... Non, mais le choc. c'est dur à voir. Donc, quand j'ai fait la capture, le mec, il m'a dit qu'il était à un arrêt de train. Et quand il a vu la capture, il me dit, je commence à bander, attends que je rentre, tu m'envoies le reste. Ah ouais, donc ton mec était content. Ouais, il a kiffé. En fait, il était déjà en train de bander comme un âne, parce qu'il se disait, non, voilà, il a... Donc, moi, j'étais choqué. Donc, j'envoie les quatre vidéos, et je me dis, est-ce que notre relation, est-ce qu'elle va continuer dans le... En fait, je pensais vraiment dans la relation dans le futur. Un mec qui te demande ça, est-ce que vous... Il y a encore de l'avenir, est-ce que vous allez vous marier, enfin tout ce tralala, vu que c'est pas une relation d'un an ou deux, c'est une relation de 7 ans. Ouais, mais avec un enfant en plus. Après, ça veut dire qu'il a confiance en toi et la relation est basée quand même sur la confiance. En ce moment-là, j'avais pas encore ma fille, j'étais pas encore enceinte, donc on était vraiment encore un truc. Donc je lui envoie toutes les vidéos et vraiment, moi je fais une petite prière là intérieurement en disant, j'espère que ça va pas tout gâcher entre nous. Mmh. Parce que vraiment, voilà. Donc j'envoie et, dans la journée, le mec est attentionné, amoureux. Il me demande tu veux quoi. Il m'a fait sortir pour des achats. Il me fait faire du shopping. En fait, limite, il était tellement heureux que j'avais l'impression qu'on venait de se rencontrer. Et il me donnait tout ce que je voulais. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Je comprends pas. C'était bizarre. Et après on a parlé. J'ai dit mais t'as vu les vidéos? Qu'est-ce que t'en as fait? Il dit il s'est masturbé 8 fois. Ah, il s'est branlé 8 fois en vrai. Ah ouais, quand même. Mec, ça l'a rendu ouf. Oui. Après, pour revenir à son témoignage. Oui, Mika. Moi aussi, je suis en train de me masturber. T'imagines. Non, je suis pas en train de me branler, mais. Pas loin. Moi, c'est un truc qui pourrait me faire kiffer. Pas loin, ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est un truc qui pourrait me faire kiffer aussi d'avoir. Avec un mec, il m'envoyait des vidéos en train de prendre son pied, juste prendre son pied, alors que... Oh putain, c'est chelou. Hein. Tu vois, Mika, il comprend, lui, Amandine, il est comme ton mec. Bah, comme j'ai dit, moi, ça fait 10 ans que je vais être avec ma femme, et je suis prêt à la demander en mariage, et moi, je veux l'avoir kiffé, que ce soit avec moi, avec un autre, avec... Alors justement, Mika, c'est quoi les trucs... Mais t'es épanoui sexuellement. Non, mais c'est quoi les trucs que t'as envie de lui faire à ta nana que tu fais pas, par exemple? Parce qu'il y a forcément des trucs... Non, c'est la situation, Marie. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être épanoui sexuellement ou pas. C'est juste une. C'est un kiff. Ouais, en fait, ton kiff, toi, ça serait de l'avoir se faire niquer par un autre. Voilà, c'est tout. Et ton mec, c'était pareil, Amandine. Ouais, c'est pareil. Après, le truc, moi, mon idéal, ce serait d'avoir avec une femme, mais je sais qu'elle ne le fera pas. On en a déjà parlé. C'est hors de question. Donc, je me dis pourquoi pas l'avoir kiffé avec un autre. Avec un autre mec, ouais. Après, vous avez refait l'amour, Amandine, après cette histoire. En fait, il y a vraiment une suite, en fait. Le truc, c'est que je lui envoie la vidéo, vraiment, tout se passe bien. Pendant un moment, il se calme, il ne me demande plus. Moi, je me dis, ça va, c'est passé, ce fantasme s'est passé, on n'en parle plus, voilà, c'est fini. Non, le mec, il en veut d'autres. Ah, il veut que tu te refasses baiser par d'autres mecs. Oh, retourne-y, bordel. Ah, c'est trop bien. Oui, et c'est là que je lui dis non, ça peut pas continuer comme ça. Ouais, t'as dit non. Et une fois c'est bon, après non. Ouais, à un moment, si je continue dans cette voie, c'est comme si toute notre relation, je me fais ken par tout le monde et j'envoie la vidéo tout le temps. Enfin, voilà. Comme ça, ouais, c'est chaud. Donc, donc j'ai commencé à dire non, ça peut pas continuer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on continue comme on était avant, une relation sérieuse. Si vraiment j'ai l'impression qu'on s'engage, si vraiment t'es mon mari, je sais que voilà, je peux faire ce genre de sacrifice pour une personne avec qui je sais que je vais terminer ma vie. Mais toi et moi, on ne sait pas si ça va donner un lendemain et je ne vais pas me faire ken par tout Paris parce que t'as envie de me voir. Parce que t'as envie de voir une petite vidéo tous les soirs. Comme ça, voilà. T'as qu'à aller sur Pornhub, tu fais chier maintenant. Hein. Voilà. Mais donc, c'était quoi l'avenir? C'était quoi l'avenir de vous deux? C'était quoi le... T'es encore ensemble, ouais? Oui, jusqu'à présent. Du coup, après ça, on a eu un enfant. Il a demandé à ce qu'on fasse un enfant. On a eu un enfant ensemble. Tout se passe bien. Mais maintenant, là, ce qu'il veut, c'est que un mec vienne me ken devant lui.
Ah, il a. Ah, bah, il a pas lâché. Ah, le mec, gars. Il a pas lâché l'affaire. Voilà. Ah, ouais, il est toujours là, le gars. Bah, c'est la prochaine étape aussi, en même temps. Ça s'appelle le candolisme, ça. Et ça, tu vas. T'as envie d'accepter? Un peu quand même, parce qu'en fait, depuis qu'il en parle, j'avoue que je regarde pas mal de vidéos de plan à 3. Ouais, en fait, faites plutôt un plan à 3 si t'as envie de t'amuser. Et le mec que tu choisis, il est pas comme ton mec? Enfin, pour l'instant, on sait pas qui on va choisir parce qu'on a peur, parce que là, il y a vraiment un truc, le nouveau gars, il voit mon mec. Et oui. On veut pas que demain, après-demain, il y ait des fuites, enfin. Ouais, ça c'est normal. Ouais, vous voulez garder ça pour vous, ouais. Voilà, on veut vraiment. Ouais, mais est-ce qu'ils vivent à distance ou vivez ensemble ou. Oui, on vit ensemble maintenant. On vit ensemble maintenant depuis 2 ans et il veut qu'on le fasse, qu'on se prenne un hôtel. On a même cherché un. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Et si l'autre mec, il a une plus grosse bite que celui de ton mec, par exemple? Ah, la taille de la bite qui a toujours passionné la Marie. Non, mais on sait jamais. Il m'a dit qu'il a pas de souci avec ça et en plus, il voudrait que ce soit vraiment un truc. Où lui me prenne derrière et que le mec me prenne devant, vraiment un truc. Ouais, là on va passer au plan à 3, ouais. Ah, la double P même. Tu vois, Mika, peut-être plutôt que de lui expliquer que t'as envie de la voir avec un autre mec. Tiens, j'ai le résultat du sondage express. Et il y a le résultat du clash aussi. Ah oui, le clash aussi. Est-ce que vous le feriez, les filles, si vous avez l'autorisation? Oui à 13% et non à 87%. Donc les filles. Non, mais bon, c'est un truc comme. C'est quand même particulier. C'est hein. Très particulier. C'est plutôt non pour vous, là, en tout cas pour le sondage express. Mais Mika, ouais, plutôt que de lui dire j'aimerais te voir baiser par un autre, parce que ça peut être un peu choquant, tu peux lui dire on peut essayer de faire un plan à 3 avec un mec, tu vois. Ouais, c'est peut-être mieux, plus facile à amener. Bah, passe mieux, ouais. Ouais, parce que moi, je sais qu'à la base, elle m'avait dit que son fantasme, c'était avec deux mecs. Donc. Bah voilà, tu peux lui proposer ça. Voilà, si elle te l'a dit. Ouais, non, mais c'est pour ça, elle a l'air open, mais comment amener le truc et lui dire. Non, mais va en club échangiste, tu voulais aller en club échangiste. Pour amener le truc, tu lui dis, vas-y, on reparle un peu de nos fantasmes. Non, mais sinon, aller en club échangiste, oui. Sans lui dire que, tu sais, pour un peu, vous ferez rien du tout. Tu sais, c'est histoire d'aller tâter l'ambiance, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et dans l'ambiance, ça monte, si elle a envie de ça. Pas d'ailleurs. Et si elle voit que t'es ok, à mon avis, elle va y aller. Exactement. Bon. Ouais, mais est-ce que si je lui dis, tu peux. Vas-y. Il y a un mec là, il te plaît, vas-y. Non, tu lui dis, il y a un mec qui te plaît. Non, mais pour un enculé, quoi. Moi, ce que je ferais à ta place, Mika, tu vois, s'il y a un mec qui lui plaît, tu peux lui dire, comment tu trouves les mecs ici? Et puis, si elle te dit, ouais, lui, il est pas mal, bah tiens, on va lui demander, on se fait un plan à 3. Et là, vous allez sur un plan à 3. Non? Ouais, c'est pas con. Ah, elle est bien mon idée, t'as vu. Ah, elle est très bonne. L'idée de génie. J'ai eu des idées depuis le début de la semaine. Je sais pas ce que j'ai, je suis en forme, mais c'est un truc de dingue. Non, tu vois, t'amènes plutôt ça comme ça, je pense. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Amandine? Oui, franchement, il pourrait lui dire. En fait, tout dépend également de l'ouverture d'esprit de sa meuf. Bah, enfin, elle est d'accord pour un plan à 3, donc elle est plutôt ouverte. Non, ouais, elle est déjà ouverte. Donc, pas déjà, pour c'est un pas plan mal. À 3, elle est d'accord pour aller en club échangiste d'abord. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est pas une personne fermée qui va dire ah non, pourquoi tu me dis ça, tu me dévalorises, blablabla. Enfin, voilà. Non, mais tu peux peut-être introduire le truc comme ça. De toute façon, dans le club échangiste, il faut bien avoir des gens baisés. Donc, ça va. Si elle, ça l'excite, ce genre de plan. Toi, ça va t'exciter aussi, et puis dans l'ambiance de la soirée. D'ailleurs, Romano, c'est peut-être ce qui va se passer. Hein. Tu vas peut-être voir Cariol en train de se faire démonter par un mec. Quand tu vas y aller, dans le club échangiste, parce que Romano va tester aussi le club échangiste. Là, si tu veux, il va y sans doute avoir embrouillé peut-être ta séparation. Tu vois peut-être une petite vidéo. Ouais, mais bien sûr, ouais. Et après tu rentreras chez toi et tu te taperas une petite queue. On la mettra sur les réseaux. Comme tu vas avec Cédric, peut-être que c'est ça. Non, mais Cédric, il viendra pas. Allez, vas-y, laisse-moi venir. Non, mais Cédric, en fait, je t'explique. Le club, là où je vais aller, ce n'est que des couples. Mais alors, on vient avec Marie. Ah ouais, j'en fais d'un coup. Perso, je ne suis pas en couple avec toi, Cédric, tu t'en rends bien compte. Moi non plus, je sais que ça te brise le cœur que je te l'annonce comme ça. Je suis brisé du cœur. Ça te brise le cœur. Bon, Mika, fais-le comme ça, je pense. Hein. Tu vois, t'as le conseil d'Amandine, une experte. Donne le coup comme ça. Ah bah si, Amandine. Ouais, après, Romano, s'il peut ramener Cariol, ce serait cool. Ah bah voilà, tu vois. Ouais, non, mais ça va aller, les gars. Parfait, mais c'est super. Non, non, mais c'est mort. Allez, jugé, vendu. Ouais, bah ouais, bien, Romano, tu es un spectateur. Après, tu vas commencer. Ouais, bah cool, ouais, bah attends. On est OK. Ça marche. Il est ravi. Tiens, mais bon, mais okay. Un écran dans le studio, oui. C'est pendant l'émission. Pendant l'émission, ça encore live. Comme ça, on décrit un peu ce qui se passe. C'est encore mieux. Ça, c'est une bonne idée. Bon, et Amandine, vous êtes toujours aussi amoureux l'un que l'autre, tout va bien? J'avoue qu'actuellement, c'est un peu monotone. Hein. Franchement, 10 ans ensemble, à un moment, on s'ennuie un peu. Bah, c'est peut-être pour ça que vous avez fait des trucs un peu chelous. Hein. Ouais. Faut s'amuser hein, quand tout le monde est d'accord. Bah, en tout cas, merci du témoignage, Amandine. On te fait des gros bisous. Ah, merci, allez. Merci à toutes les filles. Je vous aime tout le temps, je vous adore. Bah, tu déchires. Salut, bisous. On t'envoie ton pack Gital, t'habites où, Amandine, toi?
À Paris, dans le 75, oui. Dans le 75. Eh bien, on t'envoie ton pack digital à Paris. Et Mika, t'es où, toi? T'es dans le 62. Dans le 62, c'est et ça. Eh bien, on t'envoie ton pack digital à la maison. Ton pack digital, ton t-shirt Skyrock à la maison. Je me mets à distribuer des trucs qui coûtent très cher. Merci l'équipe. Bisous à tous les deux. Ouais, Mika. Mais calme-toi quand même. Mika, tu nous tiens au courant, tu nous racontes. On veut connaître la suite. Parfait, ça roule. N'hésite merci pas. L'équipe. Et puis si tu veux nous reparler, si tu veux nous parler d'un truc, n'hésite pas. Amandine, Mika, on vous embrasse tous les deux. Bisous. L'équipe. Ouais. Ça fait 20 ans que je vous équipe. Et merci à tous. Que tu nous équipes. Nous équipes. Pardon. C'est pas grave. Que je vous écoute. C'est mignon. Je travaille tous les matins à 5h dans un sous-sol. Et j'écoute les replays, j'écoute tout. Et vous me faites kiffer. Merci à tous. Ah, très ça bien. Fait plaisir. Et bien, à demain matin alors, Mika. Gros bisous. À demain matin. Salut à toi. Ciao. Bisous à tous. Ciao. Et on va retrouver Manon parce qu'il y a Charles Villeneuve qui dit Manon, elle a disparu. Je vous donne les résultats du clash de la drague quand même. Ah oui. Les résultats du clash de la drague. De toute façon, je me suis fait voler. Ah bah avec un casting catastrophique en tout cas de mon côté. À part Jean-Michel qui était sympa, sinon on a appelé à l'EHPAD donc. Bon. Résultat du clash Romano. Ça donne quoi Man? 13%. Cédric. Ah ouais. Non, ça va pas ça parce que Cédric 57. J'ai 13 pour Romano 57. Et j'ai 57 pour Cédric. Non mais là. T'as fait que 57. Ah c'est un 4, pardon, c'est mal écrit, regarde. Aïe, ouais, aïe. Franchement, je suis même pas déçu. Romano, 43%. Victoire de Cédric avec 57 ce soir. Bravo Cédric. Ah putain, ça fait plaisir. Bravo, bravo. Ah merci, merci. Oh merci public, merci. Ah ça fait plaisir. C'est bien parce que ça nous fait un clash de gagner par Romano, c'était lundi. Et ça c'est le passé. Vivons le moment présent. Lundi, Romano a gagné le clash. Merci, merci mon soutien. C'est quoi merci. Tous ces chiffres? Ouais, en même temps, j'ai gagné quand même autrement que Cédric ce soir. Lundi, j'ai fait 76. Ce soir, Mais c'est passé, ça, ma gueule. C'est vrai que c'est plus serré. Bah, à ce moment-là, mais c'est pour expliquer la belle de vendredi, Cédric. Ouais, c'est ça. Donc, vendredi, il y aura la belle en direct. Soyez là, la belle du clash. Qui va gagner? Ce sera le gagnant de la semaine. Alors, je voudrais des gens un peu plus jeunes. On va tout faire pour. Travailler dessus. Commencez peut-être le casting ce soir. Carrément. En tout cas, bravo, Cédric. Bravo, Cédric. Ah, merci. Cédric champion, nous dit Maxwell. Bravo, Cédric champion. Merci, la famille. Et là, j'espère qu'on va bien l'entendre. Manon en direct avec nous. Ah, là. Manon du 69, t'es là Manon? Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Tant qu'on t'entend, on y va vite Manon. Donc, allez, on profite du moment où t'entends. Là, t'as 28 ans donc. Et toi, tu me disais que tu étais non-voyante et que t'avais un chien super intelligent. Ouais, j'ai entendu vous parler chien tout à l'heure. Du coup, je voulais témoigner un peu par rapport à ça. T'as entendu comme Médeline, elle est intelligente? Bah oui, elle a l'air. Moi, j'ai jamais trop eu de staff, donc je les connais pas trop, mais c'est super un staff, c'est gentil comme tout. Ah, t'es gentil. Toi. Bah oui, de toute façon, les chiens, en principe, ils sont cool. Et en tout cas, ouais, mon chien, il comprend, genre, c'est vrai, ce que disait Romano tout à l'heure, un certain nombre de... Enfin, il y a plusieurs mots, mais même genre assez... même des trucs que des humains, des fois, ils ont du mal, genre à droite, à gauche. Des fois, les humains, ils savent pas, ils disent « Attends, allez, à droite et tout ». C'est ouf. On avait un chien dans le quartier qui traversait dans les clous, qui regardait à droite. Il se baladait tout seul. Dans les clous. Ouais, dans les clous. Il regardait à droite. Ah bah c'est son taf. Il fait traverser. Il donne les passages piétons. On lui demande et tout. Bah, les chiens non voyants en fait, c'est tes yeux quoi. Le chien, c'est tes yeux. En tout cas, c'est. Non mais bon, c'est une image jouée forcément. Et c'est quoi ton chien? C'est un golden retriever. C'est mon deuxième. C'est mon deuxième. J'ai deux golden. Je préférais cette race là. Et mais sinon, chien guide, il y a quoi de Médeline, salut ton golden retriever. Essentiellement, salut. Il te dit bonjour. Des fois, il remue quand il entend Médeline le soir. Il a un petit mouvement. Forcément. Il est cool cette radio. Il y a un copain à moi qui parle. Il y a une copine à moi dans la radio. Il y a une copine. Et ouais, il y a beaucoup de labradors, beaucoup essentiellement, quelques golden. Et puis des croisés golden labrador. Des fois, il y a des bergers allemands, mais c'est un peu plus rare. Et pour les gens qui sont allergiques, il y a des choses comme des choses. Labradoodle. Oui, c'est ça, des labradoodles ou même des caniches royaux. C'est les caniches, mais grands. C'est les grands caniches. Et les labradoodles, c'est un mélange entre labrador et caniche. Ouais. Et pourquoi c'est une race qui a été créée, en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est de la laine. Eux, ils ont de la laine sur le dos. Ils ont pas c'est anti-allergène. Ce sont des moutons, les bordels. Ouais, c'est ça. Mais les caniches, c'est anti-allergène aussi. C'est ça, mais ouais. Donc, pour les gens qui veulent des chiens guides, mais qui sont allergiques, on leur donne ça. Et voilà. Et une fois, j'ai vu un border. Oh, c'est un chien guide, mais c'est quand même particulier parce que c'est speed. Et du coup, faut quelqu'un de speed en face, sinon le chien il te fait. Il te traîne. Il fait du ski nautique derrière. Quelqu'un de péchu derrière. Voilà. Mais c'est ça qui
est intéressant, c'est qu'ils regardent vraiment en fonction du caractère de la personne et du caractère du chien. Ouais, parce que c'est ça, moi j'avais vu un reportage là-dessus, c'est-à-dire que quand ils éduquent les chiens, après tu vas faire genre un mini stage et c'est les chiens qui te choisissent. Ah bah puis ils te connaissent, les éducateurs te connaissent bien, genre si t'aimes marcher doucement, on va pas te prendre un chien hyper speed. Sinon quand il est à la maison, c'est un chien normal quoi. Ouais, quand il est plus en mode guidage, quand il a plus son harnais avec écrit Shaggy, c'est un chien normal. Est-ce qu'il va te chercher des trucs dans le frigo? Non, il a pas été éduqué pour ça. Par contre, le mien, il adore porter, il adore rapporter, donc il porte le courrier, il porte des petits sacs pas trop lourds parce qu'il kiffe avoir des trucs dans sa gueule et les porter, il est tout fier, il lève la tête et tout, il est tout content. Et du coup, moi je lui fais faire ça, mais c'est du bonus, c'est-à-dire que nous, les chiens guides, sont pas éduqués pour nous rapporter des trucs dans le frigo. Il y a des chiens qui sont éduqués pour ça, ouais. Ouais, ils sont éduqués. C'est vraiment leur. Chiens éduqués pour t'aider quand t'es dans la rue. Voilà, c'est vraiment les obstacles, faire éviter tous les obstacles, les passages piétons, donner des places dans le métro, des choses comme ça. Okay. Tu vois, Romano, toi qui dis que Médéline, elle comprend rien. Regarde, elle comprend tout, on parle de chiens depuis tout à l'heure. Non, mais tu sais ce qu'elle veut, la Médéline, elle veut juste un gâteau encore. C'est ça. Mais le chien, un chien guide, entre guillemets, ça travaille jusqu'à sa mort ou à un moment donné, ça prend sa retraite? Moi, j'en suis à mon deuxième. Ma première, elle est partie à la retraite. Elle a 9 ans aujourd'hui et elle a la retraite à partir de 9 ans à peu près. Mais ça t'a pas fait de la peine de la laisser? Après, il y en a qui les gardent. Hein. Franchement, elle était trop fatiguée. Ça me faisait trop de la peine de la faire bosser alors que le confinement, ça l'a un petit peu. Mais t'aurais pu la garder à la maison à la retraite? Avec 40 mètres carrés et pas de jardin, je pouvais pas garder. Ouais, c'est un peu compliqué. Et ton chien, il te protège, genre, si t'as un mec et tout ça, il. Oui, mon deuxième, là, oui, il est un peu plus protecteur. Ma première, elle en avait rien à foutre. Mais vraiment, je pense sur rien. Cambrioleur, elle lui faisait la tête, elle faisait. Ouais, oui, bah après, ouais, c'est comme tu dis, c'est un chien guide, c'est pas un chien de garde. Hein. Voilà, c'est ouais, ça. Mais bon, deuxième, c'est pour ça que je pose la question. C'est un mâle, lui, il est un petit peu plus. Quand il comprend pas un truc, il aboie, il est un peu plus. Il fait un peu plus attention, lui. Il protège. Voilà, c'est des trucs, c'est encore une fois, c'est du bonus en fonction du caractère du chien. On les éduque pas à la défense, on les éduque à nous guider. Et c'est déjà ouf. Non, en tout cas, ouais, c'est bien. Franchement, c'est génial. En tout cas, tu lui feras un gros bisou. Comment il s'appelle? Réco. Eh bien, Réco, on te salue. Il a une léchouille de Médéline, tiens. Ah oui, elle tourne. Ah bon, Réco, il est à côté, là, il dort. Donc Réco, il a 2 ans. Il est posé. Salut Réco. Bravo. Ah oui, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. C'est l'année dernière, il a 2 ans, là, ça fait 7 mois, lui. Bah, Médéline a 2 ans, elle s'appelle Médéline, oui, pas Rédéline. Ah, est-ce qu'elle a pas respecté le. Vous n'avez pas respecté. Bravo, Karim. Il n'y a pas de respect. Bravo. C'est Rédéline. Les races, ils sont obligés de respecter, et voilà. Bon. Mais ouais, ils comprennent plein de trucs, et c'est chouette de pouvoir emmener son chien partout aussi, ça c'est cool. Ouais, c'est cool. Dans tous les endroits où on va, c'est sympa génial. De pouvoir s'éclater. C'est vrai que les chiens guides, ils sont acceptés partout. Les endroits d'entrée à la boulangerie, partout. Partout. Moi, je vais prendre l'avion partout. Très bien. Eh bien, on te fait une bise. Bise à toi, Eriko. Merci, Manon, de nous écouter. Vous avez gentil, en tout cas. Des gros bisous à toi. Merci pour ton appel. Merci, Manon. Bisous. Salut, Manon. Ciao, Manon. Salut, Manon. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. C'est gentil. Faudrait qu'on achète des t-shirts pour chiens. C'est Carriole qui propose ça l'autre jour, qui voudrait faire des t-shirts Skyrock pour les chiens. Des croquettes Skyrock. Ouais, aussi. On peut faire aussi des baskets, non? Ouais, c'est vrai. Voilà, des croquettes Skyrock, j'en veux bien. Et ben voilà. Bon, on vous laisse vite. C'est demain soir qu'on se retrouve pour la Radio Libre. Demain matin pour le morning. Soyez là entre 6h et 9h. On exclut un chirurgien, un influenceur demain matin à écouter. Et une influenceuse également. Et une influenceuse. On se refuse rien. Ne loupez pas le rendez-vous entre 6h et 9h15. C'est le morning, 21h minuit Radio Libre. Bonne nuit à vous. À demain. Et puis, Corentin, tout de suite, Urban Music Non-Stop, le son de Skyrock. Bisous, à demain.